Je passe une game. Hop là. Moi aussi, pareil, c'est où ça? Drelin, drelin. À chaque fois, on se réveille, on dirait qu'on a une grosse cuite. Mais un peu, ouais. Combien de temps pouvez... Quoi? Pensez-vous pouvoir résister? Flameheart. On sait pas ce que ça veut dire. Ah, c'est dans le jeu les méga sons aigus ou c'est mes oreilles? C'est peut-être tes oreilles. Et j'ai jamais... Soyez le champion des... Ah non, c'est dans le jeu. Pourquoi c'est sale? J'ai décidé, âme... Quoi? Pourquoi c'est sale? Non, mais il y a deux mots superposés. J'ai décidé ah ouais. D'organiser un événement. Les pirates qui aident l'ordre des âmes seront généreusement récompensés. Consultez votre journal pirate pour plus d'informations. Je pense que c'est fait exprès, mais... Oui, mais c'est parce qu'on est là. Bon, par contre, du coup, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est au niveau du journal du pirate. Journal du pirate, la gazette du pirate. Journal, voilà, et donc, progression de saison, fin de saison dans 9 semaines. Ah oui, ouais, non. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais pourquoi tu nous parles? J'ai pas le forfait, laisse-moi tranquille. J'ai pas le courant. Donc nous, on est quoi? Dans tâche? Non. Tiens, c'est nouveau, ça. Ah oui, on est encore dans saison 1. Il y a plein de tâches à faire. Terminer les épreuves pour une belle augmentation de renommée. Il en existe 4 types. D'accord, ok, c'est intéressant. Salut Ayel, comment vas-tu Ayel? Coucou Ayel, chère Rebecca. Tu es bien nocturne? Tu es bien matinale. Tu es bien matinale. Plunder Pass. Putain, je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux comprendre hein? La journalière, récompense. Putain, en fait, il y a des tâches journalières, tu fous ma gueule. Ah oui, il y a des quotidiennes, effectivement. Le navigateur de la fonds de cale. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Bah, mais arrête de t'approcher des PNG, ça suffit. Mais je m'approche de personne, c'est lui, il me parle dans mes oreilles. Il te parle pas dans tes oreilles à toi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est chez toi, je pense. Quoi? Ah bon? C'est peut-être chez moi, en fait. Moi, c'est chez lui. Il disait. D'accord, on sait pas. Quête, voilà, il faut aller dans les quêtes. Et donc, nous, on est dans les fables. Les étoiles d'un voleur. Oui, c'est ça, c'était la numéro 4. Vous avez retrouvé deux joyaux, d'accord? Et bah oui. Ah oui. Voulez-vous vraiment. Ben non, 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 surtout pas. Ah bah non, Rebecca, non, je renonce pas du tout. Oui, voilà, on continue. Moi, je dors jamais, dit Ayel. Ah, c'est pratique ça. Coucou, plutôt re-coucou, exactement. Voilà, on est en mode coucou, re-coucou. Coucou. Tout à fait. En mode coulou-coucou, sache-tâche. Coucou. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, Flame? Ah, mais c'est lui dans le ciel qui parle, d'accord. Ah, et toi il te parle pas, toi? Mais parce que je suis pas sortie encore. Mais moi non plus, je t'ai pas sortie qui me parlait déjà, je comprenais pas pourquoi ça me parlait du plafond, non, mais toi, c'est lui là-bas, là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai pas le forfait, moi, pour vous rejoindre, monsieur, là. D'ailleurs, faudrait qu'on reprenne le. Tu sais le. Non, on fait des phrases. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Coucou. Le fanion. Ah, là. Le fanion, là, ouais, effectivement. Je vote. Ah, c'est bon, j'ai voté sur la table à droite, Rebecca. Ah, d'accord, c'est ça. D'accord. C'était ah. Ça. Mais du coup, on aurait pu prendre l'autre, le truc avec les crânes, mais. Non, on s'en fout, nous, on veut de la thune. Enfin, je sais pas pourquoi, mais moi, je veux de la thune. De la thune. Dieu lui parle. Un homme dans le ciel. C'est Triton. Mais oui. Ah bon, il a changé, dis donc. Ouais, il a de la barbe. Vous avez fait preuve de hargne, mais votre fin est proche, dit Flameheart. Mais qu'est-ce que tu veux? Je connais pas la mission, monsieur. Moi, je suis en train de faire une quête tranquillou, là. Il me faut le paguer par une divinité. Par une divinité. Prends cette tablette avec les dix commandements. Non, j'ai pas le temps, monsieur. Tu vas devenir. On s'en fout. Déjà un buisson qui parle. Oh là là. Le buisson ardent, là. Bon. Le buisson ardent. Donc, il faut faire le skin, hein, comme d'habitude, tu sais. Ah ouais, le skin. Allez, ouais, à défaut d'avoir du skill, on fait le skin. Ouais, c'est ça. Alors, madame, bonjour, je voudrais le skin. Et sinon, comment ça va, les filles? Voilà, parce que moi, j'ai les filles en chat. Ah ouais, moi, je... Ah bah tiens, s'il y a Louvi qui est là aussi. Allez, marin d'eau douce. Ouais, autant profiter du multistream, les filles. Comment on fait? Ah non, c'est pas là. J'ai fait pour l'instant. Hein. Alors, attends, qu'est-ce que je peux mettre, moi? Moi, je peux mettre Rebecca ça. Rebecca utilise la personnalisation. Oh. On peut pas le faire en même temps que toi. Non, mais c'est pas grave, je vais regarder ce qu'il y a acheté. Bon, mais... Non, mais ça va. Trop tard. Voilà. Oh, le petit chat, il s'est mis près du radiateur. Petit chat. Ouais, les petits chats. Ça, c'est quoi? Pavillon d'amiral éminent. Qu'est-ce qui se passe? Et boum. T'es tombé dans l'eau? Je saute dans mon bateau. Bon, d'accord. Je saute dans le bateau. Et voilà. Le pavillon de Loudmer Renégat. Putain, seulement je savais à quoi tout sert ces pavillons. Je sais pas s'ils sont seulement esthétiques ou si ça fait des trucs. Je pense qu'ils sont seulement esthétiques. Wow. Mais oui, qu'est-ce que tu veux acheter ici? Rien. Si, on peut acheter que quand on tire dans le canon, ça tire d'une certaine couleur. Tu veux faire ça? À 110 non, 000 pièces d'or, ça, on peut tirer violet. On s'en branle. Mais oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va en foutre de toutes ces pièces d'or? Voilà, rien. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas quoi.
Voilà. Oui, mais bon, autant l'utiliser pour des trucs plus sympas. Bon. Des. Je ne sais pas quoi. Ouais, voilà. Alors, ça. Eh, salut Nefiros. Mais oui, du coup, Sea of Thieves. Ça. Tout à fait. Et oui. Et oui, Jamy. Et oui. Oh, mais ça tire que blanc quand on tire. Ah, et la coque. Ah, moi, je veux une meuf, là, comme ça, là, voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du bateau, ça. Voilà. Recoucou, Nefiros. Nefiros, il m'a envoyé encore une nouvelle émote aujourd'hui. Oui, tu l'as vu celle. Attends, c'est laquelle déjà, parce qu'il nous en envoie tellement. Je te dirai pas. Je sais plus si c'est juste pour moi ou... Attends, c'était laquelle déjà? Non, moi, il m'a envoyé une emote pouette. Ah bah pareil, il m'a montré le pouette aussi. Bah voilà, c'est ça. Mais du coup, je me suis demandé si c'était pour toi ou pour moi. Bon. Mais du coup, c'est... Non, c'est pour moi. Non, de toute façon, pour ça, il faut déjà que je débloque des trucs. Ouais. Hop, voilà, c'est bon. Pour les poissons. Sur la table, il faudra que tu viennes voter pour la quête principale que j'ai remise sur la table. Voilà. Yes. Oh ouais, bien. Bon, ceci dit, j'ai un peu la flemme de looter encore. Ouais, pareil, on part, on va mourir, c'est pas grave. J'éteins les lumières. C'est vrai que là, il fait jour. Ah tiens, on va quand même charger les canons, faut pas déconner. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui nous pète? Mais il pète les couilles, lui. J'avoue, il est un petit peu inquiétant quand même. Comment on sort du canon sans se canarder? Merde, je sais pas comment on fait. R encore? Sans scanner. Merde, je sais pas comment. Non, au secours! Rebecca! Allez, au revoir, Junior! Non, je sais plus. Je sais plus comment. Ah, c'est bon, ça y est, c'était F. Putain, j'ai eu peur. Bon, alors du coup, on en est où? Voilà, on a les deux joyaux qui ont été mis sur la table. C'est bon. Ok, super. Ouais! Je rappelle qu'à une époque, en fait, on pouvait pas faire ça. Ouais. T'étais obligé de reprendre la quête depuis le début. En fait. Il fallait reprendre la quête depuis le début, effectivement. Donc, on en était où? On en était à... Attends, la troisième étape. Oh, mais ferme-la! Putain, ils nous taunent, toi, là, comme ça. Hé, hey, elles sont là, voilà. les T'as vu? Bah, tu les as vues sur la table, j'imagine. Mais oui, je te l'ai dit, mais t'écoutes. Non, il y a le mec qui me fait... Oh, vous allez mourir! Alors, voilà, donc... Ah, tiens, c'est marrant. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça... voilà, on a donc... Ce chant des anciens évoque une bataille. Blablabla. Ah, on n'a plus les mêmes. L'atterrissage de l'aigle. Ah, on n'a pas le même qu'au début. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on reprenne. Bon, on a les deux gemmes. Voilà, faut qu'on aille à une histoire insaisissable. Une histoire insaisissable. Donc, chercher l'île du charmeur serait un bon début. Donc, une île en dessous du serpent. Sur l'île du charmeur. Voilà, sur l'île du charmeur. Oui, chercher sur l'île du charmeur serait un bon début. Voilà. Poisson éclat. Ça, on avait la même. Ah, mais oui, on a amené les anciens. Oh là là. Vivement qu'on se barre de cet avant-poste. Amener les anciens vers de nouvelles terres, il m'amènera aussi. Donc les pierres. Hein. Donc en fait, on. Les pierres dans un tunnel sous les vagues, sur une île jamais cartographiée. Quelles sont ces... Donc bah, voilà. En gros, on va sous l'île, on va sur l'île qui est sous le serpent, puis on va en direction du poisson qui nous amène sur une île où il y a une statue. Ok, on fait tout ça dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Même si on trouve le poisson avant, on va d'abord sur l'île du serpent. On arrête de faire les cons. Et maintenant, en une demi-heure, ça sera plié. Alors, bon, faut qu'on trouve le serpent. Ta réserve de pommes, du coup. Attends, est-ce que j'ai trouvé le requin. J'ai raté des morceaux de chat. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit. Je fais mes pâtes, du coup, ce soir. Pâtes au pesto et fromage râpé. Et bah voilà. Mais c'est à cette heure-là que tu manges, toi? Oui, bon, bah voilà. Moi, j'ai fait la fête à ma réserve de pommes. Tout va bien. Et encore, Ayel, pour moi, là, actuellement, c'est le repas de midi. Putain. Quand même, bon repas de midi avec un peu de retard, comme c'était 14h, quoi. Ouais, mais midi, quand même. À 2h26. Tout va bien. Non, mais... De toute façon, ici, ça veut rien dire. On fait des trucs, voilà. Tu l'as trouvé, le serpent? Non, je cherche. Ok, alors, je vais regarder de l'autre côté, moi, vu que t'as cherché, là. C'est putain, pour peu qu'il soit derrière le caillou, là. Non, ça c'est un bonhomme. Ça c'est quoi ça? Bonhomme, le scarabée. Ça c'est. C'est quoi ça? Oh, c'est le crabe. Ah oui, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est le bonhomme. Ouais, ça c'est le bonhomme de fer. Hein. Le bonhomme de fer. Il peut tout faire. Le bonhomme. Ça j'ai le scarabée. En fait, on devrait se répartir hémisphère nord, hémisphère sud pour pas couvrir trop de terrain tous les deux. Finalement, au secours, j'ai mis trop de sensibilité à ma souris. Ah. Ah, donc toi tu regardes par là, ok, bah, continue à regarder dans ce sens-là, moi je vais regarder dans ton dos, ok? Ok? Ouais. Donc, je prends, t'es où toi? Oh là là, trop de sensi, voilà, je prends à partir de l'île, là, je regarde à partir du côté droit,
De l'île, ça c'est quoi? Non, ça j'avais déjà dit, c'était pas ça. Ça ressemble pas à un serpent, ça. Non, mais je suis sûr qu'il est derrière le caillou, hein. À tous les coups. Donc là, je regarde, je coupe le plafond, y a rien. Je fais un petit tour à droite et je redescends. Hop, ça c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas le serpent? Pas du tout, c'est un cube. Et le cube, oui, c'est quoi? C'est le cube, c'est le scarabée. Ça c'est marrant, du coup, il m'emmerde là. Il me dit Hello, if you're seeing this. Oui, qui and ça? And you're not already on Twitch TV, click here. Bah là, j'ai une fenêtre qui fait chier en fait. Mais sur le jeu? Non, dans le multistream. Ah, mais pourquoi tu l'ouvres pour toi-même? C'est con. Oh, d'accord. Comme ça, je peux voir chez toi si. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te dit du coup? Bah, du coup, il me dit Hello, if you're seeing this. Bah voilà, en gros, il veut pas me laisser regarder de. Voilà. Donc, je sais pas comment les gens font en fait en multistream. Je sais pas. Je m'y connais pas assez pour connaître la différence ou non, juste entre pesto basilic et zucchine au pesto à la genovese. Et bah écoute, tu goûtes? Moi j'ai envie de dire. Tu veux savoir, faut goûter. Non? C'est sympa ça. Oh là là! Alors derrière nous il y a trois bateaux, je sais pas ce que c'est. Ils sont tout blancs. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. C'est des bateaux fantômes, non? Ouais, mais c'est la première fois que je pense que c'est le mec qui gueule dans le ciel qui envoie des bateaux. Ouais, bah ça fait flipper un peu quoi. Ils arrivent sur nous? Non. Non, ils vont vers le crâne, mais enfin, ceci dit, j'ai quand même l'impression qu'ils se rapprochent. Vous commencez à mettre des agréments. Ah, j'ai trouvé le serpent! Putain, il est où? Le serpent, il est en. Cap vers le ouest-nord-ouest. Ouest-nord-ouest, très en haut dans le ciel. Quasiment à hauteur de. Quasiment au zénith. Ouest-nord-ouest, presque zénith. C'est bon? Ok. De toute façon, on va vers l'île en face. Alors, c'est quoi? Ouest-nord-ouest? Voyons voir. Donc, on va sur une île, c'est ça? Une île ouest-nord-ouest. Ouest-nord-ouest. Bah, c'est soit Lookout Point, soit Shark Bait Cove. Je pense. Attends, j'ai dit quoi? Ouest-nord-ouest. Ah non, c'est un peu plus haut en fait. Ah merde, mais on va pas. Mais où est-ce qu'on va aller? Merde, je sais pas. Parce que là, on est à l'avant-poste Plunder. On a dit ouest-nord-ouest. Sinon, on met le cap. Ouest-nord-ouest. Et puis, à ma foi. Ça doit être Discovery Ridge, je pense, en fait. Parce que le finest trading post, ça, je pense pas que ce soit ça. Ce sera pas sur un fort. Donc, la seule. Je sais pas si tu regardes la carte en même temps que moi. Ouais, le seul truc qui reste, c'est ça, en fait. En ouest-nord-ouest, tu vois, c'est qu'on aille par là-bas. Et eh ben, voilà. Donc ouais, c'est parti. Ouais, bah écoute, allons-y. Hein. De toute façon, on a déjà été au-dessus, Plunder Valley. Ouais, non, je pense pas parce que ça c'est trop nord en fait. Là, c'était vraiment ouest et très légèrement nord, donc c'est vraiment Discovery Ridge qui reste. De toute façon, il vaut mieux tant qu'on n'est pas sur l'île, il faut. Non, j'ai envie de dire, faut peut-être mettre la garder en vue la. Ouais, le serpent. Ouais, on va essayer de faire ça. Ok, t'as baissé tout. Ok, d'accord, j'arrive. Voilà. Chèvre miel trop bon. Oh là là, vous mangez de ces trucs. Alors attends, du coup, t'as dit nord-nord-ouest. J'ai dit ouest-nord-ouest, pas du tout. J'ai dit ouest, mais ouest en priorité et légèrement nord. Ok. Non, c'est pas ça. Voilà. Légèrement. Je sais pas où il est. Quoi donc? Non, je le cherche en fait. Ah, le serpent. Ouais, je sais pas où. Bah, c'est toi qui l'avais vu. Hein, donc, ouais, mais bon. Essaye de le retrouver quand même. Ouais, t'as raison. Je garde la barre. Je crois qu'il était très haut dans je le ciel. Si on finalement. Est dans la bonne, si on est dans la bonne direction. Alors, il était où ce con? Ce problème, c'est que le ciel a bougé depuis. Ah, c'est bon, je le vois. Il est, voyons voir si je vérifie l'azimut. Il est haut dans le ciel, mais toujours ouest-nord-ouest, c'est ça. Donc, et ben c'est quasiment le cap qu'on a, je crois là. Si je prends ça ouais, c'est bon. Et que je regarde en l'air, il est où là? Il est là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste très haut dans le ciel, mais c'est ça. J'ai pas besoin de dévier légèrement. Non, mais de toute façon, je pense que c'est, Discovery Ridge. Donc tu peux aller légèrement vers la droite, très légèrement si tu veux. Là, ça va un peu vers la gauche. Faudra aller vers tribord plutôt. Voilà. Sinon ça va ici aussi, Nafiros, ouais. J'ai faim. Hey, pour une fois j'ai pas faim. On a bien bouffé, on a bouffé tard en plus là, donc. C'est moi qui ai bien préparé. Ouais, mais non, mais faut dire les fins. Voilà, les gens ils ont faim, mais
Pourquoi ? Parce que ça parle de bouffe dans le chat. Peut-être, c'est vrai. Alors attends, parce que du coup, là, je suis face à deux îles, il y en a une déjà en face. Qui est sûrement un fort, donc non, c'est plus loin Discovery Reach de toute façon. Okay. Moi, j'ai pas faim. T'as juste envie de dormir, non ? Ah, putain. Alors, voyons voir sur la carte. Faudra que tu... Ouais, on va garder l'île qui arrive vers nous sur la droite, hein, vraiment, à tribord. Ouais, ouais. Et on va encore plus loin, tout droit. Voyons voir. Hop. Normalement, le grand caillou que tu vois, bah, c'est pas ça. Hein, mm-hmm. Évidemment. Donc ça, c'est un fort. S'il nous tire dessus, on est dans la merde. Mais non, tout va bien se passer. Ok. Last gold. On n'a jamais fait un fort. Hein. Un jour, faudra qu'on joue avec des gens qui ont du skill et de l'habitude et qu'on suive des gens qui vont faire un fort ou des trucs de badass, tu vois. Ouais, parce que nous, on est des tanches quand même. Ouais. Mais des gens avec un vrai microphone. On a un bon son. C'est déjà bien. Ah bon ? Mais c'est moi, j'avais envie de dire ting-ting. Et l'autre qui nous fixe du regard, là. Tu veux ma photo, banane ? Banane. Ah ouais, ça c'est violent, ça. Ouais. C'est fou, parce que c'est... Ah ouais, d'ici 5-10 minutes, tu dois bosser avec Ori demain. Non, c'est demain, c'est pas d'ici 5-10 minutes. Qu'est-ce que tu racontes, Ayel ? Faut choisir, hein. C'est soit dans 5-10 minutes, soit c'est demain. Vous travaillez sur quoi ? Je peux avoir l'exclu. Putain, mais elle est où, cette île de Seymour ? Île de Seymour. Eh, mais faut barrer à droite, madame. T'as pas gardé le cap du tout ? Pas du tout. Allez, ouest, nord-ouest. Passer à droite du caillou. Ouais, ouais. Ah putain, ouais. Elle file d'ici 5 minutes parce qu'elle doit bosser demain. Demain, voilà, c'est ça. Bon, on te prend pas le caillou quand même, évidemment, hein, Rebecca, mais... Mais non, j'y suis loin. Hein. Ça va. Ouais, c'est vrai que je pourrais tirer un peu les voiles plutôt que de râler. Ouais, hein. Ça sert à quelque chose, au lieu de râler. Bah, j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est moi qui suis à la barre. Ouais, t'as pas l'habitude. Non. Ah, c'est ça. Alors, vous bossez sur une nouvelle vidéo ? Cette petite émote de chez Becky. Demain, aujourd'hui, vendredi ou demain, c'est bah oui, en plus. Ça, on sait pas. Mais non, mais c'est sûr que c'est vendredi. Voilà, et les donc... arrangements de mon EP. Oh, oh. Ça, c'est oh. Bien. Donc tu rebarras à bâbord dès que tu pourras, évidemment. Hein. Une fois que t'as dépassé le caillou, hein, le cap, c'est toujours ouest. Ouais, mais là, il y a une île devant. Non, c'est ouest et très légèrement nord, Rebecca. Je le répète encore une 12e fois. Putain, mais c'est loin. Mais oui, je t'ai dit, c'est loin et c'est ouest très légèrement nord. C'est pas nord-ouest, c'est ouest-nord-ouest. Ah là là, ce qui est un cap à part entière, ouest-nord-ouest, hein, entendons-nous bien. Donc tu vas garder le petit finest sea post à ta gauche, hein, à bâbord, là, la toute petite île qu'on voit en face. Et tu continues. C'est la grosse île en face, là. C'est la grosse... Pas notre droite, du coup, à gauche, là-bas, au loin. Oui, ouais, c'est ça. Salut, Yuking. J'arrive au moment pour l'annonce. Ah, recoucou. Allez, re. Alors, Naphiros, il a pas suivi. Effectivement, moi, j'avais partagé dans musique une chanson d'Aiel. Ah. Oh, progression des tâches. Naviguer sur plusieurs kilomètres Dans la mer. Putain, mais incroyable. Quel accomplishment. De ouf. Dis donc, je suis marin et je navigue en mer. Ouais. C'est incroyable. Comment que ça va, Yuking, aujourd'hui ? Yuking qui était sur le stream de Becky tout à l'heure, ouais. Oui. Effectivement, elle était chez moi. Ah, on nous tire dessus, Rebecca. Il y a un gros boulet qui vient de partir depuis l'île. Un deuxième boulet qui vient de partir depuis l'île. Oui. Hop, allez, je gonfle les voiles. Ah putain, un troisième boulet qui part. Et à un moment donné, ça va peut-être nous toucher, hein. Ça part de très très haut. Et putain, mais alors, c'est une comète, c'est plus un boulet, là. Ça tombe derrière nous, mais c'était pas mal visé, quand même, hein. Bien vu. Donc, je sais pas s'il y a des gens ou des squelettes sur cette île, mais voilà. Oh, bah. Hop, je te regonfle un peu les voiles. Et donc, effectivement, on va arriver à destination. Ça y est, enfin, oui, youpi, yalala. Et donc, à partir de là, bah, de toute façon, on n'a pas besoin d'accoster. Oui, c'est vrai. Faudra juste chercher on le... Voilà. La il y a vraiment une constellation du poisson. Je me rappelle pas avoir croisé une constellation du poisson. Il y a un poisson. Il nous tire encore dessus, les gars, là. Non. Ça va bien rebooster niveau humeur par Andy the Frenchie, particulièrement en forme ce soir. Ça fait du bien en période de down. Ah oui, effectivement, j'imagine. Elle est tout le temps en forme, non, Andy ? Je sais pas. D'une certaine manière, oui. Une pêche d'enfer. Ouais. Tu vas pouvoir dégonfler les voiles. Remonter, dégonfler les voiles. Oh, t'as vu, y a un truc qui brille là-bas, tu veux le récupérer ou pas ? Justement, ouais, ça doit être une statue, ça.
Par contre, oui, remonte la voile. Hein. Citer, c'est les statues. Ouais, je sais. On aurait pu la taper au boulet de canon. Ah oui, c'est vrai. Allez. Je vais essayer pour voir. Ok. Voyons voir. J'ai plus mon bug. Si j'essaye. Ah. J'ai pas la houle avec moi, du coup je peux pas tirer dessus vraiment. Ah, si là, peut-être. Yes. Ah, pas mal, hein. Hop, on va attendre pareil d'avoir un peu la houle basse. Raté. Non, mais faut la taper. Rebecca, ça marche pas comme ça, faut la taper au corps à corps longtemps. Ouais, j'essaye. Pour que ça marche. Parce que là, le problème, c'est que tant que tu tires, je vais pas aller. Ouais, non, effectivement, mais j'ai pas la houle avec. Si là, comme ça. Non, je pense que ça marchera pas, faut vraiment y aller au corps à corps. Ouais, bon, j'y vais. Il aurait fallu qu'on se booste un petit peu, mais bon. Bon, j'ai pas pris beaucoup de trucs à manger, moi. Allez! Ils ont fait des mouettes maintenant. Ah ouais? Ouais. Allez! 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 Je suis dans le rouge et j'ai plus de nourriture. Ah, moi aussi je suis dans le rouge! Allez, meurs! Voilà! Putain, c'était chaud! Ouf! Vite de la bouffe. Avant qu'on soit attaqué par un requin. Voilà. Fallait insister, hein. Fallait pas perdre espoir. Hein. Fou là. Ok, c'est bon, tu ramènes ça. Aujourd'hui, pourquoi tu parles de ça, Lou? Okay. Demain, on a dit, oui. Mort de rire, donc. Donc quoi? Youpi! Un petit rubis! Rubis! Je sais plus faire les dashs, Rebecca, j'ai l'air d'un boulet. J'arrive pas à faire. Comment on fait déjà? Tu restes appuyé. Oui, mais je sais. Tu n'avances pas. Ah, faut pas avancer. Faut s'appuyer sur le tir, ouais. Ouais, mais faut pas être trop bas dans l'eau, ni trop haut dans l'eau, et du coup, à chaque fois, je me foire. Ah, voilà, d'accord, ok, c'est bon. Un cerveau en place. Putain, maintenant, mais il faut bouffer énormément de trucs, en fait, pour remonter la santé. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Non, vraiment. Bah non. Tu sais bien, la banane, ça demande énormément, mais par contre, la noix de coco, c'est peut-être autant. Dans mon souvenir, c'était pas ça, hein. C'était pas autant, en tout cas. Mouaf. Ils se sont dit non mais oh avec des bananes genre peut-être quoi magnésium et tout ça. Magnésium. Ok, donc on est là maintenant. Oui, il y a du magnésium dans la banane. Oui, mais non mais je sais mais. Alors, donc il nous faut maintenant la constellation du poisson. Elle est poissonne. Pas un poisson. Alors, ça. Le poisson. Ça c'est un monsieur qui se bat. Alors tu regardes de quel côté toi? T'es où? On va dire que je regarde la proue. Ouais, côté proue, tout demi-proue devant. OK. Donc en regardant l'île sur la gauche. Ok, donc ça c'est okay, la flèche. Bah, voilà. Honnêtement, je me rappelle pas avoir vu un poisson, moi. Si, il y a un poisson. Y a un poiscaille. Ça c'est le feu. Le feu ça brûle. Ok, donc là. Le feu ça brûle. Et en fait, en plus, ça ressemble à un poisson, tu sais. Ah ouais, ouais d'accord. Moi j'ai le radeau là, mais là, oh, y a des beaux nuages roses. C'est peut-être le shark. Non, c'est vraiment un poisson. Ne nous faisons pas avoir, avec ça, c'est un poisson. Hein. Ouais, bah non, mais c'est pas ce que je dis, j'ai déjà vu hein, le poisson. Ça c'est quoi lui? Non, ça c'est la flèche, c'est pas ça. Ça c'est le vautour. Oh, pas question d'expliquer. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est quoi? C'est la remanta? Non, ça c'est la tortue, Nick. Tortue Nick. Tortue Nick. Ça c'est. C'est quoi? C'est la pieuvre ça? Ça c'est le sort de Kraken. Je comprends rien à votre truc de multistream. Et bah tu cliques sur le lien et puis il y a deux fenêtres et deux chats. Voilà, Yel. Ça marche pas? Ça devrait marcher pourtant. Après, peut-être qu'effectivement, elle a aussi le problème de. Allez, si vous faites pas ça, Nina. Ah ouais? Ah, peut-être faut passer par un autre site alors. Là, j'ai la pieuvre. Si, ça marche, nous dit Louvi. Bon, bah débrouillez-vous avec Louvi. Pour plus d'explications. Louvi, elle sait. Voilà, Louvi, elle sait. Ça fait marcher. Louvi, elle sait. Ah, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé le poisson. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé le poisson. Il est en. Haut dans le ciel et en. Je vais y arriver. En nord-est-est. Nord-est-est? Ouais, c'est pile poil entre nord-est et est. Pour le follow, dis donc.
Pourquoi mais j'ai pas mon alerte? Sur tel, c'est la merde. Ah bah oui, non, mais sur tel, évidemment, ça doit être la merde. Voilà, sur téléphone, ça doit pas marcher. Donc, mon alerte, elle s'est pas mise. En merde, c'est con, faut aller vers le crâne. Tech Violet. Alors attends, je vais juste refaire ça. Mon alerte. Voilà, c'est bon. Donc, que je me trompe pas. C'est cool. Et où ce compte Poiscaille là? Ah ouais, voilà, il est. Bah, c'est sûr, c'est cette île là. Hein. Mais elle est censée être pas cartographiée, j'arrive plus à parler. Oui, c'est ça, Mon dieu, il y a des bateaux, il y a une sloop là-bas à gauche de l'île. On va se faire. Bon, de toute façon, on n'a pas de trésor, on s'en fout. Si on a récupéré une émeraude, c'est bon. On a une émeraude. Ah oh, ouais, bon, alors, bah, écoute. Tu dis par là-bas, il y a une sloop. Bah, en fait, oui, c'est ça. À gauche de l'orage et à gauche de la grosse tête sur l'île, il y a une sloop qui est passée à gauche de l'île et qui un doit slip. Être à. Moi, un je slip. Dirais, il y a un slip. C'est quelle. Redis voir la direction. Ah putain. Alors. Nord-est. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Nord-est-est, voilà, c'est ça. Nord-est-est. Ok, nord-est-est. Non, évidemment, quand je dis nord-est-est, c'est entre nord-est et est, on est d'accord. Hein, quand mettons-nous oui, d'accord sûr, sur les directions. Donc, okay. Ben, du coup, il faut aller effectivement à la gauche de Plunder Valley. Et donc, théoriquement, c'est une petite île qui n'existe pas. Donc, ah ouais? Nord-est-est. Vas-y, fais voir des zooms un peu. Tu vois, on est là. Ouais, ouais, je vois bien sur Discord. Ben, c'est entre Sailor's Knot. Et Plunder Valley, mais après ça peut être tout, encore tout droit, hein, ça peut être haut. Hein, ouais, finalement. Mais effectivement, bah, on va croiser entre on les va îles. Aller là. À gauche de Plunder. Ouais, ouais à gauche de Plunder, ok. Bah, nord-est. J'ai dit quoi? Nord-est-est, hein, c'est ça? Ouais, ouais. C'est vraiment. Ça doit être par là, je pense. Hein, nord-est-est, parce que attends, nord-est, nord-est, nord-est-est. Ouais, ça doit être par là. Ouais. Voilà, on va essayer dans ces environs-là, tout le long comme ça, jusque là. On va voir ce qu'on trouve. Ouais. Je vais enlever le petit point d'ici. Oui, non, le slip est propre. Hein, le slip est propre. Ouais, le slip est propre. C'est alors, pas adapté donc, par le téléphone. Bah non, effectivement. Garde la barre, du coup. Ouais. Ça marche. On avait jeté et l'encre bah, ah oui, on avait jeté bienvenue, l'encre. Bienvenue, hein, du coup, Tech Violet. Bienvenue ici. L'encre, s'il vous plaît. Merci ah, pour rien. Il veut pas. Eh ben, merci pour rien. Il veut pas s'accrocher. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. C'est dans Total Recall, ça, non? C'est dans Retour vers le futur. Vous êtes reviré. Ah ouais, vous êtes reviré. Allez, attends, il y a le chat qui est en train de me. Qu'est-ce qu'il veut dans là la bonne direction là. Nord-est-est. Bouge plus. Bouge plus. Peut-être t'as trop viré à droite. Ouais, mais j'avais dit nord-est-est et en fait c'est pile poil sur l'île en face de nous donc c'est compliqué. Bah oui, non. Elle est pas sur une carte cette île. Ouais, comme ça alors. Voilà. Mais après, ce que j'ai mis comme rond noir, c'est une estimation hein, sur la carte. C'est pas. Oui, si ça se trouve, c'est encore un petit peu plus à gauche. Oui, mais là, je suis sur nord-est et pas assez est, tu vois. Salut, toi. Salut, petit être. Minou, t'as minou. T'as pas mis ta cam, toi hein? Non, j'ai pas mis ma cam. Ah là 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 là. Déjà, un stream sur téléphone, c'est pas hyper visible. Alors, si j'essaie d'en mettre deux, donc c'est la mort, effectivement. Aïel, c'est la merde. Non, mais et donc là, il y a une île vraiment devant nous. Ah oui, c'est Plunder Valley, connard. D'accord, ok. Donc nord-est-est, bah, pourtant, à moins que ce soit sur Plunder Valley, mais c'est bien dit que non, c'est pas cartographié, c'est ça. Hein. Non, ouais, bah oui, c'est. Regarde. Visage de pierre dans un tunnel sous les vagues, d'accord, sur non, une île jamais cartographiée, ok. Voilà, sur une île jamais. Voilà. Poisson, éclat à mener. Après, c'est peut-être un truc sous terre et on ne sait trop. Qu'est-ce qu'il entend par les anciens vers de nouvelles terres? C'est quoi les anciens pour lui? Je suis plus à la barre, hein. Si on fonce sur un truc, faut que tu me lises. Hein. Guerrier, d'accord, ok. Ben, parce que ça se trouve, en fait, on doit aller sur Plunder et ensuite aller ailleurs. Ça se trouve, on va se faire baiser comme ça, tu vois. Oh, encore. On va encore se faire baiser. Mauvais. Chercher sur l'île du chemin sera un bon ami. Poisson éclat a mené les anciens vers de nouvelles terres. Il non. M'emmènera aussi. Choupette, visage. Tu te mets pas. Non, pas sur le clavier, Choupette. Visage au secours. Pierre. Attends, il y a des trucs. Ouais, je sais, mais moi j'ai le chat. Au secours. On les aura ah, pas. Ah, il y avait un truc qui. Bon, qui brillait. Ouais, mais tant pis. Au secours! Elle me monte dessus! Bah oui, ah bah oui c'est le problème. Et puis en plus, elle s'est bien nettoyée avant, du coup, elle pue. Ah, allez, descend! Voilà, c'est Jeanne qui pépette. La pauvre, elle voulait de l'amour et puis elle en a pas eu. Bah oui. C'est le problème. On trouvera un moyen de te rendre supportable, le chat. Ça va aller. Bah oui. Faut même que tu sois adoptée, ma pauvre. Se coller au radiateur. Attaquée par une chatte. Mais oui, pauvre pépette. Elle est gentille, mais là, quand je joue, si elle se met sur le clavier, je peux plus rien faire, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc une île non cartographiée. En nord-nord-est ouais, à peu près. Il y a des cailloux en face, je suis d'accord. Non, mais va pas vers les cailloux. Hein. Enfin, On va passer entre les cailloux, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ouais, effectivement. Après, c'est peut-être une petite île, on ne sait pas. On sait pas ah quoi. On n'a pas été touché, mais c'était pas loin. Hein. Tu sais comment on prend les planches? Aïe! Aïe, je l'ai pris dans la tronche! Mon dieu, le cabestan, il est touché! Au secours! Comment on sort? X, F. C'est où le cabestan déjà, c'est ça?
Non, pas jeter l'encre, connard. Excusez-moi. Fallait prendre une planche pour réparer. Mais il est où? Attends, c'est où? C'est pété. Là, ici. Le cabestan, c'est pour jeter l'encre. Tant tard, c'est bon, ça y est, j'ai réparé. C'est bizarre parce que du coup, j'ai pas. Parce qu'il faut que tu te mettes à l'endroit où il manque une barre pour pouvoir faire réparer. Faut pas juste te mettre devant avec une planche. Faut vraiment aller à l'endroit où c'est cassé pour le réparer. Mmh. Comprends? Oui. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je dis à Rebecca, effectivement, de prendre un deuxième clavier quand elle vient se mettre dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es morte de rire, Louvi? Hop. Bon. Voilà. Bon, on a déjà le cabestan qui est foutu, quoi. Super. Bon, c'est quoi les îles non cartographiées là, mes couilles? Mes genoux. Là, il y a un truc en face. On va voir. Ah, je suis parti trop à... Enfin, nord-nord-est. Nord-nord-est. Il y a un truc en face, là, ouais, qui est parti... Ouais, c'est... Voilà, c'est une petite... C'est pas cartographié, ça, j'ai l'impression. Je vais rezoomer. Ah si, c'est Fool's Lagoon, c'est cartographié complètement, ça. Merde. Ouais. Et ben, et à gauche, là-haut? À gauche, là-haut, à bâbord, voyons voir. À gauche, là-haut. Ah oui, d'accord. Parce que à gauche, là-haut, ça a l'air d'être loin quand même. Hein. Bah oui, ça doit pas être aussi loin quand même. Mais comme je te dis, après, on s'est peut-être planté. Oh, putain, mais t'as raison, après, j'ai peut-être pas pris loin. Je suis à nord. J'avais dit quoi? Nord-nord-est? Nord-est-est, ouais. J'avais dit. Donc ça veut dire censé être plus à droite que ça encore. Censé être comme ça. Ah oui, là, t'es allé très, très, très à droite en mais fait. Mais parce que les marques que j'ai mis, j'ai dit qu'elles étaient pas précises, eux. J'ai fait à peu près du nord-nord-est. Mais là, en fait, en vrai, j'ai fait du nord-est et pas du est-nord-est. Bah oui. D'accord. Du nord-est-est, pardon. Et on est d'accord que ça, c'est... On va dessus, là? Ah ouais, on va dessus. Ouais. Donc c'est pas du tout cette île-là. C'est cartographié, ça. Je suis plus à la barre, hein. Ouais, on va sur un caillou, là, je veux pas dire, mais... Je suis plus à la barre, je suis à la barre. Le mec, il se barre de la barre. Bon, ça m'a pris 30 minutes, mais j'ai trouvé le multistream. Et comment c'est possible? On avait mis le lien. Comment t'as pu mettre 30 minutes? Salut, JDPG. Et donc ça, oui, c'est vraiment les îles, ouais. Comment vas-tu, JDPG? Et ça, en face, c'est quoi? Ouais, ouais, ouais. À droite, notre droite, c'était... Oui, non, oui. Ouais, en face. À droite aussi. Ou à gauche? À droite, c'est cartographié, la preuve, ça vient de s'afficher Fool's Lagoon. Par contre, après, encore un peu plus loin, je sais pas. Tu sais, entre les deux, là-bas, entre le bateau qui est échoué... Hein, si, c'est Castaway Isle, sûrement. Quoique, essaye de prendre à droite quand même, après le caillou. L'île en face, elle est cartographiée, hein, c'est ça? L'île en face, oui, c'est Reaper's Hideout, c'est carrément cartographié. Ah oui, effectivement, il y a une petite île là-haut. Ouais, mais j'y crois moyen. Hein. Ça, là-bas en face, ouais, tu les vois? Mais ça, je pense que... Ça, c'est Castaway Isle, donc elle est cartographiée aussi. Et comment ça va, vous tous? C'est vrai qu'on cherche là-dedans, en fait. À peu près par là, j'aurais dit, moi, mais... Cela, ça commence à faire loin, en fait. Pour du nord-est. Donc, ouais. Essayez de chercher par là. Bah, je fais demi-tour alors, c'est quoi alors? Ouais, ouais, ouais. Par là, par bâbord, tu fais demi-tour. Donc, ouais, coucou, J2PG. Comment ça va? Ah, ouais, attends. Bon, tu me guides, hein. I knew it! Oui, on est des couloirs. Putain, c'est relou, hein. Il essaye de nous provoquer, ne cède pas à la panique. Ouais, voilà, donc ouais, on va par là. Écoute, c'est pas mal. Ouais, continue tout droit comme ça là. Voilà, prends tout droit. Ne tourne plus, va tout droit si tu peux, si c'est pas déjà le cas. Non, tu vas pas tout droit, Rebecca, parce que tu n'as pas l'angle. La poignée argentée au centre. Non, vers la droite. Il faut que ça fasse clonk. Voilà. Bon, t'as beaucoup tourné depuis que j'ai dit d'aller tout droit, oui, un petit peu, mais c'est pas grave. On va chercher dans le tas là, ici. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à Yael. Bonne nuit à Yael et à Fun demain avec Aurélia. Aurélia. Et dis-lui qu'elle a gardé mon t-shirt. Ah ouais? Ah, tous les coups, évidemment. Elle a fait exprès. Elle le lorgnait, elle disait, ouais, il est bien quand même. Oh non, je le redonnerai à Alex, comme ça, voilà, il te le rendra. Bon, ouais. Elle le savait. Bon. Bon, mais ça se trouve, on est en train de se faire avoir parce que, comme je te dis, là, le truc des anciens, ben, en fait, on doit encore chercher une île avant d'aller enfin sur cette île non cartographiée, tu sais. Des zoubis. Zoubis. Comment ça? Mais non, bah, tu sais pas. Bah si, je sais, je la connais. Non, je parlais de l'île, moi. Ah,
Je parlais d'Aurélien, moi. Mais non, moi, je te parle de peut-être qu'il y a un truc des anciens. Voilà, quoi. Faut peut-être aller sur une autre île avant de chercher. Ouais, je sais. Parce que là, là-bas, non, tout droit, mais, c'est quoi? Non, mais c'est une petite balade en mer, on avait dit. Voilà. Là, c'est Fort Stronghold en face. Sur notre gauche, c'est qui? C'est Chicken Isle. Va à gauche pour voir le bloc à gauche là, voir ce que c'est. Ça va être Plunder, ça. Ah non, c'est Plunder. Oh là là, c'est Plunder. Merde. Ouais, ça c'est sûr, c'est Plunder. Putain, elle peut être où de cette île non cartographiée là? Oui, t'as vu, hein. J'ai mis le tag soin de la peau. Ah bon? Parce que. Oui, parce que. Bah, faut dire que j'ai tellement une sale gueule en fait. Ah ouais? Mon pirate a vraiment. Bah oui. Ah oui, je croyais toi en vrai. Mon skin a vraiment une sale gueule en fait. Donc faut. Voilà. Mais on te montrera, il faut que tu. Faut que Julien. Si tu vas sur le stream de Julien, tu. Qui regarde mon visage. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais what? Sur le doc ou le poil en nu. Mais oui. Attends, fais voir. Trouve une île dans une botte de mer. Tout attention, et voici Becky. Voilà, c'est moi, regardez. Soin de peau. Oh, bah ça va, elle est pas mal. Stream soin de peau. Si, t'as toujours dit que j'étais laide. Ouais, mais là, comme ça, c'est pas mal. T'as un œil blanc, mais c'est pas mal. Ah, bah voilà, tu vois tous les deux. Regardez, soin de peau. Regardez, soin de peau. Voilà. On fait un stream soin de peau. Ah, oh, là. Oui. Donc voilà, donc c'est le moment où on se fait chier encore. Qu'est-ce que ça parce qu'on est mauvais. Spécial soin à l'iode, tout à fait. J'ai le teint pâle, mais toujours. Hein. Ma mère, elle me le dit toujours. Pourrait être. Peut-être pas si loin, hein. Peut-être c'était pas loin de Discovery Ridge. Salut Onirim, pas de son, Lurk. Ok, mais comment je te réponds, moi en fait. Mais je comprends pas parce que déjà tout à l'heure il disait pas de son. En fait il met juste l'image mais c'est bizarre d'avoir que l'image. Bah il fait du soutien comme ça. Dites ouais. Coucou à Onirim et qu'on lui dit bonjour. Ouais on j'ai vu sur la droite. On passe à côté de ça donc. Ouais. C'est bon. Passe à côté. Tu te rappelles quand c'est des oiseaux qui volent ça veut dire que c'est une épave. Hein. Est-ce que tu veux faire l'épave? Oui d'accord ok c'est un oui. Ah, ouais, ok. J'ai eu un doute du coup. Ah non bizarre c'est un tonneau qui est. Bah c'est des tonneaux qui ont coulé. C'est bizarre ces tonneaux qui ont coulé. Pourquoi? Attends, je vais regarder. Surtout, j'arrive pas à les attraper. Mais je vais. Mais je les aurai jamais. C'est une blague. Ah, t'es allé dans l'eau et ça a coulé. D'accord, ok. Bah, je sais pas en fait. Ah, mais je vais mourir après. Est-ce que je peux vraiment attraper ces tonneaux? Bah, non, ça y est, ils ont disparu. Au secours, faut que je remonte. Oh, je suis tellement allé profond. Normalement, quand il y a ça, c'est soit un navire qui a coulé, soit des tonneaux, mais là, il n'y avait rien des deux. Et je me noie. On s'est fait avoir. Ouais. Coucou, je viens de faire une pause pipi dans ma nuit. Super. Je viens de me rendormir avec vous. Merci, John, pour le follow. je suis en train de m'étouffer. Bon, bah, il n'y a plus rien. Écoute, les oiseaux sont partis. C'est con. On a raté les tonneaux à pas grand-chose. Ouais. Profond à quel point? Très. Attends. C'est bon, je suis oui, là. Oui, je sais. Me fait peur. Bah non, t'as plus. Si, c'est là. Parce qu'en fait, j'ai. Évidemment, il y a de la latence, tu sais, sur le multistream. Ouais. Du coup, t'es pas encore remonté là. Ah, d'accord, ok. Ah oui, une grosse latence sur le multistream, en effet. Alors, je vais reprendre quoi me nourrir en bas. Ouais, bon, après, on peut en profiter d'être arrêté pour revoir un petit peu nos caps et puis nos projets cap de vie, tout ça. Cap de Bonne Espérance, bien sûr. Tu sais où c'est le Cap de Bonne Espérance? Je sais plus. Ouais, voilà. Pas très loin. Pas très loin, oui, c'est juste l'Afrique du Sud. Mais y a encore. Putain, ah putain! Quoi, y a des gens? Ah ouais, je les vois! J'y vais! Vas-y, viens. Hey, ça repop en fait. Bah oui, c'est nimp. Est-ce que je vais. Ah putain, c'est trop à droite. Eh ouais. Ça merde. Évidemment. J'arrive avec une émeraude. Bon, à la limite, t'aurais pu m'attraper l'émeraude si je me mets un peu plus là, tu vois. C'est tout? Y'a rien d'autre d'intéressant? Je sais pas, j'ai pris l'émeraude en premier quoi. Cap, c'est une péninsule. Oh mon dieu, l'orthographe de péninsule a souffert. Tu veux pas? Bon, bah d'accord, très bien, donc je reviens non, à pied. Y'a un autre truc en fait, y'a un crâne. Ok. Oui, mais t'aurais pu me prendre l'émeraude et j'y serais retourné moi à la nage vu que j'étais déjà dans l'eau, mais tant pis. C'est vrai. Quoi, ce jet que tu as fait? Non, mais ça va vite. Du coup, ça fait une péninsule. C'est pas mal une péninsule. C'est ouais, en fait, c'est une deuxième émeraude. Ah, cool. Ok. Bah, que j'en ai foutu, je l'ai lâché à quel moment?
C'est moi qui l'ai récupéré. Alors oui, je pense que comme un con, je l'ai pas attrapé. Et c'est toi qui l'as récupéré. Bah ouais. Je vais retourner voir ce qu'il y a. Oh, c'est des tonneaux. Mais bon, peut-être qu'il y a du poisson frit. Ouais, ouais, allez. Heureusement que je passe derrière. Ouais. Et alors, voyons voir. Alors, nanana. Hop. Ah oui, j'ai pas le timbale. Alors, c'est quoi ça? Une caisse de boulets, c'est pas mal ça? Ah, cool. Ah, bah attends, bon, tu veux que j'essaie de t'attraper quand même? Ouais. Je peux pas. Ça les a pas mis dedans? Bah oui, ils sont tombés où mes boulets? Ils sont tombés au fond de la mer? Bah, j'avais des boulets dans mon inventaire, j'ai voulu les mettre dans le. Bah alors? Attends, comment on fait? Ah, j'ai la caisse de boulets ouvrir. Voilà, et si je fais ça? Ah, mais tu déconnes, j'ai encore perdu 10 boulets. Bon, bah super. Bon, bah je ramène la caisse, bon, écoute, c'est pas grave. Arrête de faire le boulet et. Bah ouais, mais. Il me fait des blagues, je vais mettre les boulets dans la caisse et. Julien, il fait non. LOL! Julien, il ramasse une émeraude, il la lâche. Oui. Il prend des boulets, il les jette à l'eau. Non, mais normal, hein. Bon, là, en fait, on est à nouveau près de Plunder Valley, donc ça va pas du tout. Ouais, mais on était à Reapers. On n'était pas Plunder Valley tout à l'heure, on était à. Discovery était au Ridge. Nord de Plunder Valley. Oui, mais on était sur une autre île. Oui, mais bon, il fallait aller jusqu'à. Plunder, ah, c'est bon. Non, il a gardé mes boulets, tout va bien, je ne suis pas un boulet. Il fallait aller. Alors, voyons voir. J'avais dit quoi? Nord. Il est où? Nord, nord-est. Nord. Nord-est. Donc, ça veut dire que normalement, le poisson, si je me trompe pas, il devrait être. Oh putain, on voit pas à travers les nuages. Ah si, on voit à travers les nuages. Si, si, on voit à travers les nuages. Heureusement. C'est plus pratique la nuit quand même. Hein. Ça, c'est quoi? Ah, le poisson, voilà. Il est là, le poisson. Il est là. Dans cette direction. Il est bien dans la direction. Nord-est, ouais. Légèrement plus nord-est que est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller nord-est, écoute. Mais après, attends, faudrait peut-être revérifier dans le bouquin s'il n'y a pas d'autres. D'évocation des anciens, tout ça. Enfin, tu vois, peut-être reprendre le temps de lire bien l'énigme au cas où, pas qu'on se plante. Alors, hop. Voilà, parce qu'en théorie, on c'est vrai. On a été sur l'île 1, poisson éclat a mené les anciens vers de nouvelles terres. Ouais, voir ce que c'est les anciens, ils donc c'est-à-dire. C'est-à-dire voir dans les autres constellations oui, bon, s'il n'y a pas une histoire d'anciens. Sous l'eau, sous les vagues, sur une île. Oui, mais il faut déjà aller sur la fameuse île jamais cartographiée. Et il y a un visage de pierre dans un tunnel sous les vagues. Donc ça me semble évident. Poisson éclat a mené les anciens vers de nouvelles terres. Nouvelles terres, c'est la fameuse île. Enfin voilà, il faut suivre. Peut-être qu'il faut aller en dessous du poisson. Ah non, effectivement, poisson éclat, c'est à guider les anciens derniers de son espèce. Donc non, c'est ça. Les anciens, c'est lié au poisson quand même malgré tout. Non, mais il faut aller effectivement en direction le poisson et puis, Puis espérer que... Voilà quoi. Tout à fait. Donc le grand texte, pas celui qu'on a fait, mais c'est pas grave, ça non plus. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est lui. Poisson éclat mène l'ancien vers de nouvelles terres, il m'amènera aussi. Visage de pierre dans un tunnel sous vague. Sur une île jamais cartographiée. Je sais plus où il était ton poisson, donc vas-y. Il faut que je. Emmène-y-nous. Ok. Plutôt nord-est que est, finalement. Hop, on fait demi-tour. Faudrait les voiles à tribord. Là, c'est la hauteur des voiles que tu as, que t'es en train de régler. Là, c'est moi qui fais tourner les voiles, là, Rebecca. Toi, t'es sur la hauteur des voiles. Putain, non, mais c'est pas grave. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas mais devant? Oui, mais oui, ça tourne, c'est bon, Julien, tu dis n'importe quoi. Pourquoi j'ai plus d'image? Si. Bon, j'ai un truc. Non, ça va. Ouais, j'espère aussi que c'est pas l'île où il y a le crâne, comme tu dis, ouais. Parce que là, il y a des trucs. Bon, mais il y a des cailloux, alors est-ce que vraiment. C'est quoi ça? C'est cartographié? À droite, là-bas, on peut tenter, c'est ce petit tabac de cailloux. Mais non, j'avais dit plus nord-est que est, donc non. On va garder le cap nord-est plutôt que est. Si tu veux reprendre la barre, je vais essayer de revoir si je trouve mon écureuil, pas du tout. Mon poisson, non, il est où mon poisson? Je vais garder le stream à droite, en fait, parce que des fois, pas du tout avec mon moi. Image. Et voilà. Ça, c'est ça, donc okay. Le poisson, il est par là. Donc les... Bah c'est ça, c'est tout droit, alors on y va vraiment... Si on regarde la proue du bateau et qu'on remonte, on va droit vers le poisson. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment tout droit. Si on suit vraiment ça. Ok. Allez, on va dans l'orage. C'est bien. Ah non. Oui, il faut faire des quêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, l'orage? Bah oui, l'orage. Bah ouais. Après, on va dessus. Hein.
Bah, le but du jeu, effectivement, il faut faire des quêtes, et, sauf qu'on est mauvais, donc on tourne en rond dans la mer. Il faut trouver des trésors, il faut résoudre des énigmes. Voilà. Il faut gagner en réputation. En fait. Oui, non, mais en ça, fait, on s'en fout. Ça, le but, c'est un... bah, le but du jeu, voilà, c'est ça, c'est d'être un pirate de renom. Et pour avoir de la renommée, il faut valider plein de quêtes et gagner plein de trésors, être fortuné et acheter des skins qui servent à rien sauf à paraître beau et être fortuné. Comme Fortuné Sarfati ? Mm-hmm. Putain, et effectivement, on flonce en... on est vraiment à bord d'orage, quoi. Oh là là là. Et là, le poisson, bah, c'est toujours au-dessus de nous, hein. Ah, il est vraiment... bah, il commence à être vraiment au-dessus, quoi. Donc, s'il y a une île, les gars, elle devrait être par là, quoi. S'il y a bien une île à droite, là, un truc de caillou, mais je pense pas que ce soit ça. Alors, oui, on a déjà les deux pierres, tac à... désolé, tac Violet. Hop, on pourra toujours vérifier. On a déjà les deux pierres parce qu'en fait, on a déjà fait la... on avait déjà fait la quête avant. On a fait une pause parce que... parce qu'on était mauvais. Et donc voilà, donc maintenant, en fait, on veut placer les deux pierres sur le fameux totem. Mais pour ça, il faut trouver la fameuse île. Bon, on va peut-être contourner, non ? Bah... ouais, bon, ou alors là, il va se lever, on va prendre un peu à droite, ouais. Parce que là, c'est un peu la vie. Je crois que Sorcière a pris possession du compte de Louvie parce que on dirait les mêmes blagues. Il y a Louvie qui me dit « ça va, c'est pas l'orage dedans ». Ah oui. Ah, l'orage dedans, tu l'as compris ? Alors, un petit peu d'eau en dehors, là. Hop. Hop. Donc tu as... ouais, tac, du coup, t'as déjà fait cette quête-là, j'imagine. Oh, peut-être même plusieurs fois. Parce que pour avoir des succès, tu peux faire des quêtes plusieurs fois. On dirait qu'il y a un truc là-bas, mais... ah ouais ? C'est là, tout ouais, droit. Dans... attends, mais c'est quoi ? Mais dans l'orage, hein. Parce que tout droit... dans l'orage, il y avait une petite lumière, mais... ah, bon, mais c'est Fool's Lagoon, ça, tout droit. De toute façon, t'es en train de contourner, donc non, ce serait par là, s'il y avait un truc. Après, on peut continuer encore tout droit, mais... Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, tac, donc tu me dis ça, mais... il me dit c'est la même île que Shroud Breaker, mais... ah ouais, d'accord. Ah bah si, tiens, prenons tout... ah ouais, non, mais tout droit, c'est sûr, c'est cartographié, ça. Mais allons-y quand même, mais on peut s'arrêter pour pas couler, mais... c'est Fool's Lagoon sur laquelle on va, là. Ouais. Chier. Attention au caillou sur la droite, hein, évidemment, mais... ouais, je l'ai vu. Mais ça, c'est cartographié, ça. Ah, putain. Quoi, t'avais pas vu le caillou ? Non, non, il y a eu un coup de foudre. Ah, mais faut reprendre à droite, hein, quand même, un petit peu. Oui, je sais. D'accord, ok. Mais comment te dire qu'on est happé à gauche ? Ah ! Putain, il y a plein de trucs devant nous. Je vais jeter l'ancre. Si tu veux. Parce que là, il y a l'épave. Mais bon, il n'y a pas de visage, tu vois, dans lequel mettre les deux. Non, c'est sûr que c'est pas là. Hein. Oh, c'est beau, il pleut, mais il fait beau en même temps. Attends, j'ai un capitaine à buter, là. D'accord. Parce que là, en fait, vu qu'il y a l'orage juste à côté, il y a moyen qu'on se prenne des coups de décharge. Ouais, des éclairs, tu veux dire ? Des coups de décharge. Bonsoir, Del. Oh, aïe. Del. Aïe. Oh, mais tu vas crever, oui. Bah oui, mais tape, il se défend, en plus. Voilà, oh, donc... j'ai un crâne, m'en fous de la quête supplémentaire. Mais c'est pas notre proue, ça. Attends, j'avais changé la couleur. Ah, qu'est-ce que... si, pourquoi ? Moi, je sais pas. Il a l'air bizarre, notre bateau. Ah bon ? Oh, mais il y a de l'eau à la cale. Ah bah oui, vu qu'il pleut. Eh oui, je pourrais copier quand il pleut. Ça va bien, écoute, on reprend la quatrième quête de Sea of Thieves qu'on n'a voilà, qu'on jamais fait, mais qu'on avait commencé à faire à moitié, qu'on avait passé 1000 ans dessus parce qu'on était mauvais, parce que ça faisait un an qu'on n'avait pas joué. Mais même en n'ayant pas joué un an, peut-être qu'on est mauvais quand même. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, ça brûle ? Oui, il faut de l'eau. Mais où ça brûle ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi tu dis il faut de l'eau ? Ah, t'as pas vu. Bah non. Disons qu'à un moment, il y avait... des flammes sur le bateau ? Des flammes, ouais. Et ben bah, si tu peux dire au feu dans ces cas-là, ça m'arrange dans la compréhension. Alors, okay. Des planches. Des planches. Oui, mais les panzani. Mais les panzani. Et toi, comment ça va, Del ? Y a du stream aujourd'hui ? Ah, c'est bizarre, j'ai un gros message de Twitch sur les deux écrans de multi, je comprends pas grand-chose, c'est en anglais. Ouais, apparemment Rebecca a eu ça aussi, ouais. Peut-être faut trouver, chercher, n'hésite pas à chercher sur Google d'autres sites de multi-Twitch. Je parle à Louvie.
Ah, qui, oui, comme voilà. Toi, a eu un message de, voilà, d'erreur. Ouais, il s'est relou. Elle a dit c'est en anglais, je comprends rien. Ah. Samedi toute la journée, peut-être demain. Ah, ok. Bon. Elle est inondée, cette île. Bon, bref. Et là-bas, oui. peut-être la petite île, tu vois, après les oiseaux. En nord-est-est. Nord-est-est. Nord-est. Nord-est-est, entre les deux, évidemment. Bah, il y avait déjà une marque. Bah, oui, mais je sais pas quelle île c'est. Tu peux me donner la carte? Parce que tu vois, il y a Castaway Isle. Oui, mais c'est sûr, c'est pas celle-ci. Et Reaper's Hideout. Oui, mais bah, peut-être entre les deux, écoute. Reprendre le RP, ça demande beaucoup. Déjà mis, oui. Oui, j'ai déjà mis des trucs, mais il faudra qu'on essaye d'aller par là-bas. Mais je voulais voir si plus loin. Non, bah c'est ça, alors ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci que j'ai vue. Donc on va essayer d'aller effectivement au dernier point noir là. Ouais. Ouais. Ok. C'est bon, voilà, ok, je récupère la carte, j'enlève les autres points noirs. Ah non, tu rentres à t'en servir. Barre-toi! Merci. S'il te plaît déjà. S'il te plaît, mais oui, mais je t'ai demandé déjà avant. On va dire par là. Par là, quelque chose comme ça, ouais. Merci beaucoup pour votre sollicitude. Hop. Le crâne orange qui parle là. Il fait un peu peur. Ouais, ouais, il fait peur, hein. On sait pas, c'est un certain... Oh putain, on va droit, ouais, sur... Eh oui, parce que le problème, c'est que vu qu'on est dans la tempête... sors les planches, ah. Mais quand on est dans la tempête, le mât tourne... Enfin, le gouvernail tournait tout seul, donc quand on a levé les voiles, le mât était déjà... il partait déjà complètement à droite. On va aller vers là-bas. Ça va aller en bas? Oui, oui. Ah, ok. Bon, il y a la boussole qui fait nawak, mais je vois l'île... J'ai l'île en visu, donc ça devrait aller. Ah, ils disent aussi de vérifier si on n'a pas adblock, ok. Ah. C'est peut-être ça, effectivement. Ah, on va couler le navire. Ouais, ouais, on est doué pour ça. Alors, eh mais si, mais là, l'île qu'on voit, c'est Castaway Isle, donc c'est sûr, c'est pas celle-là, dommage. Oui. Eh oui, donc non, en fait. Donc c'est pas ça. Est-ce qu'à notre bâbord, il y a une île aussi? Voyons voir. Ouais, si, c'est Reaper's Hideout. Putain, c'est pas ça. Donc. Oui, mais justement, on disait d'aller peut-être entre les deux. Bah, ouais, ouais. Entre les deux, y'a rien. Là, tu vois, on va entre les deux. Oui, bah, il faut. À droite, on passe à droite de Castaway Isle. Oh, le chat. Ah, il est chez toi, ça la y est. La squatteuse, ouais. Ouais. Il se trouve entre. Croakman, Cross Hollow. Ah, t'as eu du backseat. Un peu. Ah oui, non, on n'est pas du tout... parce que là, Croak's Hollow, je vois. Mais... Crooked Mast? Attends, Crooked Mast. Je la vois pas, Crooked Mast. Non, non, le chien. Non. J'ai écrit les formations médecin RP en écoutant Decade. Ah, cool. Voilà. J'ai dégagé, j'ai actualisé, rien n'y fait, donc moi, viens multi-stream, zut. J'ai le chat qui vient sur la caméra. Ah ouais, sur la caméra. Bon, bah bien. Du coup. J'ai l'oreille du chat. Ok, bah je. Pas. Bon. Là, on fonce droit sur. C'est quoi ça? Ah oui, c'est quoi cette île déjà là qui est au centre? Et pas cartographiée justement là, c'est l'île de. Ah putain! Non! Le chat. Ah, bien, voilà. On y va pour voir. Minette, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Par contre, elle m'a appuyé, elle veut que je picole. Le chat! Voilà, ouais, mets ton cul sur ma main. Yuking, il y a d'autres sites de multistream, hein, si jamais il y a moyen qu'il y en ait d'autres. Sinon. Alors, mais. Oh, elle me met sa queue sur ma souris. Le backseat, est-ce que c'est ok ce soir d'ailleurs? Bon, à moins qu'on galère pendant 1000 ans. Elle essaie de nous chercher, mais là ça faisait longtemps. Bon. Normalement. Bah oui, c'est pas cartographié, donc j'y vais. Bah voilà, bah c'est ça, ouais. Mais non, c'est sûr, c'est pas ça, ça c'est l'île de je sais plus quoi, tu sais, des multijoueurs, oui, mais... tout ça, donc bon, il y a peu de chances que ce soit non. Ça, mais bon. Mais elle est pas cartographiée, donc moi je veux bien y aller. Tu tiens prête à jeter l'encre? Ouais. Eh ben, jette l'encre. Ah, c'est censé être dans l'eau, donc bon. C'est censé être dans l'eau? Le. Merde. Le. Bah oui, tu sais bien, la recherche. Ah ouais, mais tu sais, des fois, en fait, je sais pas si toutes les quêtes, hein, finalement, elles peuvent se retrouver. Si, je crois qu'elles se terminent au même endroit quand même. C'est les demi-quêtes à l'intérieur qui sont différentes. Parce que là, j'ai pas vu Crooked Mask. Non, mais il y est forcément quelque part, c'est juste qu'on a mal vu sur la carte. Oui, mais les deux cartes. Ouais, mais non, mais effectivement. Après, ceci dit, ce serait bien de prendre un peu de bouffe. Ouais, c'est ce que j'ai en train de faire. Là. On peut le lancer, ça? Non, on peut pas le lancer, ok. Vide. Non, mais il y a peu de chances que ce soit là, tu vois bien, c'est comme un. Ouais. Vous faites quoi, Sibyl?
Ouais, c'est pareil, c'est pour le bateau, ça. Multistre âme. Merci, Naphiros. Ce sera peut-être mieux, effectivement. Bon. Tu vas retourner à la carte. Ouais. Ouais, il y a peu de très peu de chances que ce soit ça. Ça, je sais plus ce que c'est d'ailleurs dans le jeu. C'est le coin multi pour se foutre sur la gueule, je crois. C'est en PVP, ça, il me semble. Tu pars de là en PVP, je crois, ou un truc du genre. Je sais plus. Si quelqu'un peut nous dire. Là, ce sera. C'est du backseat accepté. C'est même plus du backseat, c'est de l'information de base du jeu que je n'ai pas. Et Crux Halo. Tu les vois ? C'est bon, tu les as. Moi, je vois Crux Halo ici. Et donc, ça te semble être dans la continuité du nord-est ? Ah non, tu vois pas Crux Mast toujours ? Bah non. Elle y est, hein, pourtant, elle existe. Hein, Oui, je sais, mais je la vois pas du tout sur la carte. En tout cas, pas à côté, donc c'est ça me paraît bizarre. Un minute. Oh, tu baves à fond. Attends, je vais chercher du mouchoir. Vas-y. Même problème pour Louvi. Bah, décidément, pas de bol. Je peux sauter par là ? Qu'est-ce que c'est qui me fait ? Petit mouchoir pour Minette, parce qu'elle bave. Oui ! C'est bien. Elle se laisse faire et c'est génial. Et elle ronronne. Mais c'est bien, c'est un bon chat. Au-dessus, le backseat. Au-dessus, si. Ah, les gars. Oui, tu parles du multistream, mais bon, pour le moment, je vais. Salut, Ivrogne. Je vais pas appuyer dessus. Alors, du coup, je disais, au-dessus, Crux Halo, non. Crux Mast, là, à droite, tout de suite, en plein milieu, à droite, là, maintenant, tout au milieu. Ah, voilà. C'est ouais. Bon, tu le vois ? Donc, entre là. Donc, ce serait entre les deux, là. Toi, c'est pas du tout la direction qu'on s'était donnée, mais bon. Bah oui, toujours pareil, on est très mauvais en navigation. Bah oui, mais c'est pas du tout le nord-est-est qu'on avait. Attends, vas-y, fais voir, remonte un peu en arrière depuis là. En fait, on était... Ça fait extrêmement loin par rapport à... Après, peut-être que c'était pas Discovery Ridge hein, sur lequel on devait aller. J'ai peut-être dit de la merde au niveau de l'île du serpent, mais putain, ça me semble vachement loin. Alors, la lettre O. Okay. Ouais, c'est ça. On dirait plutôt là, en fait. Vers le O. Plutôt là. Ouais. Et ben, on va essayer. Si c'est ça, je comprends pas. Enfin, j'essaierai de refaire du rétro-engineering d'énigmes pour comprendre à quel point on s'est planté. Et comment, parce qu'on était parti de Discovery Ridge, on était censé aller vers nord-est-est. C'est-à-dire à peu près comme ça, je pense. Non. Donc ça m'étonne qu'on arrive... Attends, décidément, je m'étouffe. Ah, qu'on arrive par là. À moins qu'il lui faille partir... Ah alors, je pense que je sais pourquoi, Rebecca. Tu sais, on a suivi... j'ai compris l'erreur. Voilà. D'accord. Tu me suis ? Enfin, quand tu as récupéré le chat. C'est bon, voilà. Ah, où est-ce que je suis ? Ah, j'ai Keblo. C'est bon, merci. Oui ? Donc... Tu sais, j'ai regardé la constellation du serpent et on est allé là, en fonction de la constellation du serpent. Mais, sur le dessin de l'énigme, il y avait bien marqué une île avec des serpents. Ah, putain. Et on aurait dû partir de Snake Isle et donc partir ensuite en nord-est-est et donc arriver, effectivement, ici. D'accord, ok. Donc voilà, si on avait été moins débile, en fait, on aurait été à Snake Island directement et pas sur l'île qui est en dessous de la constellation du serpent. Voilà. C'est ça. Ok, donc bah, direction est-sud-est et puis c'est parti, quoi. Voilà. Bah oui, c'est évident. Ouais, non, mais les énigmes, c'est pas fait pour être évident, on est bien d'accord. Hein. C'est fait pour chercher, galérer et devenir un peu plus intelligent, sauf si on nous backseat complètement, et du coup, le cas, on reste débile. C'est ça. Hop. Donc là, il faut aller vers. Est-sud-est. Ouais, mais attends, je sors des cailloux d'abord. Je sais. Ok, cool. Problème de chat, oui, je me suis fait attaquer par le chat. Un petit peu de voile ? Un petit peu de voile ! Bon, de toute façon, ça c'est bon. Faut surtout pas qu'on se prenne le tonneau qui explose. C'est bon, on est passé. Je préfère me prendre le caillou que le tonneau qui explose, sinon on coule, je crois. Ou pas loin. Ok, donc j'ai dit est, légèrement sud, donc c'est par là-bas. Pas du tout, faut que t'ailles à tribord. Vraiment ouais. Tribord, hein, voilà. Et ben ouais. Donc, est, c'était tribord. Pourquoi tu me... Oui. Tu veux dire encore plus tribord que ça ? Tourne, ouais, encore. Ah bon ? Oui ! Ah oh, putain, j'ai les yeux sur la carte. Ah ouais, d'accord. Ok. Putain, mais il vérifie encore. Je vais taper, tiens. Tiens ! Je vais te taper. Mais qu'est-ce que... Tiens ! Je te tape. Moi, je vais te jouer du banjo, moi, si tu continues. Tiens. Il me croit pas. Oh putain. Eh, putain, t'as dévié complètement n'importe quoi. Comment ça j'ai dévié, hey tu m'as dit par là, moi mais je vais non, par mais là. Vas-y, c'est fou. Tiens, attends, je sais, je vais boire et je vais te vomir dessus. Mais putain, tu laisses des caps sans remettre la barre au centre, comment tu veux qu'on fasse Rebecca?
Non mais là, voilà, là on est. Mais bien, tu, Rebecca, tu tournes le gouvernail et tu te barres sans remettre le. Mais forcément, oui, après ça continue à tourner. Dans la bonne direction, mais tu non. Fais pas gaffe où tu vas. Je suis bien d'accord. Cependant, si tu estimes que tu vas dans la bonne direction, remets la barre au centre, ne nous laisse pas tourner indéfiniment. C'est le temps que tu reviennes à la barre. Ensuite, on a trop tourné. Vas-y, rejette-moi la faute. Mais non, je te dis juste pour les prochaines fois quand tu veux effectivement faire ça. Parce que tout à l'heure déjà tu m'as pas remis la barre au centre et du coup on continue à tourner au lieu d'aller tout droit. Oh, alors que tu pensais aller tout droit. La barre au centre, blablabla. Mais c'est vrai, c'était toi qui étais ouvert là. Non mais oh là là. Allons. Bon, tout le monde a des problèmes avec le multi-twitch, hein, donc je sais pas, écoutez, jongler entre les deux, ou je ne sais pas. Alors par contre, on va derrière un gros caillou, alors j'imagine qu'il va falloir contourner ce gros. Eh bien, gros je contourne par la droite. C'est incroyable. N'est-ce pas? Un moins partout, barre au centre. Barre au centre, ouais. Oui, oh là là. C'est juste une histoire de communication, hein, tout va bien. On s'engueule pas. N'est-ce pas? Madame, je peux vous vomir dessus? Ah, je sais, je vais te danser dessus, tiens. Attends, comment je fais? Je vais te montrer. Bouh! Je vais te montrer. Bouh! Shame. En tout cas, il y a une épave. Bon. Et puis derrière, il y a une île, hein, évidemment. Ouais. Bon. Voilà la petite île, c'est bon. Je vais m'occuper des voiles, si je comprends bien. Ouais, mais attends, je vais regarder. Bon, on va aller vers l'île, hein. L'épave, on s'embrale un voilà. peu. Oui, l'épave, on s'embrale pour le moment. Voilà, donc c'est l'île à gauche, là, je présume, par ici. Le chat est reparti. Oh non. Je sais pas où aller. Il va revenir chez moi. Tintin. Bon, allez, peut-être aller grailler, hein. Ouais, peut-être. On sait pas. Ou faire un énorme caca. Comme elle a bien fait. Ou un énorme pipi. Ouais. Comment un si petit chat peut faire des aussi gros trucs? C'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle boit? Elle mange autant que nous, en fait, cette chatte. Dans les quantités, j'ai l'impression. Alors, je veux pas dire, mais il y a un galion au loin avec une tête de mort. Hein. Mais je dis ça, je dis rien. Ah. Voilà. Genre, à tribord, sur une île pas loin. Mais par contre, on arrive droit sur l'île. Hein, ouais. Tu es à l'ancre? Tu es à l'encre? Oui. C'est un peu angoissant de ne pas avoir c'est la réponse. Bon, pas non, pas encore. J'ai pas envie de nager, ça me fait chier. C'est bon? Non. Allez, on dit que c'est bon. Ouais, vas-y. On va faire se brouiller. Je dirais bien, ça se trouve, ils vont venir nous péter la gueule. Et donc là, faut prendre chacun une émeraude alors. C'est ça. Heureusement qu'on est deux. Ouais, dis donc, c'est un coup de chance, hein. Alors, c'est par où? Alors, bah... C'est là, en dessous. Tu me vois? Je te vois, je te suis. Cool. Eh ben, suis-moi, ouais. Bon, par contre, s'ils pètent notre navire... Bah, on fait la quête principale, écoute, c'est pas grave. Par contre, on va se noyer à un moment donné, je pense. Hein. Alors, moi, j'y vais tête baissée, mais ça se trouve, c'est pas par là, hein. Si, c'est là, c'est un tunnel. Ouais, pardon, des rubis, c'est... pas des émeraudes, oh là là. Mais à quel moment on se noie? Mais non, ça va venir. Peut-être que tant qu'on a ça et qu'on fait la quête, on se noie pas. Ah si, je vois tout noir. Non. Bonjour, ouais, c'est moi. C'est étudié pour, écoute. Ok. Par là, faut les mettre dans les yeux de la statue, quoi. Alors, faut juste trouver la statue, quoi. Bah là, il y a une statue. Après, je sais pas si c'est ça, mais... Oui, ça a l'air d'être ça. Placer le joyau. Hop, voilà. Après, je sais pas si c'est le bon. Oh, il y a une petite carte oui. Céleste des non résolus. Page ajoutée à la fable. Ah, yes. Cool. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va mourir. On a droit à des trésors? Comment ça se passe? Ah non, regarde, dans la voûte céleste, il y a des trucs. On va falloir résoudre une énigme, sûrement. À tous les coups. Bah, oh, oui. Lire le journal de Merrick. Incroyable mais vrai, la rumeur est remontée jusqu'à mes oreilles que le pirate barbu au brin suicidaire s'est attaqué aux dents de la mort. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, je l'ai fait. Alors, voilà, on a fait ça. Le mystère entier. La vieille créature créa une île et la donna à l'homme éternel. On lui apprit à construire avec palmiers et résine. Le dernier de son espèce le guida sur ses mers.
l'homme parti en voyage sur le navire, voir celui que tous respectaient, le vieil Igri aimait mieux cette saison, et tous enseignèrent en haut guerrier la raison. Oh putain, ça va être compliqué, parce que là, il y a beaucoup de références à plein de constellations différentes. Le dernier de son espèce, donc je sais plus qui c'était, mais le dernier de son espèce. Il y a le palmier, c'est le bateau. Oh putain, c'est compliqué. Le palmier, c'est le bateau ? Ouais, si tu regardes dans les constellations, sur les pages de gauche, ou sinon ne le fais pas, moi je te montre sur ma page. Hop, si je reviens en arrière, la constellation du petit bateau, là, elle est où le petit bâtard, là ? Petit bateau ! Voilà, si tu regardes. Non, t'es où ? Ah, je suis derrière toi. Tu vois, deux palmiers comme rame. Du coup, quand ça parle de palmiers, c'est potentiellement ça aussi. Mais c'est pas sûr. Alors, attends, ça se trouve, je dis de la merde et c'est une île avec deux palmiers. Page ? Oh, avec le bateau ! Le petit bateau. D'accord, deux palmiers comme rameau, t'as raison. Voilà, mais je sais. Merci, du coup, comment je prononce ton nom? Tagvailit. Salut, salut. Hello, salut, salut. Ah, on peut ramasser le totem crabe. Putain, on a failli pas le ramasser. Point de sauvegarde de la fable. Oui. Ah ouais, ça c'est bien. Youpi, si l'on devait mourir maintenant, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Ça rime pas avec maintenant. Moi, je dirais que ce serait bien de sortir pour retourner au à la sloop. Pour vérifier le... Ouais, mais là, t'as vu, il y a plein de constellations qui sont affichées au mur et tout. C'est pas grave? Ah, c'est vrai que ça peut nous donner la direction, en fait. Je sais pas du tout. Bah si, c'est comme ça qu'ils sont dans le ciel. Ouais. Ah ouais? Alors attends, dans ce cas-là... Attends, déjà, ta gueule, voilà. Résoudre une énigme, braver 1000 dangers, échapper un peu à la noyade, vous avez bien mérité une autre petite énigme, tout à fait. Alors, voyons voir. Donc, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il dit? Allez, prends le livre. En fait, il faudrait le crabe. Attends, si j'ai bien... Crabe, courtisan, adore la reine, protège ses plages. D'accord. Donc, moi, j'ai le totem crabe, en fait. Donc, c'est ça qui nous intéresse, surtout, d'avoir le totem crabe. Ça fait très RP, la rivière dans la grotte. Ouais, alors, je suis dans la grotte. C'est vrai. Pas bien. Le dernier de son espèce se guida sur ses mers. L'homme parti en voyage sur le navire. C'est qui le dernier de son espèce? Le vieil Igri aimait mieux cette saison et tous enseignèrent aux guerrières et la raison. Ah, t'imagines, là, il y a tout le monde, hein. Il y a le guerrier, machin, enfin, c'est compliqué, hein. Percé au cœur du kraken, les deux palmiers. Alors. Vieux sanglier, colérique en hiver. Alors, la vieille créature créa une île. La vieille créature, ça doit être la tortue, non? Vieux sanglier, colérique en hiver, docile au printemps. Vieil ours sage, respecté de tous, bateau en résine. Alors, n'atterrit jamais, perdu les flèches, guider les anciens. Je sais pas, 8 pattes. Plus scarabée. Putain, il est où ? Je fous les mers. Plus vieille créature, machin, la tortue, le guerrier. Ah, il n'y a pas tout le reste. Tortue peut-être. Tortue géniale. Là, il est là où le crabe ? Alors, voyons voir. C'est quoi le fin ? Eh oui, il est là le. La vieille créature créa une île. Une tortue. Et la donna à l'homme éternel. Michel Drucker. On lui a appris à construire avec palmier et résine. Le bateau, donc. Le bateau. Le dernier de son espèce le guida sur ses mers. Et ça, je sais pas ce que c'est le dernier de son espèce. Donc on a dit... La tortue, elle est là-haut, elle est toute petite. Après, on a dit que c'était quoi? L'homme éternel. C'est quoi l'homme éternel? Je sais pas, je vais regarder. C'est chiant parce que c'est long de tourner les pages. Ouais. Alors. Bah toi tu retournes les pages et puis voilà. Un truc, c'est l'homme éternel. Bon, ça va être le grand guerrier, l'homme éternel. Je passe soif de guerre, vit encore sur trois petits points. Flamme, machin, serpent. Pardon, excusez-moi, scarabée de fer. C'était des boutons. Avec la réverbe, c'était vachement bien. Oh, mais c'est dégoûtant. J'ai eu un hockey qui s'est mal passé. Je sais pas, il y a qu'un seul homme de toute façon dans la liste. Alors, c'est dégueulasse. J'ai roté dans la grotte, c'était vachement bien. Donc elle est nord-ouest. Après on a dit le bonhomme. Le bonhomme, il est où le bonhomme? Cornu kraken, bateau en résine. Non mais le bonhomme, ça peut être que ça. Guider les anciens. Ah, dernier voilà, de son espèce. Ah, le dernier de son espèce, c'est le poisson. Ah ouais? Donc alors, dans l'ordre, c'est quoi, là? Je sais pas. Moi, je tourne les bouquins. Je tourne les pages. Après, c'est toi qui retiens l'ordre. T'as pris le bonhomme, c'est ça? Je sais pas. Tortue, bonhomme. Tortue, bonhomme, ouais. Et après, c'est quoi? Bah, je sais pas. Mais c'est toi qui lis. Moi, je garde juste les pages des constellations. Toi, tu lis l'énigme principale.
Donc, la vieille créature créa une île. Donc, la vieille créature. Ouais, ok. Donc, on dirait la vieille créature, c'est la tortue, parce que si je lis la description de la tortue, c'est. Tu tortue. Peux enlever la réverb, s'il te plaît. Mais c'est dans la caverne. Ah, je mets une toute petite alors. Comme ça. L'homme éternel, on lui apporte à construire un palmier. Donc, après, c'est le bateau. Ouais. Ensuite, le dernier de son espèce, donc c'est le poisson, c'est ça? Ouais, le poisson, c'est le dernier de son espèce. Après, l'homme partit en voyage sur le navire. Donc le navire... Voir celui que tous respectaient, le vieil... Non, mais ça, je pense que c'est autre chose, parce que c'est un autre couplet. Ah ouais, d'accord. Ça doit être sur la fameuse île. L'homme ouais. partit en voyage sur le navire, voir celui qui tous respectaient, le vieil gris aimait mieux cette saison. Et tous enseignèrent aux guerriers la raison. Le vieil aigri, ce sera le vieux sanglier, parce qu'il est colérique en hiver, mais docile au printemps. Ah, voilà. Mais c'est tout alors, du coup, il y aurait. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas parce que j'ai pas écouté le reste, mais là, le vieil aigri, en tout cas, c'est ça. L'homme partit en voyage sur le navire, bon. Voir celui que tous respectaient. Ah, tous respectaient, qu'est-ce que ça peut être? C'est l'ours. Donc, navire, donc ça fait bateau en résine, ours et sanglier après. On refait bateau? Ben, je sais pas, ils disent bateau. On a déjà eu bateau. Ben, bateau à résine, j'y peux rien, c'est une constellation qui s'appelle bateau à résine. L'homme partit en voyage sur le navire. Et ben. On a déjà mis le bateau. Le bateau, c'est on lui a appris à construire avec palmier et résine. Bah, écoute, je cherchais autre chose, hein, mais L'homme parti en voyage sur le navire. A donné les outils à l'homme, 6 pattes, 8 pattes, grand kraken enchaîné par les anciens, grand pouvoir fait une promesse éternelle, espion de voir kraken. Celui que tous respectaient, c'est le sanglier, c'est ça? C'est l'ours, non. Celui que tous respectaient, et celui qui est enfin, l'humeur mes couilles là, c'est sanglier. Et tous enseignèrent aux guerriers. La raison. Ah, le guerrier est là, et la raison doit être encore un dernier, j'imagine. Ouais. Donc tu penses qu'il les faut tous, en fait? C'est ça? Bah, ça s'enchaîne tous? Ouais, peut-être bien. Ouais, parce qu'il nous manque, par exemple, le kraken. Le kraken, c'est mère kraken enchaînée par les anciens. Il n'y a pas de kraken dans tout ce qu'on a dit. Il n'y aura pas forcément tout. Hein. Ah d'accord, il y en a juste beaucoup. Bah oui. Ok. Adore la reine, protège ses plages, a guidé les anciens derniers de son espèce... Plume dorée perdue par l'aigle, serre de flèche. Respecté de tous, c'est l'ours, donc. Je me suis dit, dans le kraken, percer le cœur du kraken. Bateau en résine, vieux sanglier. Et après, il n'y a pas d'autres constellations. Donc, je te redonne la première phrase. Ouais. La première phrase. Ah, j'arrive, c'est loin. Oh, ils ont clippé mon rototo. Eh ouais. Mais j'ai pas fait exprès. L'homme parti en voyage sur le navire. L'homme parti en voyage sur le navire. Eh ben, c'est le navire, non? Bateau à résine. Peut-être, que c'est, voilà, peut-être qu'il y a deux fois. Ça m'étonne. Ben oui, mais bon, il n'y a rien d'autre qui fait référence à un bateau. Et le dernier, c'est « Et tous enseignèrent au guerrier la raison ». Donc c'est peut-être le guerrier, tout simplement. Oui, je pense que le guerrier, c'est le guerrier, bizarrement. Odile, je pense que c'est Odile. Odile Doré. Bon. T'as noté avec sur un crayon et un papier? Oui. Bah tu es trop forte, Rebecca. Bravo, Rebecca. Donc, tortue, la tortue, c'est un tout petit machin. À chaque fois, c'est une toute petite crotte, voilà, la tortue, là. Hop, elle est... putain, et puis c'est chiant, ici. Je vais me remettre, là. Voilà. Donc, la tortue, elle est là-bas. Ouais. Après, on aurait le bonhomme. Un bonhomme. Le bonhomme, il est là-haut. Mais et tu penses qu'il faut pas qu'on renavigue? Tu penses qu'il faut qu'on creuse, genre par ici, et puis au bonheur à la chance, le trésor, il est là? Ça m'étonnerait. Oh non, ah, non. J'ai trouvé des sangsues, je les ramasse. Vachement bien. Oh, putain, il faut aller en navire. Bah non, s'il faut suivre toutes les constellations une par une. Ah peut-être. Ouais. Parce que je veux dire. Ah par contre, on a laissé tomber le totem, là, il faut le prendre quand même. Parce que le totem, il faut le mettre quelque part, non? Dans le livre. Ou alors, il faut le poser quelque part, mais ça m'étonnerait. Putain, j'ai pas regardé assez bien la dernière ligne. Si on suit. Ouais, les directions, les... Ouais, parce que là, je les vois. Hein. Donc, la tortue qui irait vers le bonhomme. Et le bonhomme, attends, parce que du coup, il y a le guerrier, mais il est où, le bonhomme? C'est bien beau, mais... Gna gna gna, parce que moi, je vois qu'un bon... Enfin, je vois qu'un homme. Quoi, il n'y a pas de guerrier? Enfin, il y a un guerrier, mais c'est pas un simple homme. C'est un guerrier. Ouais. Ouais, mais c'est le seul être humain qu'il y a dans toute la liste, donc... T'as mal lu. J'ai mal lu? Il y a un autre humain? T'as mal... Bah non, mais bon... Et le donna à l'homme éternel. Qu'est-ce que c'est, le truc éternel? C'est ça qu'il faut trouver. C'est Dieu. Ah ouais, super. Alors... L'homme éternel, moi j'ai vu qu'un seul homme. Hein. L'homme, non. Voyons voir.
Non. Éternel, enchaîné par les anciens sur cette Kraken, mais ça m'étonnerait. Reine des mers, grand pouvoir, a fait une promesse éternelle. Ah, peut-être, écoute. Mais bon, c'est pas l'homme éternel, quoi. Pour moi, c'est reine des mers. Ouais, toi aussi, Yvonne, tu penses à ça? Ouais. La reine des mers. La reine des mers, c'est l'homme éternel, c'est logique. Ouais, bah... Crabe courtisan adore la reine et protège ses plages. Ouais. Et donc, ouais, tu penses qu'il va falloir qu'on reprenne la mer, c'est ça? Je sais pas. Non, non, vraiment, j'en sais rien, là. Je veux dire, en fait, je suis en train de regarder les constellations au-dessus. Ouais. Donc là, la reine, plutôt la reine des mers. Donc si on suit bas, tout le guide, ça marche, du coup, il y aurait ça. La reine des mers, ce serait ici. Après, j'ai noté le bateau. Mais je comprends pas. Enfin, voilà, je comprends pas. Le bateau, il est là. Après, on aurait le poisson. Le poisson, il est pas très très loin. Il est là. Tout. Apparemment, faut prendre le totem et le caser quelque part, tu vois, sur une île. Je vois qu'il y a une torche d'ailleurs, on dirait. Enfin, ouais, mais je regarde l'énigme, moi, donc forcément, tu peux pas voir de quoi je parle. Mais apparemment, ils mettent quand même trois petits pointillés et nous qui nous déplaçons avec le totem crabe, donc. Ouais. Après, poisson, le bateau. Et bateau, c'est bateau. Le bateau, il y en a encore un. Mais c'est bon, il y a la lune et le soleil, il faut le faire en plein soleil. Le sanglier. Et l'hippopotame. Ah, mais attends, j'ai trouvé. Et le guerrier. Ah non, c'est une clé requise. Merde. Ah ouais, il faut une clé. Oh non. Ah si, il est là. Ouf. On va voir, je peux pas poser le totem là ici pour voir. Où ça, t'as vu? Bon, bah j'ai peut-être trouvé où mettre le totem, écoute, voilà. Mais bon, j'ai trouvé. Je l'ai mis là, regarde Rebecca. Il y avait un endroit où poser un truc, il y avait trois crabes, j'ai mis le crabe. Voilà, bon, nick. Bah... Allez. Oui, peut-être. Mais non, mais il doit... Après, c'est pour la suite. Alors, il va encore y avoir une énigme de ces morts. Ça se trouve, c'est pas là. Hein. Ah, faut allumer la lanterne. Je pense. Donc, tu te rappelles, hein, quand on allume le brasero, bah après, il y a des trucs à faire. Ah oh ouais, tu te rappelles de cette énigme? Ah oui, mais c'est bizarre, c'est le truc du Schrödbaker, ça, non? Bah oui, mais c'est bizarre qu'on ait pu rentrer. Alors regarde, il y a le feu, le poisson, le... Putain, il va falloir mettre tout dans l'ordre. Alors la tortue. Ah, c'est ça qu'il faut faire, d'accord, ok. Ah oui, c'est ça, t'as raison, Rebecca, la tortue. On avait dit quoi après? La sirène. Ouais. Ah ouais, la sirène? Pour Donna et la Donna à l'homme éternel. D'accord. Bon, bah, on va mettre le bonhomme, hein. Ça m'étonne, mais bon. Non, mais t'as raison, après, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, on va bien voir. Non, c'est donc ça. Et enfin, le dernier de son espèce, c'est le poisson, ouais. Et après, j'appuie pour rentrer la solution. Donc, je fais entrer la solution. Ça a marché. Et maintenant, le deuxième, c'est ça? Et le deuxième. Donc, ouais, l'homme parti en voyage sur le navire. Bon, ouais, j'essaie le bateau. Voir après, celui que tous respectaient, c'est l'ours. Le vieil aigri aimait mieux cette saison, donc le sanglier. C'est celui-là, je crois, ouais. Et tous enseigner au guerrier de la raison. Guerrier, solution. Eh ben alors, c'est qui Indiana Jones alors là? Hein, Indiana Jones? Youpi! Et là maintenant, on va se faire cueillir par les autres qui nous attendent. Ouais. C'est ça. Pierre du Shroudbreaker. Mais c'est vraiment ça qu'on devait trouver? Bah non. Allez voir Sud. Ah, il faut retourner voir Sud, c'est ça. Au Northern Seapost. Mais c'est vraiment ça qu'il fallait trouver. Bah oui, regarde, point de sauvegarde de la fable du filibustier enregistré dans votre inventaire. Donc oui, c'était vraiment ça. D'accord, c'est à nouveau les trucs de Shroudbreaker. Okay. Oui, mais c'est le fil conducteur, c'est le lore principal, le Shroudbreaker. C'est juste qu'on n'a jamais écouté le lore. Allez, c'est parti. Et là, on n'a plus de bateau. Bah, c'est pas improbable. Hein. Mais on aurait eu la sirène, là. Tu crois dans la caverne? Je sais pas, hein. Tu nages bizarrement. Ah ouais? C'est parce que je suis bourré. Quoique j'entends un chant de sirène, mais bon. Ah oui, non, mais c'est pas un problème. Ils sont en train de péter notre bateau, non? Je sais pas. Ouais, y'a plus de bateau. Ah bon? Mais si, au-dessus de nous, là, c'est quoi? C'est eux? Bah non, c'est nous. Rebecca, oh, elle est pessimiste, cette femme. Terrible.
Oui. Moi, je lâche vers le bas parce que je voulais voir un truc, mais c'est vers le haut, là. Pourquoi il n'y a plus de bateau? C'est pas notre bateau, ça, derrière nous? Si. Bon, bah alors. Mais non, mais c'est bizarre qu'il y ait une sirène. Ah, parce qu'on s'est éloigné, peut-être, et puis voilà. Mais bon. Bah direction le Northern Sea Post, si j'ai bien compris. Peut-être qu'ils ont autre chose à foutre, hein. Northern Sea Post. Il est où? Northern Sea Post. Northern Sea Post. Northern Sea Post. Putain. Lookout Point. Pernacle Bay. Rocky Isle. Avant-poste. Northern, ça doit être au nord, évidemment. Maraudeur. Comment on l'indique? Ouais. Shallow Boulder Clay. Avant-poste Sanctuary. Putain, il est où? Rapier Cay. Non, il est forcément dans le nord. Là, c'est bon, je l'ai trouvé. Il faut qu'on aille nord-ouest. Je vais prendre un tromblon, moi, plutôt. Attends, je vais juste prendre une caisse de stockage. T'avais une caisse de stockage? Ouais. C'est là où vous avez commencé la frappe. Oui, ça c'est me rappelle, ouais. Ça. Oui, c'est là où on l'a commencé. Il nous avait dit qu'il fallait qu'on rentre, voilà. Que bon. Putain, t'as vu vachement loin. Si tu veux, tu pourras te mettre dos au grand caillou, là, pour que je te ramène. Enfin, face au grand caillou. Il y a d'autres trucs. Putain, il y en a plein, en fait. Qu'est-ce que c'est, ce caillou? Eh ben, mets-la moi à peu près là, et puis je te l'attraperai. J'ai laissé mon... Mais non. C'est quoi ça? Ah, c'est une caisse de boulets. Trop bien. Cool. Y a le harpon qui est planté, si jamais tu veux poser ta caisse là où je l'ai planté. Récupérer quoi? C'est bon, je l'ai posé. Ah ouais. C'est avec la houle, c'est pas évident. Ah, c'est bon, j'ai eu. Tu peux me choper si tu veux. Ah, évidemment. Par contre, pour que je chauffe, faut que tu te mettes dos, évidemment, sinon je vais récupérer la caisse, Rebecca. Voilà. J'essaye, hein, c'est juste que c'est extrêmement loin. Voilà. Et là, voilà, merci. Plaisir. A vomi. Voilà. Caisse de stockage. Alors, il y a quoi dedans? Ouais, il y a quelques trucs quand même. Cool. La bouffe et tout, c'est bien. Et on a... Ah putain, on en a deux en fait, des caisses de... De boulets? J'avais déjà remonté une caisse de boulets, ouais. Bah ouais, à fond. Du coup, on va pouvoir en compléter une. Ouais. Bon, je remonte le... Ouais. Je remonte. Ça marche. Tu sais où aller? Je me rappelle, je crois que c'était nord-ouest, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, nord-ouest. Il y a un caméléon qui gobe des mouches avec son harpon. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. Naviguer sur... Mais oui, bon bah c'est bon, on a compris. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je sais pas, il s'éclate avec toutes les... Waouh, les accomplissements. Waouh, vous avez accompli des trucs. Ah, on va voir si t'as pas trop d'alerte en retard, effectivement. Bah écoute, là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Ouais. Alors, on a combien de milliers de kilomètres à faire? Pas mal. Faut remonter un peu plus vers le nord, je suis un peu trop sous-estimé. Ah oui, mais j'évite le caillou, c'est pour ça. J'essaie de prendre un peu plus fin, là, ici, comme ça. Bon, le chat est plus avec toi, hein. Elle était. Mais en fait, elle part, elle revient, donc... Ok. Bon, elle est pas chez moi. Alors, c'est quoi en face de nous qu'on va se prendre, là? J'ai trop zoomé pour savoir ce que c'est, cette île. Ça doit être un avant-poste, je présume. Ouais, c'est le... Bah non, je vois pas ce que c'est. Okay. T'avais armé les... Les canons, oui. On va prendre deux. Ah, on va prendre un... Ah, on va croiser des tonneaux, mais bon. C'est jamais une bonne idée de naviguer au milieu des tonneaux, parce que s'il y en a un qui explose, il y avait un crâne dedans, mais bon, tant pis. Ouais, c'est pas... Si jamais il y a un tonneau qui explose au milieu, c'est la fête à la coque.
Oh oh, un mégalodon. Merci en tout cas, Tagvalit. Un de ces quatre. Merci pour le coup de main. Tweet les copains. Heureusement qu'il n'y a pas de collision avec, hein. Non mais ouais. Ah, faut que je remonte plus vers le nord. Après, je peux toujours tenter de le harponner pour qu'on aille plus vite, hein, mais... Je sais pas si ça marche, hein. Si, si, ça marche, mais c'est pas du tout une bonne idée. Il va pas apprécier. Relouvie. Bon, oublie pas si t'entends... C'est qu'il nous fonce dessus et qu'il faut pas se mettre sur les bords du bateau et qu'il vaut mieux se mettre dans la cale, même. Hein, pour pas être éjecté du bateau. Tu t'en rappelleras ? Mais de toute façon, tant qu'on l'attaque pas... J'ai l'impression. En tout cas, toutes ces dernières fois, effectivement, il nous a foutu la paix. Ok, on a à peu près le bon cap, je crois. Oh oui, on est... Oui, pas mal. On est loin ou on est prêt? Je sais pas ce que tu veux dire par on est quand même. Non, c'est pas mal, enfin on est sur le bon chemin, mais il va falloir. Voilà, c'est toujours tout droit quoi. Ben ouais. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Ah. Des oiseaux en face de nous. Tu veux y aller? Je sais pas, on va voir. Allez. Bah, prépare-toi à jeter l'encre alors. Hein. Ouais, tu me dis. Eh ben. Jette l'encre. Ouais, il y a un truc. Alors, voyons voir. J'ai eu une caisse de quoi? De minerais raffinés, je crois. Ouais, minerais raffinés. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai une caisse de minerais. C'est en marchant, de toute façon. Ouais. Des planches. Bah, on va prendre des planches. Écoute, je vais vider mes planches. Hop, vider ma bouffe. Je trouve un petit bibelot. Bien joué. Ouais, je vais mettre ça là. Hop, ouais, on va. T'as pris les planches? Ah non. Hop, voilà. C'est bon? Il en reste une, je crois, mais bon. Trop tard. Hop. Ah, il est trop bas. Là, c'est bon. Et ça, banane et encore des planches. Ok, et je vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Ça marche. Ok. Et ben. Super. Je vais reprendre des boulets au cas où. Voilà. C'est reparti. Ouais, on a légèrement dévié, faudra. Ouais, retourner un petit peu vers le ouest. Un peu. Waouh! Le coucher du soleil! Il est beau! Bonne nuit! Bonne nuit, Del, c'est ça? Couche. Ouais, je crois que c'est Del. Ça me rappelle le scolo. C'est quoi le scolo? La scoloscopie? La scoloscopie, peut-être. Va un peu plus bâbord. Bâbord, oui, mais il y a des cailloux. D'accord. Okay, je veux bien, mais. Juste après les cailloux, je vais pas boire. Il sera sur notre gauche. Ouais, ouais. Pas tout de suite à gauche, mais quasi. L'écolo, je présume. Non, pas le scolo, hein, je présume que c'était ça. Évidemment. Les colonies de vacances, oui, voilà. Ah, c'est peut-être ça, en fait. D'accord, quoi donc, okay. Qu'est-ce qui se passe? Je vois les trucs en haut à gauche, c'est les quêtes journalières. Hein. J'ai rien en haut à gauche, moi. Dans quel menu? Je sais pas, moi. Bah, ça pop. Dans quel menu? Je sais pas. Bah, moi, j'ai rien qui pop. Bizarre. D'accord, bah moi c'est des fois. Petit minou. Ah, et chez toi? Bah là ça va vraiment, vraiment falloir aller à l'ouest.
façon. Vraiment falloir aller à l'ouest, ouais. Ouais. Ouais, ouest, maintenant, tout de suite. Oui, ouais. Bam. Et voilà l'ouest. Mystère de l'ouest. Ah. Voilà. Et là, faut pas trop bouger de cap. Ouais. Il y a un chat qui fait des conneries, mais tout va bien. Évidemment. Évidemment. J'ai voulu se faire les griffes sur le coussin marron du canapé qui est sur le bord de mon armoire. Ah, t'es vexé, bah c'est ça, va-t'en. Alors, il y aura l'île sera sur notre droite, tu vois, c'est le petit... ouais, le nord. Petit avant-poste là-bas. Là, voilà. Enfin, c'est même pas un avant-poste, ouais, c'est les trucs où on vend la bouffe, quoi. Les 6 postes, tout simplement. Et Louvi, pour tes colonies de vacances, tu partais en bateau avec des pirates? Comment ça se passe? Avec des pirates. Bien sûr. Putain, mais on se traîne, c'est pas possible. Pourquoi on se traîne autant? Ah, y'a pas de vent ou quoi? Hein. Si, voilà, il faut mettre la voile, voilà, le vent dans les voiles. Ah d'accord. Je vais bientôt y jeter l'angle. Tu peux y aller. Je ne vois rien. La pierre du Shroud Breaker. Shroud Breaker. Alors, tac. Ouais. Merci. Voilà, et c'était le monsieur qui était là. C'est lui, là. Et lui. No, where such leave those ephemerides? Allons, Suds, retrouve ces éphémérides. Oh, it's you. My spyglass. Oh, a fine keepsake. I'll pass along that pretty gem of yours in return. Hey, old Suds won't forget. You won't forget? On the glowing eyes, man, angry at him. Oh, no, no, no. So many secret stars. Huh. Declination 22. Need to call him in. Is it you? Terminé toutes les fables du Phoebusium. On est venu loin, on en a fait qu'une sur 11. Très bien. D'accord, fin de l'histoire. Voir ce que vend Suze. D'accord, une voile de marin noir. Super. Ouais, renommée augmentée. Permet de repérer facilement les bassins où se trempaient les pinces. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On a des copains derrière nous, je crois. Ah ouais. Là, j'ai entendu se marrer dans le chat vocal. D'accord. Je pense qu'ils nous ont percutés parce que j'ai entendu splunk. Il faudrait. Ah, ils sont là? Ils sont sur notre bateau, je crois. Mais de toute façon, d'accord, ils sont en train de piller notre. Voilà. Ouais, d'accord. On a des trucs. Voilà, ils font tout exploser. Salut! I'm dead. On les a pas du tout vus arriver ceux-là. Non. Non, mais on a fini notre quête. Tout à fait. Mais on avait des trucs à ramener, bon. Ça va. Bon, on va pas ripop au même endroit. On va s'aborder le navire, je présume. Je sais pas, ouais. On peut. Bon, on va voir. Je sais plus où c'est. Bon, j'ai encore le chat qui m'a fait l'aquaplaning du cul, mais sur le tapis, alors c'est relou. du coup, comment t'es... On va voir où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on...
qu'on repoque. Ouais. Bah, c'est des pirates, hein. Mais bon, là, ah, ça pue du cul quand même. Oh, mais non, mais. Ils sont encore là ? Ah putain. Ils sont encore là, putain. On s'en non, branle non, je suis bien, c'est... Barrez-vous les nouilles. Il me one-shot, mec. Bon, en plus, il parle... Eh ouais, bon, on va s'aborder, écoute. Ouais, en plus, on s'en fout. Il faut que tu ailles dans échappe, mon équipage, s'aborder le navire, et voter oui. Échappe, mon équipage, s'aborder le navire, voter oui. Tu as suivi ? Rebecca ? Oui ! Ben, confirme-moi quelque chose. Attends, pour modifier le type... Non, il est où, putain ? Autoriser les amis à me rejoindre ? Putain, il est où ? Échappe, mon équipage, tout en bas à gauche, t'as bordé le navire. Ah ouais. Oui ! Mais j'ai pas eu le temps de voter, enculé ! Bâtard de merde ! Enculé. Mais oui, putain, mais bande de trous du cul Oh là là, font yesh. Donc là, mon équipage, oui, bordel à cul. Arrêtez de nous faire chier. Allez, mais je veux faire. C'est bon, ça a marché. Allez, hop, c'est bon. Gnignigni. Putain, ça aussi, c'est, je comprends pas en fait. On s'aborde, mais ça marche pas du tout. Mais si, ça marche. Je suis déjà sur une nouvelle île. Pourquoi tu dis que ça marche pas? C'est long. Bah, je sais pas, moi j'y suis. Voilà. Bon, bah voilà. Au moins, on aura fait cette quête. Bon. Il visitait ajouté au journal. Putain, mais c'est quoi tous ces trucs qui pop à gauche? Je sais pas, moi j'ai rien. Je sais pas, parce que... Bah, j'en sais rien. Pourquoi moi j'aurais ça en plus? Je sais pas. Il n'y avait aucun checkpoint de fable de flibustier. Ah ouais ? Bah c'est réputation. Bon parce qu'on l'a fini. Oui je sais mais on pourrait... Oui c'est vrai c'est un checkpoint. Quête. Et du coup voyage... Ah bon ? Je peux pas faire... On peut pas réenchaîner tout de suite sur une autre fable de flibustier ? Ah bon ? C'est bizarre ça. Bah ouais, dit l'encre. Ah, lever l'encre pour les grandes aventures. Non, vous n'avez aucun checkpoint de fable de flibustier. Bah, comment je fais si je veux en faire une, les gars ? Bah, il faut que t'ailles voir un bonhomme. Ouais, et j'y vais au pif comme ça sur la carte immense ? Ou est-ce que je cherche un indice dans le menu normalement des fables de flibustier ? On a de ces questions ? Mais non, mais c'est pas une question en fait. Ah, c'est le chat qui a fait une connerie. J'y arrive. Du coup, elle a tout fait tomber. Oui, les ressources, c'est perdu, en fait. C'est des Québécois ? Ah, putain, évidemment, il fallait qu'il y ait un trou du cul de serpent qui me saute dessus. Non, mais oh.
Je t'entends. Toi, t'as pris la thermos avec toi, non? Oui. Mais j'avais pas encore le casque sur les oreilles, du coup, si tu me parles, si je suis pas encore là, je suis un peu là. Voilà. Hop. C'est pas grave, en fait, ivrogne, parce que bon. Hop. En fait, on s'en fout, on a fini une quête, voilà. Nous, oui, on veut finir les quêtes principales après se faire voler du butin. Bon. C'est pas très grave, de toute façon, on avait pas grand chose. Hein. Oh merde. Puis regarde, ivrogne, j'ai encore des ressources, j'ai du chocolat. Regarde. Ah ouais, moi j'ai fini mon chocolat. Déjà? Ouais. Hier déjà. Vraiment un acharné du chocolat. Bon, c'est pas que ça en plus. Espèce de gougnafier. Non, goulamas, Rebecca, tu confonds. Non, oui, je sais plus ce que c'est un gougnafier un peu. Je sais plus. Ah, mais je suis pas gentil. Donc, on est où là déjà? Ce serait bien. On est sur la petite île de Discovery Ridge. Ouais, d'où on est déjà parti tout à l'heure. Ouais, bah on va essayer de trouver. Ah bah ils sont au-dessus là, les trous du cul. Ah ouais? Bah je pense, oui, je vois le. Tu sais, le crâne rouge. Mm. C'est ça qu'ils avaient comme. Non, je crois pas, mais d'accord. Il y a l'avant-poste Plunder, hein, sinon. Sauf si tu veux effectivement aller. Je sais plus comment on vérifie pour les quêtes. Merde. Tab, 4, c'est donc... Ah ouais, vous n'avez aucun checkpoint. Voilà, c'est bon, tu comprends maintenant. Eh ben, allons à un avant-poste. Hein. Ouais, mais pourquoi faire? C'est peut-être ça. Bah, ouais. Je sais pas. Enfin, pas de raison normalement que ce soit ça, mais... Si on peut faire qu'une seule quête par jour. Aucune idée. Ce serait bizarre quand même. Ouais. Gougnafier, c'est un bon à rien, un rustre, un gouja. Nous dit Louvi. Du coup, tu veux qu'on va à un avant-poste ou pas? Ouais. Ah, c'est loin. Ah bon, y a pas un avant-poste pas loin? Si on est à Discovery Ridge, y a Plunder. Bah, Plunder Valley, c'est pas un avant-poste. Ah oui, c'est vrai. Enfin. Et là, il y a les connards. Et voilà, il y en a un au-dessus, mais il y a les connards. Et sinon, il y a tout à droite. Pas forcément, je te rappelle que, le crâne rouge, c'est un coffre qui est repéré. Ça veut pas dire qu'il est sur un bateau. Peut-être qu'il faut juste aller le récupérer. S'il bouge, par contre, il est sur un bateau. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des gens. Juste pour rappel. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il bouge, donc... Bon, on peut tenter, hein, si tu veux. De toute façon, on n'a rien à perdre, là, pour le moment. Donc, full nord, c'est ça? Ouais. Voilà. C'est parti. Non, c'est parti. Moi. Ouais, effectivement, Julien n'est pas un gougnafier puisqu'il est bon à manger son chocolat. Ouais. Après, si tu veux, on peut tenter de choper le crâne. Hein. C'est sur notre chemin, on n'a rien à perdre. Ah, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ah, y aura une île avant. Sailor's Knot. Et... Ouais. Ouais, faisons ça, on n'a rien à perdre. Tourelle. Allez, ouais. Faut quand même qu'on se fasse canarder. Et oui, tu n'as pas lu le long en entier, il y avait marqué forte à la fin du nom de l'île. Donc, ça veut dire que c'est un fort, donc avec des tourelles. Ouais, oui. Non. Ah ouais? Sailor's Knot Stronghold. Ah, Stronghold, c'est un fort aussi. C'est une place forte. Stronghold. Ouais. Je vais prendre des planches. Hein. Ouais.
Ah, j'ai quoi dans mon inventaire d'ailleurs? Ah, j'ai des planches. Qu'est-ce qu'il y en a là? Ouais, j'en ai 5. C'est bon. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Ouais. On n'a pas l'air d'être concerné. Alors, c'est pas mal. Et dans son cabane. Cool. La cabane. La cabane. Ouais. Parfait. Voilà. Faudra virer légèrement. Je le vois, je le vois. Tu sais, il est indiqué dans le ciel, ah oui, en fait. C'est vrai, hein, c'est celui-là, ouais. Pas de soucis. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a des copains en vue pas très loin? Bah, qui pourraient venir chercher le coffre ou voir que le coffre se déplace et décider de nous péter la gueule pour le récupérer. C'est ça. Bon, j'ai pas besoin de voir d'autres navires. Ouais. Mais bon, ça ne veut rien dire, je sais. Bon, et maintenant on a le droit d'avoir d'autres quêtes? Mais non, mais pourquoi? Quoi? Ah non, toujours pas. Bah non, je sais pas pourquoi. J'ignore le pourquoi du comment de ça. Tu me dis quand je... Oh ouais, ça va être là, c'est vrai ça. Bah vas-y, jette. Les gars, ils pourraient tout à fait se cacher derrière des rochers. Alors, c'est pas dans la salle du capitaine. Je remonte à la surface pour pas me noyer. Bon, je vais t'aider quand même. Je redescends. J'ai l'air d'être dans la cale. Bon, il y a eu d'émeraudes, je vais remonter l'émeraude. Ouais, vas-y. Prison. Ah, voilà, le coffre, il est là. Il y a un requin. Et merde. Qui nous attend en surface. C'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que là... Il me fonce dessus. Il m'a pas croqué encore. Par contre, moi, je suis en train de me noyer, donc... Ah ouais. Pense à manger la nourriture si vraiment tu perds trop de points de vie. Oui, bah si je me fais et défoncer par un requin. C'est bon, je lui ai tiré dessus une fois. Tiré dessus deux fois. Je descends dans l'eau pour essayer de le distraire. Voilà, je remonte. Ah, c'est bon, j'ai tiré dessus trois fois. Oh putain, il va t'attaquer. Ouais, d'ailleurs, je veux bien que tu... Ah, c'est bon, oh putain, il t'a touché ou pas? Non. Oh, je lui ai tiré dessus au moment où il t'ouvrait la gueule et il te mord le cul. Il a fait... Ah, et j'ai tiré dessus. Ok, et ben on va se dépêcher. J'espère que quelqu'un va clipper ça. C'était impressionnant. C'est okay, bon, je suis là. Eh ben vite, on se dépêche. Ok, vas-y, je pose du requin dans le tonneau. Hop, voilà. Je suis dessus, merci Napyrus. Bon, il n'y avait pas les cris et les hurrahs qui allaient avec, mais c'était pas loin. Allez. C'était vraiment, mais j'arrivais pas à viser, j'étais là, j'étais, oh non, elle va se faire croquer. Ah, pan. Donc, on est vraiment, c'est vraiment le truc du nord, hein, donc... Ouais. Merci pour les claps. Merci pour les claques. Ah, j'ai connecté le bot, moi. Bon, c'est le moment, donc on serre les fesses. Ouais, moi je rechange d'armes. C'est un coffre qui se ramène où, ça, normalement? Je sais pas, on va estimer qu'il se ramène comme les autres. Coffre de la mort, j'imagine c'est là où... Ah, peut-être pas les crânes, alors. Je sais pas. C'est peut-être chez le gars qui a de... Ouais. Chercher de la bouffe. J'ai faim. On n'a pas rechargé les canons, hein. On va le faire. Okay. Donc c'est les petites îles en face de nous, hein, l'avant-poste. Il y a une sloop à notre droite en... Et merde.
tout droit tribord, mais voilà. Quand il n'y aura plus des vagues, voilà. Et ils vont sur le même avant-poste que nous. Ouais, ben... Ouais, c'est comme ça, écoute, c'est pas grave. On n'a pas du tout le vent, donc ça veut dire qu'ils vont y arriver avant nous. On a vraiment le vent de face. Bah c'est con alors. Bah je sais, s'ils arrivent en pile que nous, je suis pas chaude de... Ils sont où? Je sais pas, ils étaient par là-bas, écoute, peut-être qu'ils sont mis de l'autre côté de l'île, je les vois pas. Ouais, je les vois pas. Bah écoute, on va quand même essayer. Et au pire, mets-toi sur la proue et puis saute avec le tonneau. Le tonneau, d'accord. Le coffre, évidemment. Je l'ai mis où? Je l'ai laissé là. Putain, vite, on va se prendre le bord. Hein. Bon, on va dire qu'ils sont plus loin. Vas-y, j'y vais moi. Vas-y. Moi, je fais le tour. Bon, bah, j'espère que ça va être... Bon, je vais jeter l'encre ici. Prendre l'émeraude, je viens avec toi. De toute façon, on s'en fout si on se fait couler, on a que ça, on a que l'émeraude et le coffre. Ouais. C'est joli comme île. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle cet avant-poste. Ouais. Une mime virtuelle ou pas? Si jamais tu vois. Je suis dans l'eau là, tranquille. Moi je suis dans la taverne là où on est arrivé. Donc faut traverser des ponts encore. Youpi, la migraine, merde. Qui c'est qui a de la migraine? Hop, il est où le vendeur? Il est là. C'est le vendeur d'or, il est là où je suis. Tiens. C'est dommage, on a plus le... Merde, c'est pas lui. Pas lui vendre à lui, non. Alors, essaye effectivement à la meuf des je crois moyen, mais bon. Ouais. Merde. C'est pas elle non ça plus. À la taverne alors. Putain, c'est... À la taverne tu crois? Ouais, mais la taverne elle était. Je crois qu'elle était par là la taverne. Ça rame. Tu vas par où? Ça rame un peu. C'est pas la taverne? Ah non. Mais non, c'est là où je vais. C'est là où je suis. Ouais, ça rame un peu chez moi. C'est qui la Rina? What's on the horizon today? Ce serait bien qu'on sache où le livrer ce truc. Ouais, comment il s'appelle déjà? Le coffre des morts. Coffre des morts. Je crois, hein. Non. Okay, putain! J'ai ça et je ne sais pas où ça va. C'est génial. L'enregistrement audio, ok. Et je lance sur. Hop, donc. Putain, les gars, ils peuvent tellement nous cueillir là. Tout va bien. Bah je sais pas. Sea of Thieves, voyons voir. Coffre des morts, vraiment, c'est comme ça qu'il s'appelle? Coffre de la mort. Merci. Coffre de la faucheuse, je crois, même ce coffre a actuellement 30 doublons. De la mort. Ouais, mais là il me dit de la faucheuse, il n'y a pas de la mort. Attends, peut-être chez le marchand, j'ai pas essayé le marchand des mers. Ouais. Je vois, mais j'ai peu d'espoir. Non. Putain, mais faut l'amener où, bordel? Coffre de la mort. Comment ouvrir un coffre de la mort? Il ne s'ouvre pas, il s'échange contre des doublons à Stitcher Jim dans la taverne. Donc c'est bien dans la taverne. Alors mais pas la tavernière, évidemment. On revend rien à la taverne. J'ai essayé les deux, patates. Ah ouais. Évidemment que j'ai parlé à l'autre débile. Ah. Fais gaffe, tu te promènes, il y a une marque sur toi. Salut. C'est sur l'île, le Reaper's Hideout, paraît-il. Ah, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Putain. Et merde. Bon, bah, on est bon pour repartir en mer. Hein. Ouais. Super. Come back when you're buying the grub. Et où le bateau? Il fait nuit, je sais pas où est le bateau. Bordel. Il est par là, ouais. Tu vois pas les voiles au-delà des palmiers, là, tout droit? Non. Bah, tout droit, oui. Écoute. Ouais. Oui, bah, c'était pas très clair. Il y avait des palmiers. Hein. Il fait nuit. Bon, c'est merdique. Oui. Mon idée de merde, là, de prendre... Ouais. Bah non, tu pouvais pas savoir. Attends, on y voit rien. Comment t'as fait pour voir l'échelle? Je l'ai imaginé. Ok. Bon, ouais. Bah, Reaper's Hideout, on va se faire cueillir, c'est sûr. Parce que si c'est là qu'il faut le livrer, les gens le savent qu'il faut le livrer là.
C'est pas loin, c'est à l'est. Voilà, ouais, c'est un peu oui, à l'est. Écoute, on peut faire demi-tour et y aller, mais on va tellement nous attendre. Mais du coup, c'est dans une taverne. Bah ouais. On sait même pas où, en fait. Bah dans la taverne de Reaper's Hideout, je pense. J'ai un coup de fatigue, je vais essayer de dodo. Ouais, bah. Courage, Louis. Tu vas peut-être y arriver. Oups. Quoi ? J'ai beaucoup tourné. J'essaie de récupérer ça. Ça va, c'est récupéré. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas du tout par là. Bah, je sais, mais il faut que je contourne l'île. Ouais. Oh, il y a un bateau pirate là-bas. Enfin, un bateau squelette. Ouais, alors on va essayer de les éviter. Ouais. Oh là 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 là, il y a des gens qui arrivent, je crois, non ? Bah non, c'est le bateau squelette dont je parle, non ? Non, si non, c'est non, bleu non. Et vert. Et sinon, au loin, c'est un avant-poste qui brille. Non, non, mais tu sais pas de quoi d'accord, je parle. D'accord, ok. C'est pas grave. Est-ce que tu es dame ? Voilà. La, ba, ba, bon, mais il est très... Si on se fait pas accueillir par qui que ce soit, c'est quand même un miracle. Hein. Ouais, j'avoue, là. Alors, on va reprendre des voiles. J'y étais, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, non, mais tu sais qu'elle se déplace plus vite quand on est à deux, hein, évidemment. Ouais, ouais. Donc c'est plus pratique. Bon, bah, toujours tout droit. Je vais regarder la proue, tout ça, s'il y a des gens. Oh là 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 là. Est-ce que ce serait un bateau ? Oui, c'est un bateau en face de nous. Eh ben, super. Bon, évidemment, pas un bateau squelette, hein, Rebecca, tu... Si c'est vert et bleu, etc., ouais, c'est un bateau squelette. Ouais, t'en as vu un vrai ? J'avais l'impression d'en voir un vrai, mais... Ouais, je crois qu'il y en a peut-être un vrai encore plus loin. Putain, après, les vagues, bordel. Ah. Petite musique chelou. Qu'est-ce que c'est la petite loin, musique chelou ? Bizarre. Ça fait une petite musique. Bon. Ouais. Ah voilà, je savais ce qu'il me manquait, c'est le chat. Hop. En gros, vous trimballez une balise qui dit aux autres attaquez-nous. C'est exactement ça. Oui, oui, on sait. Mais c'était sans savoir que. Enfin voilà, on pense. Enfin, moi je pensais qu'à n'importe quel avant-poste, ouais. C'était bon quoi. Pas du tout. Pas du tout les lapins. Pas du tout. C'est quoi ces histoires ? Allez, on va y arriver. On effectivement, y arriver. Je vois un vrai bateau droit devant nous. Ah voilà. Ouais. Il y a un vrai bateau droit devant nous qui attend un petit caillou. Bon, écoute, on va essayer de les... Merde. On va essayer de les gruger, de passer par à droite. Non, mais ils font froid sur nous, c'est pas possible. Non, ils sont arrêtés à un caillou, donc on va essayer de garder les voiles gonflées et puis... Ouais. Et puis de les contourner, hein. Yes, c'était là, ouais. Ouais, je crois qu'ils sont arrêtés, gauche. Peut-être qu'ils font leur vie, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont une tête de mort en tout cas comme crâne. Et je me demande si c'est pas les Québécois de tout à l'heure, si c'était des Québécois. Putain, il y en a deux, il y en a même un autre. Putain, ils sont en équipe ou quoi ? C'est possible. On sait tellement pas se battre nous que. Ouais. Nous on est des explorateurs. On est des scientifiques. Des scientifiques. Ouais, ce sera. Il faudrait être sûr que légèrement sur la gauche. Ah oui, là où il y a les gens donc. Ouais. Ouais, ouais. Non, ils ont l'air d'être planqués là-bas. Ils sont sur une île, ils sont en train d'explorer. C'est ça. Donc tu disais légèrement sur la gauche, ok. Là-bas. Il va falloir directement aller à la taverne. Et tu te souviens du nom du gars ? Un truc avec un st. T'avais vu un autre nom depuis un autre bateau ou t'avais juste vu lui ? Juste lui. Ok. J'avais cru en voir un autre, mais je m'étais mal. Oui, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de faire une mission. J'ai limite envie de faire une expédition kamikaze et de foncer droit sur l'île avec le coffre et de pas contourner l'île et de couler après, tu vois, mais bon. Il y a moyen, hein.
Bon, ils ne suivent pas là-bas. Après, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui attendent sur l'île en n'ayant pas le bateau à côté. Faut surveiller s'il n'y a pas de sirène dans l'eau. Ouais. On voit pas trop comment elle est foutue cette île, je sais pas si on peut passer au milieu. On dirait que oui. Ça a l'air d'être ça. Ouais, la taverne. Est-ce que tu pourras jeter l'ancre si tu y es? Ah. Sinon je le fais, hein, c'est pas grave, mais ce serait maintenant, quoi. Ouais, maintenant. Ok. Donnez-moi une échelle, bordel. Pas d'échelle, super. Bon, bah, tu me couvres. Hein. J'essaye. C'est vraiment là, putain. Je sais pas. C'est ce que ça avait l'air de dire sur le forum, alors ça se trouve, c'est pas là du tout, mais. Ça se trouve, c'est pas là. Hein. Bonjour, monsieur. Ça rame, putain. Il s'appelle serviteur de la flamme. Je crois putain, que c'est lui. Putain, ça rame. Mais non. Oh non! Bah je le prends alors. Vas-y. Vendre le coffre. Oui. Voilà. Coffre de la mort vendu. 512 doublons. Plus 25, je crois. Ah non, de 25 doublons. En 25. Ouais. C'est quoi ça? Lancer l'ancre en tant qu'émissaire des eaux de la faucheuse. Augmenter votre rang d'émissaire en apportant tout votre butin au Reaper's Hideout, y compris les pavillons des émissaires que vous avez coulés. Ah, c'est ça, tu vois, tu sais, des fois on peut récupérer, voilà. Vous remporterez ainsi plus de récompenses et améliorer votre classement dans le carnet. Voilà, ça faut couler des gens et tout, on n'est pas du tout expert. Hein. Très bien, on a fait ça. Ouais, on a survécu. Putain. Ouais. Eh ben, on n'est pas très téméraire, hein, je veux pas dire. Mais... pas gagné, hein. Bon, on a réussi. Oui. Coffre de personnalisation de la vie. Oh, y a un truc qui brille là-bas. C'est quoi? Ah ouais? Ouais, on dirait une sorte de coffre de quelque chose. Eh ben, ouais. Étonnant qu'on s'est pas, on s'est pas fait accoster. Hein. Et c'est un coffre... voyons voir, est-ce qu'il est vide? Il y a de l'or dedans, il y a un petit objet. Ah cool. 99 d'or, et ben voilà. Pas ouf, mais bon, c'est déjà ça. Oui. Ok. Bon, faut que je vois comment on débloque les quêtes principales à nouveau, parce que bon, je préférais faire une quête principale plutôt que de ramener juste des coffres un peu lambda. Encore que, tu sais, on avait de la réputation à gagner, donc des meilleurs coffres là, à ramener fini, encore. Hein. Comment ça, c'est fini? C'est fini. Enfin, on a perdu le pavillon. Non, Rebecca. Il y a également, tu sais, toujours les guildes du mec qui achète de l'or, des crânes, etc. Oui. Et ça, il y a toujours moyen d'avoir des petites quêtes. Ensuite, on leur achète des quêtes, tu sais. Ah oui, oui, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Tu, oui. Tu me dis oui avec ton petit air condescendant, mais oui. Oui, mais pour rapporter plus de thunes, il faut remettre le pavillon. Non, enfin oui, ouais, oui pour en ramener un peu plus, effectivement. Mais on peut aussi, tu sais, améliorer notre... Ah oui, non, effectivement, ouais. Voilà. Mais bon, on préférerait faire des quêtes principales, on est d'accord. Sauf que là, Fab de Flibustier, vous n'avez aucun checkpoint. Je vais regarder ce que ça dit sur Internet. Hop. Alors, Fable de Flibustier, vous n'avez aucun checkpoint. Mes genoux, qu'est-ce qui se passe? Les fables auront bientôt des checkpoints, d'accord, mais comment on fait une nouvelle fable? Mise à jour gratuite. Alors, à moins que ce soit ailleurs, hein. Peut-être que c'est pas dans ce menu-là, mais si, pourtant, quête. Quête. Voyage. Il y a une cargaison perdue, une cargaison vitale perdue par l'imprudent. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré à la meuf, là. Récupérer le manifeste de l'expédition perdue lors de ce voyage du capitaine marchand. On pourrait faire ça, c'est peut-être rigolo. Peut-être faut quand même faire des quêtes normales avant de refaire des quêtes compliquées. Je sais pas. Peut-être. Bah écoute, je vais proposer celle-ci voilà. Sur le bureau de la salle du capitaine. Ah, ou alors c'est là-dedans? Ah non, c'est pas là-dedans. Bon bah tac, je vais mettre ça et je vote. Voilà, c'est fait. C'est voté. Si jamais tu veux aller voter pendant que je surveille ton requin. Ah oui, vas-y. Yes. Cargaison vitale perdue par l'imprudent capitaine Kato. C'est bon, tu peux revenir récupérer ton... Il commence à prendre une jolie petite couleur. Moi, je vais regarder la quête et je vais regarder dans quel sens on se déplace. Quête obtenue. Alors,
Oh, c'est sympa. Je me rappelais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Suivez les traces du navire disparu pour découvrir des indices conduisant à la cargaison perdue. Ça fait deux fois perdu. Ah bon, c'est disparu. Retrouvez le manifeste du navire. Ok. Missing vessel. Donc le vaisseau manquant, c'est The Shiny Scallop. Origin, il partait de Golden Sands Outpost. Et destination, il allait à Finest Trading Post. Et donc il faut trouver une épave en fait. Suivez les traces du navire disparu, donc on doit trouver une épave effectivement pour découvrir les indices conduisant à la cargaison perdue. Putain, ça veut dire que dans le machin il y a une. Golden Sands, Finest Trading Post. Ok, donc je cherchais Golden Sands pour le point de départ. Ah, mais tu y es déjà. C'est marrant qu'on voit avec le soleil comme ça. Finest Trading Post, il est là, ok. Ouais, et là, ouais. Ah, c'est marrant, oui, voilà, ok. Et Golden. Attends, mais du coup. Bah, il doit être au nord, non ? Golden. Voilà. C'est le fameux. C'est lui. Ok. Bam. Et donc, en fait. Dézoome pour voir un petit peu. Ouais, il faut faire le. Attends, parce que du coup, ça, ouais, je vais le lire. Tac. Donc, c'est entre ça et ça. Ah. Et il faut suivre son itinéraire comme c'est écrit sur la carte. Si tu veux que je te le montre, regarde, c'est fait comme ça. Me vois-tu ? Ouais, en fait, d'abord, il contourne. Ah, il y a entre grosses îles et petites îles. Grosses îles. Bah, il part de tout en haut, on est d'accord, hein. Voilà, hop, et ensuite il descend vers la petite île et donc il contourne, ouais. Ouais, vas-y, fais le trajet, voilà. Très bien. Après, il va en dessous là. Bon, en attendant, moi je vais à Golden Sands et on est là, donc c'est ouest, nord, nord-ouest. Ah, j'ai pas assez de marques. Mais bon, voilà. Ouais, bah on les en quelques-unes s'il faut. Voilà, et donc, nous, le point de départ c'était quoi ? C'est Golden Sands, hein, là-haut. Donc c'est en faut que je parte vers nord-ouest. Ouais. Après, c'est pas plus mal de pas commencer une énorme quête là à cette heure-ci. Oh, maintenant qu'on arrive à se déplacer, ça peut être rigolo, mais. Bon, on a pas assez de boulets, mais j'aurais bien essayé d'attaquer des navires pirates, pas humains évidemment, mais. Mm-hmm. Parce que là, il y en a en face des sloops, mais bon. J'ai mis le drapeau de l'amitié, si seulement ils voulaient bien être amis. Ou alors il faudrait qu'on mette les micros, mais je sais pas comment ça marche. Enfin, j'ai pas pris le temps de regarder. Mm-hmm. Sinon, on prendrait le haut-parleur et on ferait. C'est où le haut-parleur ? Comme ça, et là, on ferait. Hé, hey, les copains ! Vous voulez être nos amis ? Parce qu'il y en a plusieurs là-devant. Il y en a un... Bah, où est-ce que je regarde ? Ah oh, zut, il y a ça. Tant pis. Donc là, on est là. Ah, on a le bon cap, écoute, j'ai l'impression. Alors. Attends, face au vent et soudain, sursis face au vent. Le vrai héros de tous les temps. Je vais retourner dans les options pour voir. Paramètres. Paramètres. Audio. Donc ça. Chat de proximité directionnel. Touche d'activation du micro. Maintenir. Je vais essayer comme utilisation la touche d'activation du micro en maintenant la touche en l'activant et la désactivant. Je peux dire ça que c'est ça ou pas ? Activer, désactiver. Maintenir, voilà, c'est ça. Putain, on est vraiment face au vent. C'est ouais, nul. Ouais, c'est ça. De la merde. Activer et couper le chat d'autres équipages. Tac. Voilà, ok. Ça, d'accord. Chat de pirate. Ah, c'est eux. Ok. Chat de pirate. Menu circulaire des objets. E, des objets à lancer. Ah, ouais, d'accord, ok. On peut lancer des objets. R pour les appâts. Space bar pour les quêtes. Et E, F pour plus. Ah, ouais, donc je peux faire E pour les objets à lancer. Fais voir. E. Bah, non, c'est des émotes. D'accord. Attention! 1, 2, 1, 2. Attention, il faut aller plus vers le nord. Bon, c'est pas grave. Ouais. Allons plus vers le nord, c'est parti. Ouais, si on veut vraiment suivre le tracé, il faut contourner voilà, par la droite, l'île, et aller plus vers le nord. Alors, qui c'est qui dort pas ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que Naphiros est en train de dormir ? Pas tout à l'heure, il me semble. Pas tout à l'heure, non. C'est vrai. Peut-être que maintenant, oui. Mm. Voilà, Naphiros ne répond pas. Naphiros est décédé dans son lit. Ça va, Julien ? Tu es AFK, c'est ça ? Non, je regarde. C'est à moi ? Ah ouais, je suis AF bar, moi. Je suis AF gouvernail.
classique, étendard dit de l'aventure cinématique allégée. Ah, ah on peut... voilà, Naphiros. On peut, tu sais, alléger. Tu sais, Rebecca, quand on approche d'une île, il y a toujours une cinématique qui se lance. On peut alléger cette cinématique. Étendard dit en aventure, on peut mettre allégé. Étendard dit en arrêt, on peut mettre allégé. On peut mettre des trucs un peu plus tranquilles quand on croise des îles. Apparemment. On est où là? On me demande. Putain, ouais, on n'est pas. Il faut vraiment qu'on aille plus vers le nord, bah vraiment. Oui, non, mais tu fais. Voilà, t'écoutes pas ce que je fais. Oui, je demandais qui c'est qui était encore debout. La barre était disponible. Oui, mais bon. Ouais. Et alors, t'as appris quoi aujourd'hui, Naphiros? Parce que t'avais dit tout à l'heure que t'avais appris plein de trucs techniques. Et voilà, que maintenant que tu comprenais les trucs sur les partitions. Ah, bah oui, c'est vrai ça. Les dièses, les bémols, les bécarts, tout ça. Il comprenait tout. Waouh! C'était bien, c'était à propos. La prochaine fois, Naphiros, quand elle est en train de bosser comme ça, tu lui demandes dans quelle tonalité elle est et y a quoi à l'armure, tout ça. Comme ça, au moins, tu fais genre, tu t'y connais et tout. Ouais, mais voilà, on en a parlé un peu. Ah, c'est bien ça. Alors, tu joues en quelle tonalité, Rebecca, tout à l'heure? J'avais deux. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs tunes. Il y en avait un en ré, il y en avait un en mi dorien. Oh, ah ouais, non, ça on n'a pas abordé, mi dorien. En oula. En mi mineur. Ah mi ouais. Mineur, en mi dorien et en ré ionien. Oui, c'était enrichissant, dit-il. Ah. Voilà. Pour le bien. C'était complémentaire même. Ah oui. Comme bah oui, les c'est numéros, vrai ça. Au loto, bien sûr. Mais non, mais ça mettait une petite mise en application, c'est bien ça. Et du coup, j'ai rigolé. On parlait du dièse et voilà, mais quoi on peut dire mi dièse? Ah, c'était ça le clip. Une blague et il a clippé, voilà. Eh oui, mais on avait pas tout clippé. On avait déjà parlé du mi dièse et que c'était une blague, mais c'est vrai que dans certains contextes, on est obligé de dire mi dièse. Mais j'avais pas poussé les explications jusque-là. Je lui avais dit mi dièse, c'est la blague. Je lui ai donné l'exemple d'une triade de do dièse majeur. Et oui, t'es obligé d'appeler ça mi dièse, bien sûr. Voilà. Et oui, oui, oui. Surtout pas ça. Mais bon, donc c'est vrai que c'est la blague de musiciens en devenir qui pensent qu'on ne peut pas dire mi dièse. Voilà. Tu fais ah, mi dièse. Tu dis bah oui, mi dièse dans un do dièse quoi. Et là, c'est ah ouais. En fait, ça et peut oui, exister. Parce que si tu vois, en do dièse majeur par exemple, c'est une tonalité où t'as 7 dièses à la clé, donc t'as tous les dièses de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do dièse, ré dièse, mi dièse, fa dièse, sol dièse, la et dièse, donc, si dièse. Forcément, là, tu vas pouvoir braquer à gauche. Ouais. Parce qu'en fait, on va commencer à suivre l'itinéraire. Tout à fait, mais tu sais, je suis très braqué comme garçon. Ouais. Ouais. Et donc, bah forcément, quand tu es en do dièse majeur, comme il y a les 7 dièses à la clé, et ben du coup, il y a un mi dièse. Et oui. Fa, il y a déjà un fa dièse à la clé. Et il y a même donc, un si dièse. Oui. Et tu peux pas l'appeler fa, parce que le fa, il est déjà dièse. Il est déjà pris. C'est interdit. Il faut utiliser 7 noms de notes différents. Oui. Voilà, il se peut qu'il puisse y avoir un fa bk, hein, attention, hein, mais dans ce cas-là, on appelle ça une altération accidentelle. Ah, c'est bien, j'ai mis l'affichage allégé des îles, et là, du coup, ça me met juste un petit panneau en haut, plutôt que les deux barres noires en haut et en bas, en mode cinéma et tout. Ok. Voilà. Donc, il y a une sloop sur notre trajet. Hein. Alors, oui, ça reste un fa, mais pas harmoniquement. Harmoniquement, c'est pas un fa. Voilà. Donc, je répète, il y a une sloop en face de nous. Ouais, ouais. Qui a un pavillon de tête de mort à tous les coups. En face. Ouais, ouais. En face, légèrement gauche, tu verras. Voilà. Pas loin de là où il y a les petits oiseaux qui volent. C'est sûrement là qu'il faudrait qu'on aille aussi. Ah oui. Voilà. Ah, peut-être, ouais. Bah, c'est peut-être là. Hein. Et ouais, d'ailleurs, on va aller là, hein, parce que si on cherche une épave échouée, donc on va aller là, et puis bah, on verra bien ce qu'ils nous veulent, les gens. S'ils veulent quelque chose. Je pense qu'ils sont arrêtés à Lille. Tu crois ? Là, ils vont pas vers nous, ils avancent. Ouais, je sais, mais bon, quand on va arriver à côté, ils vont faire. Bah, vous voulez quoi, vous ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Mais pourquoi on simplifie pas la vie si notre sonne pareil ? Pourquoi on l'appelle pas pareil si c'est frisson ? Bah, parce que pour des questions harmoniques. Si à la clé, t'as 7 dièses à la clé, bah non, désolé, tu peux pas. C'est le bordel après. Ouais, faut que tu comprennes plus les règles pour avoir la réponse à cette question, en fait. C'est pas pratique, en fait. De l'appeler fa alors qu'il y a un fa... C'est-à-dire que tu vas mettre un fa bécard à la clé. Mais si tu mets un fa bécard, du coup, en fait, t'as quand même un mi dièse. Du coup, ça sert à rien. Du coup, je vais me jeter l'encre. Pas encore. Tu me dis. Ah, ça veut pas être ça qu'on cherche, mais bon. On essaye. Vas-y, jette l'encre. Ouais, c'est pas une... Il y a peut-être les paves en dessous, hein. Ouais, peut-être, hein. Ou alors il y a peut-être des indices dans les tonneaux qu'il y a là.
On va chercher dans les tonneaux. J'ai pas... Ah tiens, il y a des planches qu'il n'y a pas d'habitude. Intéressant ça. Ah ouais. Alors, des boulets, je prends. Oups. Putain, j'ai une vague et ça m'a mis sous l'eau d'un coup. Genre, ouch. Comme ça. Ok, de la nourriture. On va enlever ça. Ah non. Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est le harpon que j'entends. Ouais, ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, j'ai trouvé un truc. Indice trouvé. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé un indice. Chez vous. Ah, il y a une caisse de quelque chose. Oh, j'ai une carte Ouais, j'ai une carte, youpi. Oula, il y a plein de caisses. Attends, c'est quoi? Caisse de machin exquise et caisse de... Oh là, ah, putain, mais c'est pas possible, au secours, il y a trop de vagues. Mais j'arrête pas de me retrouver sous l'eau. C'est un coup à se noyer, ça. Allez, nage. Oh là là. Bon, je veux mes caisses. C'est bon, j'ai une caisse. T'es où, là? T'es là. Est-ce que... T'arriverais pas à me harponner la caisse que j'ai dans les mains? J'essaye. Je suis plus bas. Ah, je suis là. Raté. Ah, oh là là, c'est chaud. Et raté. Ah yes! Mais tu m'as emporté avec. Bon, d'accord. J'y retourne, capitaine! Ah, cool. Je fais quoi comme une caisse? Allez! Ah ouais, t'as chopé la caisse que je visais. Mais pourquoi j'arrive pas à la prendre? Parce qu'il faut que tu te décales un petit peu. Ah ouais. Voilà. Hop, c'est caisse bon. Caisse de terre rare. Cool. Il est toujours avec toi, le chat? Elle est dans... Dans sa cabane? Ouais, alors la cabane. Cool. Moi, bon, je préfère la savoir là. Plutôt qu'en train de faire du drift sur mon tapis avec son cul, là. Avec son cul! Non, mais y a plus rien dedans, après. Des petits trucs, mais bon. Ouais, ouais. Alors, voyons voir. Donc, toi aussi, tu as récupéré normalement le deuxième indice, la carte. Et donc, faut aller trouver sur cette île-là et aller là-dedans. Et je me dis qu'il y a un autre indice après. Donc, c'est quoi cette île-là? Avec un creux comme ça et une petite île au-dessus. Donc, c'est pas ça. Un creux là. Voilà, c'est ici qu'on aille. Il faut qu'on aille à Mermaid's Hideaway. Et donc, tout droit, légèrement gauche. Tout droit, légèrement bâbord. Tout droit, légèrement bâbord. Ah oui, c'est vrai que t'as des caisses de boulets si tu... Ah non, on les a plus parce qu'on a coulé, c'est ça? Les caisses de boulets? Oui, oui, on les, okay. Les enchourave. Tout droit, légèrement bâbord. Voilà, je vais prendre des trucs. Ça va être par là, je pense. J'avance, hein? Ouais. On voit que dalle. It's close to midnight. Like a scene, a king, a mean, a new. Tu voulais récupérer encore des choses dans le tonneau? Est-ce qu'on peut le remettre à l'eau? Non, okay. On peut le remettre à l'eau. You start to scream. Du and coup, la soupe, elle s'est barrée, hein. Ouais. D'accord. You close your eyes. And I've seen a king, a man, a new. You're part of mine. Bah, du coup, on voit rien là, c'est chiant. Bah, c'est tout droit. Si, hein. Si jamais il y a des indices encore. Mais non, mais c'est sur l'île qu'il faut trouver le reste des indices. T'as pas regardé la carte avec l'île supplémentaire qui a été rajoutée? L'île supplémentaire. Quête, deuxième objet. Ah oui, voilà. Et t'as trouvé le... Tu l'as trouvé l'île. Oui, si on va par là, c'est parce que je l'ai trouvé, oui. Si tu veux regarder sur la grande carte par où est-ce qu'on arrive sur l'île, ça c'est m'arrangerait. Non, ouais, je sais. Ah putain, j'arrive. Je vois rien. Sors ta torche aussi. Bah c'est bien, on arrive au nord, c'est parfait. Cool. Et c'est l'île qui est toute seule en fait. Il y a plein d'objets là. Oh là là, ce petit parking tout seul que j'ai fait trop bien. J'ai trop géré les voiles, l'ancre, la hauteur, la direction. Je suis trop fier de moi. Personne n'a rien vu parce qu'il faisait nuit, mais c'était beau. Et donc là, faut trouver sûrement dans des tonneaux, oui, des trucs. Là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Il y a deux joyaux ici. Ah ouais? Deux. Est-ce qu'on pourrait appeler ça des bijoux de famille? Ah, c'est la clou. Indice trouvé, voilà. Super. Ah, t'as des copains. Ouais. Ah, mais tu te barres, toi. Bah, au cas où, si c'est avec. Tu sais bien. Avec un tonneau, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ah, elle m'a fait peur. Elle a popé à côté de moi. Ouais, elle me fait ça aussi, des fois. Ah non, non, non. Non. On va pas se mettre. Hein? Ah, il y avait une clé du capitaine. Ah, cool. Tu l'as pas gardée? Elle était là où t'as trouvé le reste. Bah, non, non. Comment dire que j'ai fui tout de suite? Ouais, effectivement. D'où tu sors cette mélodie? Bah c'est Michael Jackson.
D'accord, non, parce qu'on dirait pas en fait. Mais c'est Mister MV qui chantait ça sur je sais plus quel jeu vidéo, dans un best-of, je sais plus, ça m'a marqué. Après, il chantait pas comme un con comme moi, mais. Bon, je pose la clé ici. Et je recharge mes munitions. Ok, c'est quoi la suite donc ? Troisième indice, journal d'équipage. Chez vous. Ah, prochaine escale, Lagoon of Whisper. Eh ben c'est parti. Lagoon of Whisper, il est où le Lagoon of Whisper, Carles Whisper ? J'espère que c'est pas à l'autre bout de la ville. À l'autre de la ville. Oh, mais je vois rien ! Ta mère ! Alors, ah, c'est juste à côté, super. Hop, donc cap vers le nord-ouest. Il y a une sirène qui a popé derrière nous. C'est bizarre. C'est louche. Ah ouais, c'est très chelou, hein. Non, c'est bon, elle est partie. Canon. Ah. Putain, de la chatte. La chatte est mis comme d'aller. Et il nous faudrait du vent bien comme il faut. Ouais, bah oui. Et ben j'attends. Oui, bah. Ouh, c'est pas passé loin. Ouais. Non, 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 ne vise pas l'autre côté, meuf. Ne va pas là. Il n'y a pas la place pour toi. Petit être. Voilà, petit être. C'est bien, ma belle. Ah là là. Ah. C'est con, on peut même pas l'engueuler parce qu'elle est sourde. T'as beau lui dire, ne fais pas ça, elle entend rien. Elle est là, oui, quoi. Rien. Ou alors elle fait semblant de rien entendre, hein, pour avoir la paix. Je sais pas du tout où il faut, c'est nord-est et pas nord-ouest, Julien. Tu fais de la merde. Nord-est, alors, hop, oui. Voilà, mais c'est bien, c'est comme ça on a floué nos opposants. Par contre, à nord-est, il y a un orage, donc on va essayer de pas trop aller au nord-est, on va aller au nord tout court, en attendant de pouvoir faire est. Elle m'a foutu sa queue sur la main. Oh. Oh. Charlie bait me. Donc faudrait tellement aller à l'est, là, mais si on va à l'est, on se prend un orage. Bon, est-ce qu'on contourne l'orage par la droite ici ? Quoi ? Derrière nous, il y avait un bateau et il y a un kraken. T'as, il est enseveli dans un kraken. Ah, chais ! Regardez. Vas-y! Oh putain, ils se font défoncer! Ah ouais, la là ils ont coulé, là je crois. Oui, ils ont coulé. C'est pour ça du coup. Bon. Par contre, on va dans l'orage, donc ouais. On va peut-être pas trop faire chais. Je vais prendre l'orage par la gauche. Ouais, je vais prendre l'orage. Écoper. Va écoper déjà aussi. Ouais. Vite, Jean-François! Jean-François, écoper. Bucket! Non? Voilà. Bucket! Je veux ma bucket list. Mon bucket. Ma bucket. Ma bucket. Oh, il y a un truc qui brille sur la plage, là. Ouais ? Ouais, mais non, mais bon, tant pis. Ce diamant d'innocence ? Un diamant d'innocence. Alors, ensuite, il faut aller où ? Pas dans l'orage, si possible, mais j'ai pas le choix. Faudrait aller à droite, là, tu vois, Rebecca, faudrait revenir sur nos pas, mais il y a l'orage à droite. C'est Lagoon, ouais. Oh putain, ouais. Mais ouais, on est carrément pas du tout dans la bonne direction. Mais je sais, mais il y a l'orage. Faut aller au sud. J'ai pas le choix. J'essaie de contourner l'orage. Ouais. Je suis bien au courant, hein, mais quand il fallait tourner, il y avait l'orage. Ouais. On va essayer de le contourner. C'est un fameux trois mains fin comme un oiseau. Lourde. Ça y est, l'orage se lève. Waouh, le joli coucher de soleil, on dirait de la Sainte Wave. Putain, la boussole, c'est plus une boussole, c'est un ventilateur. Ah ouais. Ah bah oui. Ah, ça y est, ça se calme. Excusez-moi, c'était une tempête d'hélium. Ah, là, ça y est, je récupère la barre comme il faut. Donc le but du jeu, en fait, du coup, c'est pas de se noyer, c'est de pas se prendre de la foudre, c'est naviguer dans le noir, hein, voilà, beaucoup de couleurs sombres. Je pense que ce jeu vidéo a été sponsorisé par Soulage. Voilà. Allez, on fait le tour du caillou et on redescend. Et il faudra me tirer des voiles comme il faut
s'il vous plaît. Ouais, oh, cet équipage, je te jure. Encore des gens au service civique, ça. Oh. Hein? Les intérimaires, là. Putain, on est où? Je sais même pas où on est, en fait. C'est bien. Bah, on est là-haut, il faut qu'on redescende. Ça t'aide ou pas? Moi, t'inquiète pas, je vois où on est. Occupe-toi des copés. Donc, ça y est. Ah ouais, on est là-haut, effectivement. Bah oui, je sais bien. Mais je sais, mais il y a l'orage. Orage des espoirs. Et non pas l'orage dedans, comme disait Louvi. Non. On a des richesses à déposer à la station, là, la station essence qu'on va croiser ou pas? Parce qu'on croise à l'avant-poste Golden Sands. Si tu veux poser un truc, c'est le moment. Hein. Bah, il y a les caisses de Terra. Eh ben, écoute, on va faire un petit arrêt pipi. D'ici à ce que l'orage se calme un petit peu pour aller de toute façon aux Mermaids machin. Ouais. Mermaids mes couilles. Mermaids des genoux. Est-ce que tu es près de l'ancre? Non. D'accord. J'ai cop parce qu'il y a de la flotte. Ok, je m'en charge. Je sais pas s'il y avait autre chose par contre. Bah, il y avait deux coffres. Eh ben, ok. Ah si, il y avait un petit une petite coupe à l'ancienne là. Ah bah voilà. Avec sa coupe comme avant. Non, c'est une coupe ancienne, pas une coupe à l'ancienne, mais je me suis trompé. Faut que je termine. Oh mon dieu. Oh là là. Heureusement ça ne perturbe pas le chat. Mais non, le chat qui est sourd toujours, rappelons-le. Oh là là. Oh là là. Va falloir que tu te mouches. Non, elle est absolument perturbée, tout va bien. Non. Putain, pourquoi on peut pas courir quand on porte un oge? C'est bon, je porte un verre, je peux courir avec un verre dans la main. Ah non, 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 il est fragile. Bon, c'est où, bordel? Ça se trouve, c'est pas du tout là. Si, ça doit être là-bas. Je sais pas, je vois personne. Ah ouais? Ah bah attends, j'attends des fois que ce soit pas là. Chez le marchand, évidemment. C'est là ou pas? Attends, je les vois pas encore. Ah, c'est pas là, à tous les coups. Non, c'est pas là. Fallait prendre à gauche. Il y a de port, mais non, c'était pas là. Donc non, ne viens pas là. C'est bon, j'ai bifurqué, je vois la petite tente. Et merde. Et merde. Et merde. Hop, c'est bon. À chaque fois que je vois nos voiles, je fais « Il y a un bateau !» C'est bon. Tu lui reprends un petit gris-gris, lui, là? Ah ouais, non, je l'ai pas pris, je suis déjà retourné au bateau. Oh. Oh. Bon, ils sont où, là, les aiguilles, là? Les aiguilles, qu'est-ce que c'est, les aiguilles? Les bonhommes. Les bons hommes. Bah, je cherche une tente verte. Les bons hommes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché un petit truc. Ouais. T'aimais bien ça avant pêcher? Puis t'as perdu toute joie de vivre, c'est terrible. Bah oui. Ah, j'ai trouvé une autre caisse. Caisse rare. Ah, mais oui, mais le port, c'est où le port? Du coup, c'est là où t'étais alors, les marchands? Oui, je suis là. Ah, ok, d'accord. À côté de la tente? Ouais. Ok. On bon, my bah, way. Tu voteras alors. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait voter. Pavillon d'émissaire levé. Ta ta ta. Un bon. Ah ouais. Un. Oh. Par contre, je sais pas s'il faut tout ramener. On est où? J'ai jamais. T'as perdu le bateau, maintenant, c'est ça? Ouais, je dis, on est garé où, bordel? Ouf. Ça va bien. Le chat va bien. Voilà, je l'ai vendu. Bravo. On a vendu du thé, mon dieu. Du coup, c'est bon, il n'y a plus rien à la cale. Je crois pas. Ah, mais non, mais c'est bon, j'avais déjà voté ailleurs, donc du coup, t'avais plus qu'à voter, ça s'est levé tout seul. Ok, d'accord. Ah, mais il y a toujours la clé du capitaine. Ouais, voilà. Mais je crois qu'elle sert à ouvrir un coffre du capitaine, un truc comme ça, évidemment. La clé se vend pas comme ça. Il faut qu'on. Il faut qu'on millénium. Exact, oui. Donc on allait à Mermaid's Hideaway, je sais plus quoi là. Voilà. Hideout. Alors, donc, peut-être. Il faut qu'on aille au sud, plein sud, voilà. Bah. Quoi? J'ai attrapé les voiles au lieu d'attraper la barre, le cabestan. Plein sud, elle dit la madame. Ouais, c'est là-bas. Tous les coups, c'est cette île là-bas qui est en face. Oh mamie. Oh demain, qu'est-ce qu'on fait demain. Des crêpes. Ouais. Et quoi d'autre? Tu as envie de faire un truc spécifique? Peut-être que je vais terminer mon stream irlandais. Ah, si tu veux, écoute.
Mais l'après-midi, tu vois. Ouais, je sais pas. Que je fasse une petite visio avec Mika. Ah ouais, ok. Moi, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est fou, maintenant j'ose plus faire des trucs pour la détente un jour où il n'y a rien, tu vois. Je me dis non, mais faut que j'ai travaillé quand même, faut que je mérite de me détendre. Faut que je mérite de me détendre. Ouais, du coup, je sais pas, peut-être j'essaierai de bosser un peu pour le stream. Tu sais, il y a toujours une liste longue comme le bras de trucs à faire, donc... Mm-hmm. Un jour, faudra que je fasse la liste des fonctionnalités de bot pour Naphiros et son projet d'études, si jamais ça peut nous rendre service mutuellement. Ah ouais, c'est un projet d'études... Mais il m'a dit, ouais, moi, pour les études que je fais, ça peut, voilà. S'il est encore là, il confirmera, hein, mais... Tu fais quoi comme études, Naphiros? Naphiros, boulanger-pâtissier. Hein? T'as dit quoi? Boulanger-pâtissier. Pas du tout. Pas du tout. Ok, donc ça va être là, hein, évidemment, c'est sur cette île. Il aime les adjectifs, tu sais. Il y a quoi comme type d'adjectif déjà, Rebecca? Tu sais, un adjectif. Épithète. Ah voilà, c'est bon, t'as bon. Attribut. Il fait épithèque. Épithète. Non, épithèque. Je peux. Voilà. Ah, mais attends, pourquoi elle lève toujours les voiles aussitôt? Parce que. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit ça, hein, mais bon, on va bien voir. Ouais, vas-y, jette l'ancre, ça te fait plaisir. Ouais. Et donc là, du coup, alors si je remets les quêtes. Ça dit quoi? Entrée à prochaine escale, Lagoon of Whisper, ça me rappelle l'île où j'ai grandi, en plus jolie et moins marécageux. Donc c'est bon, on est bien à Lagoon of Whisper, hein, je ne suis pas planté. Ouais, c'est ça. Ok, cool, j'ai eu peur. Alors il y a une petite sloop, enfin il y a une petite chaloupe, pardon. Il y a un truc qui brille dans l'eau là-bas. Bah c'est peut-être ça, hein, c'est les indices. Ah, clue bottle. Oh mon dieu! Attends, il y a du grabuge. Ah oui, je vois ça. Oh, ça va, ils sont pas très résistants. Deux coups d'épée et ils décèdent. D'accord. Alors, voyons voir. Putain, ça en fait beaucoup de trucs de quête. Entrée du journal. C'est quoi ces histoires de manifestes? Le capitaine dit qu'ils valent une fortune. Je lui en reparlerai une fois arrivé sur Sailor's Knot Stronghold. Ah, faut qu'on aille sur l'île du fort. Merde. Eh ben, je vais aller regarder. Où est-ce que c'est? C'est une petite île, tu sais. C'est un fort. Stronghold. Ouais, c'est juste au-dessus. Bah, c'est normal, hein. De toute façon, c'est le. Ça se suit. Au niveau du trajet, c'est ça. C'est logique. Ouais. Je regarde ce qu'il y a dans les tonneaux. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Pardon pour l'attention. Ah, un coffre à vêtements. Tiens, c'est rigolo. Et ça, c'est... Oh, c'est qui lui? Eh, mais il y a des gens. Salut. Ah bon? Non, mais des PNJ. Salut, pirate. C'est toujours agréable, machin. Ok, d'accord. Bon, c'est des marchands, tout ça, donc il n'y a rien de spécial, mais. Ok, et toi, tu veux quoi? Voir le stock, et donc elles vendent quoi? Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des soutifs? Ah, tu vends des tatouages, d'accord, ok. Ah, c'est une tatoueuse qui est là, comme ça, tranquillou. D'accord. Vas-y, je suis sur une île déserte, viens. Ok, tu reviens? Ouais, je reviens, pardon, hein, je me demandais juste... Oh, il y a un journal ici. Il m'impresse, continuez. Putain, j'ai la flemme de lire ce que ça raconte, donc je lis pas. Hop, voilà. C'est où déjà le bateau? C'est là. Ah, ok, me voici, me voilà. Je relève l'an. Non. Allez. Ah. Mind effect. Allez, on va dire, je suis là dans 5. 4, 3, 2, 1, c'est bon. J'y suis. Voilà, oh, mais c'était juste. C'est quoi le cap? Ouais. Sud. Sud. Plein sud. Ouais, je le vois. Je vois Stronghold. Oh, t'as vu, il y a un crâne dans l'espace. Ah oui, j'avais peur. J'espère que c'est pas Stronghold parce que sinon ça va être compliqué. Il faudra qu'on fasse un jour un fort, qu'on regarde un tuto YouTube et qu'on le fasse comme des grands. De quoi? Eh bien, tu sais bien, il y a des événements des fois de forts. Ah oui, pardon. Je comprenais pas ce que tu disais. Eh oui. Comme d'habitude, c'est pas vrai. Naphiros, il est fatigué. Eh oui. Oh, Rebecca, on a un problème. Je pense que c'est un navire, ça. C'est pas un kraken, il va y avoir un navire qui va arriver à droite ou à gauche. Je te laisse prendre la barre. Ouais, il y a un navire à bâbord. Ah bah c'est gauche, ok. C'est ce qu'on appelle communément bâbord. Touché. Putain, je ne sais pas retoucher une deuxième fois. Touché. Raté. Ah putain, j'arrive pas à les avoir. Oh, attention. Ouais. Touché. Il y a un caillou, je suis obligé de retourner. Ah! Bah, c'est là où on va en fait. Je sais, mais. Ah putain, ouais, t'as bien fait. Oh putain! Oh, aïe!
Ah, ça va, c'est pas passé loin. T'as remonté les voiles ? Non. Ils ont dû nous envoyer un boulet qui remonte les voiles, je pense. D'ailleurs, là, du coup, t'es en train de laisser le gouvernail à gauche, du coup, on tourne à gauche, ça va pas du tout. Aïe, 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 ça va toucher. Ok. Est-ce que... Ouais. Aïe, putain, ils m'ont tiré dans le bras. Bâtard. Continue, je vais écoper en bas. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que je peux plus retirer dessus, là. Faut que je change le cap. Ah, putain. Beaucoup d'eau à la cale. Hop là, parce que là, faut que j'écope. Il y a beaucoup d'eau. Si t'as besoin d'aide, tu viens, tu me dis. Ouais, non, non, vas-y, occupe-t'en. Ouais, mais ils partent loin, là, du coup, vu qu'on ah, n'avance plus. Il faut absolument qu'on leur colle au cul, sinon on aura plus ça pour rien. Ok, c'est bon, je sais réparer en bas. Ok, je te laisse reprendre la barre. Ouais. Alors, au pire, ajuste la vitesse hein, en fonction de... En fonction. Ok. Vire un peu à bâbord si tu peux, pour que j'ai pas d'angle avec le canon là. Oui, je sais, mais il y a un caillou. Ah ok, d'accord, parce que je vois pas, effectivement. Ah oui, excuse-moi, ok, je comprends mieux. Ok, je vais virer à bâbord. Ouais, et après tu redresses. Hein. Ok, tu peux redresser déjà. Même tu peux revirer à tribord, ils vont changer de cap. Touché. Ils vont nous toucher aussi. Ah putain, ils nous ont mis un boulet à la con. Ouais. Merde. Touché. Merde. Je vais en bas. Ok, vas-y. Non, ils nous ont pas touché. Si, je crois, mais regarde peut-être dans la salle des cartes. Voilà, je les ai retouchés encore. Ils arrivent droit sur nous. Droit sur nous. Putain, j'ai plus de boulet, Nick. Vite. Eh, mais on coule là, non? Ah bon? Je sais pas. Ah non. J'ai rien vu en bas. Ok, d'accord. Bah, parce que c'est juste qu'on a, on avait une inclinaison super chelou. Allez! Aïe. Encore touché. Putain, mais vous allez couler, les gars! Aïe! Aïe, la barre aïe, du navire aïe. A reçu des dégâts. Il faut que tu vises bien avec les planches pour la réparer. Oui, 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 je sais, mais... Putain, mais ils vont crever, oui. Et sinon, je vais monter, je vais me les faire à la main. Hein. Ah, ça y est, cool. Jette l'ancre. Attends, mais je suis en train de réparer. Ok, d'accord. Bah, je... Ok. Ok, très bien. Yes. We did it. Je mange une banane de victoire. Ça, c'était pas évident. Donc, il y a plus de trous, c'est sûr. Hein. Bah, écoute, en tout cas, j'en ai pas vu. Hein. Ok. Quand j'étais en bas. De toute façon, t'entendrais, ça ferait. Ouais, non, je sais pas. Hein. Je viens avec mes planches, hein, mais. Ah, si, là, voilà, dans le truc des capitaines. Voilà, dans la salle des cartes, mais, souvent. Quand j'y suis allée. Ouais. Pourquoi les coffres remontent pas, là? Eh, je veux le loot, moi. Ça va venir. C'est bien que ça m'aide du temps. Ouais, je vais me faire croquer moi en attendant. Ah, ça y est, c'est bon. Toujours trop pressé. Ouh là là, oui, il y a des trucs. Tu. C'était pas une petite sloupe, hein. Si. Non, ah non, peut-être pas. Avec le harpon, peut-être tu peux choper des trucs. J'arrive. Une caisse de stockage, d'accord. Tiens, tu veux prendre ça là, sur moi? Bon, ok, bah c'était moi, merci. Hop, j'y retourne. Ah yes, bien joué. C'est quoi ça? Un crâne, ok. Pareil, si tu veux essayer de me viser. Non, ouais, c'est pas grave. Ah, quoique si, ça m'arrangerait quand même. Ah ouais, trop bien. Allez hop, j'y retourne. Hop, pareil. Ah bien, super. Tu l'as eu lui. Hop. Si tu veux essayer de me rechoper encore une fois.
Super. Oh, trop fort. Ouais, je suis du one shot là. Ouais. Je me sens bien là. Ouais, vas-y. On a rien vu. Il y a beaucoup de houle. Ouais. Ah, super. Sachant qu'il pleut, il va bientôt y avoir de l'eau dans la cale. Mais ta mère. On a 50 000 caisses de terres rares, tout va bien. Madame. Ah oui, je suis remonté à bord. Il reste encore des trucs. Ah si. Ouais. Ok, j'y vais. Pourquoi il fait de la musique de c'est triomphe bon, je l'ai, ah, je tu l'ai, l'as, tu l'as, ok. Bah, faudra vite aller à un avant-poste avant qu'on se tape un kraken. C'est vrai. Parce que là, Stronghold, bon, c'est pas un avant-poste. Hein. Bon, je vais écoper en bas, puisque du coup, normalement, voilà. Ouais, ce serait bien de mettre tout ça, merde, dans la salle des capitaines, là. Parce que là, ça brille un peu beaucoup sur le port. Sur le pont. Sur le pont. Sur le port. Oh, putain, on va se retrouver dans un orage. Dans les cas, ouais. Ça va pas du tout, il fait nuit. Il fait nuit, il devrait pas faire nuit. On va être dans un orage. Ces cons là ils sont dans un orage. Ok, on va essayer de repérer tout de suite l'avant-poste le plus proche et de s'y atteler rapidement. Voyons voir. Là ça craint. L'avant-poste le plus proche c'est... Ah putain il est où ce con. Avant-poste ici et celui-là là au-dessus. Faudrait qu'on remonte au nord en fait. Tant pis. Faut remonter au nord à l'avant-poste Golden Sands. Donc direction plein nord. Je vais copier une dernière fois en bas au cas où. C'est con, on est à destination, mais là on va vraiment se taper l'orage, ça va être l'enfer. J'essaie de te tirer des voiles. Plein nord. Demi-tour, je crois donc. Donc ah, du coup, j'ai plus de. T'as plus de boussole, ok. Je vais te guider par rapport à la carte. Faut que tu fasses demi-tour. Voilà. Continue à tribord encore. Je vais te remonter les voiles pour faire demi-tour plus efficace. Tu sois prêt à écoper et à réparer. Hein. Donc attends, j'essaie encore de te dire au niveau de tribord. Putain, si j'arrive à avoir la carte seulement à cause de la houle, j'y arrive pas. Ah, je vais écoper, tant pis. Ah, ça va, c'est pas encore trop grave. Mais t'as changé de cap, je t'avais dit tribord, t'es parti à bâbord. Bon. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, si je dois aller au sud. Mais non, tu dois aller au nord, pas au sud. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mais t'avais déjà commencé à prendre une direction en faisant tribord, et du coup, je t'ai dit de continuer dans ce sens-là. C'est pas grave. Mais là, du coup, fais quelque chose, ouais, pareil. Là, tu pars à tribord, il faudra aller à bâbord. Enfin, du coup, tu vas pas du tout au nord, quoi. Voilà, là c'est bien, garde ça, c'est cool. Hop, je vais te redonner un peu des voiles quand même maintenant. Ah, faut que j'aille réparer en bas, écoute. On va dire que tu redresses, voilà. Garde maintenant le cap, c'est de garder la barre droite, même si elle te résiste. Garde la barre droite. Ouais, ouais. C'est bon, t'arrives à voir dans la nuit le petit repère argenté, ouais. Ah, je me rends pas compte. Ouh, il y a la foudre qui tombait pas loin. Je vais te dire si t'es toujours sur le bon cap. Après, si t'arrives à voir une île à l'horizon, ça peut nous aider. Ouais, oui, c'est bon, t'as le bon cap, c'est cool. Je sais. T'as le bon cap, voilà. Oh, t'es en train de tourner vers la gauche, mais là, faudrait que tu redresses tout droit. Oh là là, pourquoi tu tournes autant vers la gauche? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va autant à bâbord? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'inquiète, hein. En fait, je fais les mouvements, mais on est embarqué, hein. Ok, voilà, c'est bon, là c'est tout droit. Cool. Voilà, là comme ça c'est bien. Yes. Nickel. Super. Bon, demain je fais des crêpes. Ah, mais si, je sais ce que je fais demain. Dans les cas, je change ma batterie s'il fait beau. Ah putain, ouais. S'il fait beau. Ouais. Ah, ouais, non, je change. Bon, si, allez, s'il pleut, tant pis, j'essaierai de la changer sous la pluie quand même. Putain, mais cet orage de mes genoux là. T'es copain toujours, hein? Ah ouais, j'ai copain en permanence là. Ok. Et je surveille s'il n'y a pas de la coque qui se casse à cause de l'orage. Bon, alors peut-être qu'on sort de ce merdier là. Putain, t'imagines comment ça devait être impressionnant les orages à l'époque? Ouais. Surtout dans un aussi petit bateau. Bon, ça n'existait pas les aussi petits bateaux comme ça. Là, c'est vraiment. C'est le camping-car du bateau là. Même pas. C'est le van Volkswagen du bateau.
Bon, je sais pas où je vais, hein, mais d'accord. Tu vas toujours vers le... Ah non, faut que tu redresses à tribord grave, là. Hein. Je sais pas pourquoi on est parti à bâbord autant. J'ai bien une réponse. Hein. Bah oui, mais normalement, si tu tripotes le gouvernail en permanence, tu devrais pouvoir garder le cap vers le tout droit, si t'anticipes les mouvements. Voilà, c'est là tout droit. Ouais. Ah, c'est bon, on est sorti de l'orage, là, à peu près. Ça va aller. Tu dois récupérer de la boussole, là, je pense. Petit à petit. Oui, voilà, c'est bon. Nord, cool. Bah, c'est les lumières là-bas au fond, à l'horizon. Ouais. Super. Ah, ça va mieux. Hein. Ouais. C'est un bon capitaine, car c'est un bon capitaine, car c'est un bon capitaine. Elle a des bons capitaines, elle a des bons capitaines. Oh, il n'y a pas une autre mélodie? La la ta ta. Oh non. Pourquoi ils ont mis la Marseillaise? Sérieux, quoi. Non. On devrait faire signer une pétition pour qu'il n'y ait plus la Marseillaise. Non. Mais je veux le bon capitaine. Ah ouais. T'as la stéréo chez toi? Non. Ah, cette petite ambiance là. Bon. C'est bientôt. Faut remettre les voiles. Hein. Comment ça? Ah oui, faut remettre les voiles dans le sens du vent, ouais. Putain, on dirait toi, quoi. Ah oui, pareil. Je voulais te distraire avec ma musique, avec ma scène musique. Ouais, ouais. J'aurais préféré arriver vite. Ah. Ouais, faut terminer la quête. Ouais, c'est-à-dire faut faire tout ça en sens inverse. Ouais, y a pas d'autre avant-poste. Bah non, j'étais plus près. Ah, ouais. T'as deux îles. Qu'est-ce qu'ils mangent? Rien. Bon alors, ils sont où? On mange les biscuits de ta mère qui sont beaucoup trop gras. Ils sont où? Voilà. Je sais plus. Ouais, pose-toi là, on va s'en sortir là. Voilà. Continue tout droit et je vais jeter l'ancre en fonction. Ouais, je vais aller de l'autre côté, tu sais. Ah non, j'allais m'arrêter là, moi. Tu peux pas s'arrêter là? Non, bah d'accord, je te suis, ok. Là, oui, là. Là, là ok. Je voulais être plus près quand même. Bah je sais, mais. Voilà. Là, j'ai demandé confirmation. Trésor, hein. J'ai demandé confirmation, tu m'as dit, oh là, là, bon d'accord. J'ai mais fait, non, là, mais là, là. Ah bah tu m'as dit maintenant. Là, là c'est là. Bah si, là c'est là. Mais non, non. J'aurais dit vas-y. Si c'est là, ça veut dire au prochain ponton quoi. Eh ben bah non, bah, dans ce cas-là, faut dire au prochain ponton. Ans, putain. Fallait dire le prochain ponton. Ah, je suis ouais, bien d'accord. Super. Hein. Voilà, on se tape toute l'île là, c'est très 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 pratique. Je sais bien. N'est-ce pas? Fallait dire le prochain ponton. Tu dis n'importe quoi. Sois précise. Non. Si, mais si. N'importe quoi. J'ai écouté les instructions du capitaine. Non, t'as rien écouté du tout. T'as dit on va s'arrêter là. T'as désobéi. C'est toi, t'as désobéi. Bah non, t'as dit là. Là, c'est là. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu t'exprimes mal. Ça me semblait bizarre de m'arrêter là, mais t'as dit là, alors j'ai fait là. Ouais, bah tu sais quoi, on va avancer là parce que c'est n'importe quoi. Allez, vas-y. Putain. Merci. Ça a du mal à choper l'encre, j'ai l'impression, à chaque fois. Bah, à chaque fois, il m'emmène vers les autres voiles, n'importe quoi. Je dirais jeter l'ancre. Voilà,
ça là, tu peux directement aller chez le marchand, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je suis tout à fait d'accord avec cette position, qui est donc l'autre pont. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais non, ça c'est un truc de orange, je peux pas le vendre ça. C'est une caisse de stockage, je me suis fait avoir. Ah putain, il y a des caisses de stockage. Bah oui. Ah oui, mais non, c'est pas des caisses de trésors. Mais non. Allez, avance, t'as deux culs, oh là là. Ah, il m'énerve quand tu fais ça. Mais quoi? Cours. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Il y a des trucs qui prend toujours des trucs, n'importe quoi. Surtout, le remets pas, tu vois. J'étais pressé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Ah ouais, voilà, le coffre du capitaine. Ah, il y ah bon une gemme. Comment ça, un coffre du capitaine? Il y a vraiment un coffre du capitaine? Bah ben, il y a une clé du capitaine. Ça fait pas tilt dans ton cerveau? Hop. Bah, je sais pas. Putain, tu mets du temps à réagir. Bah vas-y, hein, que toi plaise. Ah ouais, on voit. Bah, je sais pas, il s'appelle le coffre du capitaine tout court. Ah ouais, et là il y a la clé du capitaine et le coffre du capitaine et ça marche pas. Mais non, parce que ça a été ramassé des squelettes, patates. Bah peu importe. Bah non. Bah une clé du capitaine et un coffre du capitaine. C'est pour la suite de notre quête ça. Ah bon? La clé? Ah oui. Ah bon? Ah, bah non, parce que. Hein, parler à la grande. Si, je peux vendre la clé du capitaine à la négociante, donc je pense pas que ça ait un rapport. Bah, réessaye hein, si tu veux, mais c'est bizarre que t'aies pas réussi dans ce cas-là. Viens devant non, le. Non, je peux la vendre, je peux lui vendre en tout cas, la clé du capitaine. Et tu veux réessayer de rouvrir le coffre ou pas? Non, c'est bon, vas-y. Bon, je vais garder la clé à bord au cas où tu aies raison. Et bon, que. Bah, trop tard. Et oui, que. Bah oui. Oui, et que la clé serve peut-être sur le bateau sur lequel on va, mais je pense pas du tout. Mais je la mets en dessous des armes pour voir. Bah oui, bon, bah, effectivement, si tu peux la vendre maintenant, c'est bizarre. Bah oui, que ce soit un objet de quête qui soit vendable, mais bon. Bah effectivement, c'est un objet de quête, je pourrais pas le vendre en fait. En train de rechercher. Donc il y a encore une gemme et un coffre de Terra. Il y avait un goût bizarre ce biscuit quand même. Hein. Waouh, 1454. Tu as la thune maintenant en direct? Oui. Cool, super. Oui, cette partie-là, j'ai pas eu de soucis. Épice exquise. Ah, tu l'as bien vendu. Donc, on prend la décision de vendre la clé du capitaine? Je sais pas, t'as dit qu'il faut attendre. Attends. Pas du tout ce que j'ai dit. Si, t'as dit, t'as raison, on va attendre, on sait jamais. D'accord. Voilà. Et après, tu m'as dit, mais si on peut la vendre, c'est que c'est bon. Non, putain, mais tu comprends rien de ce que je te raconte, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on va essayer quand même, même si effectivement, peut-être que, mais bon, on essaye. Effectivement, si on peut le vendre maintenant, c'est peut-être pas un objet essentiel pour la suite de la quête. Oui, c'est ce que je disais. Et du coup, ma phrase de conclusion à la fin, c'était donc on va la vendre maintenant. Et après, j'avais fini par dire ça. Après, t'avais peut-être pas eu la dernière info, mais. Ok. Bon, bah, cap plein sud, hein, voilà, hein, il faut qu'on aille à Sailor's Knot. Plein sud. Salut, re-Hazerstorm. Je sais pas depuis combien de temps t'as lâché ton message.
Toujours aux mêmes horaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On finit cette petite quête-là et on s'arrête là? Oui. Ok. Oh ouais, là, on commence une grosse quête à cette heure-ci, on est pas rendu. Il y a des checkpoints maintenant, tu sais bien, mais... Ouais, mais non. On va se dire, mais non, ça veut dire quoi, ça? On est teubé. Et puis voilà. On va passer 3 heures pour décrypter qu'il fallait aller à gauche. Bon. Oh, apparemment, celle qu'on a fait juste avant, c'était vraiment la plus casse-couille, mais... Non, mais de toute façon, les quêtes du flibustier sont toujours... grisé chez moi. Peut-être qu'il faut vraiment tomber dessus, faut vraiment aller dans une taverne et tomber sur la quête. Oh merde. Il est possible. Alors, soit c'est un. Non, c'est un mégalodon, ça, je crois. La musique comme ça. Si je me rappelle bien. C'est ça. Ouais, ok. Ah, nous, oh, c'est bon, c'est qu'un mégalodon. Bon, bah, il faut bien remettre pinceau, ouais. Mais on va contourner l'île, là. Tweedidit, tweet, 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 tweet. Ça y est, c'est calmé. Bah oui, on est passé à côté d'une île. T'as vraiment l'air fin comme ça. De quoi? Je regarde juste quoi. Mais enfin. C'est très drôle. Je trouve ça drôle. Eh ben, c'est parti pour le Stronghold, hein, mais j'ai bien peur que ce soit le crâne qui est là, hein, mais bon. Hein? Il y a un crâne en nuage dans le ciel et on va vers une sorte de fort. Donc, en général, quand il y a un crâne dans le ciel près d'un fort, ça veut dire que le fort est activé. Ah. Voilà. Zut. Oui. On va bien voir. Je vais récupérer de la bouffe, hein. Moi, je suis full. Eh ben, y a pas beaucoup de bouffe hein, dans les réserves. C'est pas la fête. Je vais récupérer des planches. Non plus. Bon, on a rien looté du tout, oui. Plus précisément. Ouais, on s'est pas fait chier. Hein, c'est sûr. Ouais. Bah, je veux dire, si on attaque. Tu sais qu'il y a des caisses de stockage là. Ah ouais, c'est vrai. Regarde. Peut-être. Hein. Ouais, il y a des noix de coco. Et là, il y a quoi? Merde. Il y a une noix de coco et il y a des bananes. Bon. Ouais, c'est pas génial. Je vais prendre des boulets quand même. Ouais. Voilà. Donc bah c'est tout droit, hein. J'ai bien peur que ce soit ça. On va peut-être falloir s'arrêter suffisamment non, loin. C'est pas celui-là. Il est plus ah ouais loin, le crâne. D'accord, ok. Je sais pas. Hein. Et bah écoute, on va passer au bord et puis on va bien voir ce qui se passe. Ouais. T'as peut-être raison, écoute. Ça m'étonne, hein, tu vois. Il a l'air loin le crâne quand même. C'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment un vrai fort et que je confonds. En même temps, je parle. On va et voilà, effectivement, hein. On contourne, effectivement, on va éviter les tourelles. On va se cacher derrière un caillou là-bas. À gauche ah bon là-bas. Bah oui. C'est. Oui. Bah si d'un seul coup il y a des squelettes et que ça se met à tirer, qu'on n'est pas sur le navire, si tu veux. Je préférerais être derrière un caillou. Ouais, ouais. Non? Oui. Ouais. Non, bah écoute, sinon, je suis preneur de ton avis, hein. Si tu penses que ça craint rien, on se met pas loin et puis on nage pas. Après, ça se trouve, ça va aller vite, hein. Il suffit qu'il y en ait un de nous qui se détache et puis voilà. Et ben, tu veux te détacher pendant que je fais le tour de l'île? Mets-toi dans un canon. D'accord, tant pis. J'allais dire, mets-toi dans le canon et catapulte-toi si tu veux, mais bon. Non, faut viser le canon et tout. Bah écoute, je me rapproche et puis ouais. Tu sautes quand tu veux. J'attends la plage. Et s'il y a du grabuge, eh ben, tu me préviens. Ouais. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, ça c'est du caillou. Caillou. Non, je peux pas passer par là. Là où je suis, il y a une porte d'entrée. Là. Enfin, il y a des passages. Là où je suis maintenant. Barricade. Ouais. Bah, c'est le but d'un fort, hein, c'est que c'est fortifié. Finalement. Ah ouais. Je peux passer par là. Oui. Plein de tonneaux. Oh là là, il y a plein de caisses de terres rares. Ok, ça y est. L'indice trouvé, yes. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plein de squelettes.
Putain, dans tes dents. J'essaie de te récupérer là où je t'ai déposé. Enfin, à peu près. Bon, j'essaie de faire le tour. Écoute, on va bien voir ce qui se passe. Tiens, je les explose, je fais du one shot. Rien d'autre ? Allez, ça dégage. Ok. Ouais, il y a plein de caisses de terres rares. Ok, trouve une ouverture et puis je vais essayer de me stationner. Je suis en train de repasser à l'endroit où je t'ai déposé exactement. Okay. Si tu te rappelles. Ouais, okay. Je vais déposer le truc. Je vais essayer de me mettre devant l'entrée du fort. Il y a près d'une, près d'une barque. Oui, je vois. Donc je vais ramener ça encore. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Parce que bon, après tout, c'est là où il y avait les anciennes cargaisons. Donc, par contre, je peux pas prendre la chaloupe parce qu'il n'y a pas de rame. Ah bon ? Quand tu montes dedans, il y a des rames après. Ah ouais ? Bah oui. Ah. C'est bon, de toute façon, je suis là. Oh, je suis... Ah, j'ai peut-être percuté un banc de sable. Vas-y. Sinon, ça dit quoi d'autre dans l'indice ? T'avais regardé un petit non, peu ? Non, j'ai pas encore regardé parce que je me prends le banc de sable. D'accord. Non, mais t'as l'heure. Ah non, zut. Bon, tu es coincé. Ouais, disons que le harpon ne va pas là où je voulais aller. Caisse de terre. Il y en a deux. Ouais, je les vois. Je regarde s'il y a pas... vraiment mis sur la plage, quoi. C'est-à-dire, je saute du bateau et j'ai pied, pour te dire à quel point je suis vraiment dans le banc de sable. Ah, il y a un orage au loin, ou alors on se fait tirer dessus. Ça va être un orage. Hop, et puis je vais essayer de prendre la sloop. Ok, bah rien à signaler, c'est bon, je peux aller tout là-haut pour rien. Ok. Très bien. Eh ben, on va redescendre. Et... Voilà, j'amarrerai la chaloupe si jamais. Toujours chiant à piloter ce truc-là, mais bon. Alors, l'indice, on disait... Zut. Après un voyage riche en événements, plus rien ne serait sur notre chemin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Bah merde. Après un voyage riche en événements, plus rien ne se dresse sur notre chemin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Merde. Donc il va falloir suivre le chemin. Tu sais, il y avait un dernier... Ah ouais. Le truc final, il va falloir... qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Ben si, ils sont mal tournés puisqu'ils ont été... Et donc on allait jusque Finest Trading Post. Donc il faut qu'on aille jusque Finest Trading Post, j'imagine. Ouais. Donc c'est sur le trajet, on va essayer de trouver l'épave, donc. C'est ça. Voilà, ok. Donc on va vers sud-est. Merci. Putain, faire demi-tour. Baisse pas tout de suite les voiles. Ouais, on a le cul qui touche. Tu me dis quand baisser. Tu peux baisser les voiles, vas-y. C'est parti. C'est parti. Je me trompe pas. Ah oui, Hazardstorm. Ah, encore un petit peu à droite. Toujours tour matinal, Hazardstorm. Eh ouais. Bon putain, il va falloir aller tout au sud, non ? Tu déconnes. J'ai mis les traces, écoute. C'était ça la suite de leur trajet, on est bien d'accord. Hein, si tu regardes la carte du premier... Ah regarde, on a trouvé tous les indices, ouais, effectivement. Si tu regardes la première carte, on a trouvé des indices sur les trois îles du trajet, les quatre îles du trajet. Mmh, donc on va essayer de passer entre les deux grosses îles là-bas. Ouais. Et puis on va bien voir ce qui se passe. Hein. Mais là, tu vois, il y a un truc échoué un petit peu devant nous, légèrement à tribord. Il y a des oiseaux qui volent. Donc on va essayer d'aller là. Parce qu'on cherche une cargaison en fait. Hein, donc. C'est ça. Retrouver le manifeste du navire. Mmh. C'est ça en fait la mission. Retrouver le manifeste du navire. Et oui.
pense que je vais rempiler avec un petit peu de Zelda après quand même. Sérieux? Bah ouais. 5h20. Il faut redonner à manger au chat. Ouais. Optimino. Hey, y'a plus. Elle dort comme un sac. Y'a plus les petits quoi oiseaux? Ils sont où les petits oiseaux? Donc c'était pas là. C'est une épave que vous devez trouver. Oui, c'est ça. Bah, une épave, exactement. Y a des petits oiseaux en général. Oui. Bah, c'est pas là, hein. C'est sûr que c'est pas là. Voyons voir. Parce que là, si on est là-haut, moi je pense qu'effectivement, faut aller vers. Voilà. Bah. Là, en fait, si tu veux, ça c'était le. Là où il devait arriver. Et forcément, bah. Oui, bah, c'est sur le trajet qu'il y a eu un problème, ouais, bien sûr. Donc, effectivement, là, il faut qu'on trouve l'épave. Ouais, ouais. Mais il fait nuit, bordel. C'est chaud. Non, mais en général, les épaves, il y a des oiseaux qui volent au-dessus. Oui, oui, bien sûr. Ah, la pleine lune pour nous aider un petit peu à voir autour de nous. À moins qu'il soit échoué sur une des îles, à gauche ou à droite, évidemment, mais. Non, je pense parce pas. Parce que là, à droite, là-bas, il y a une épave, tu vois. À tribord, dans les récifs de la première île de droite, là, sur les tout premiers récifs, oui, dans les. Si je te donne un cap. Ah non, on est dans un orage. Ah. Non, voilà. Alors, en sud-ouest-ouest. Moi, je pense pas que ce soit ça. Moi non plus, mais bon. Si on trouve pas, on ira là, quoi. Ouais. Pourquoi il fait toujours nuit ? On a besoin qu'il fasse jour. Bordel. Parce que là, on est arrivé au, on va y arriver au Finest, je suppose, je crois. Il est sur notre, sur bâbord, je crois. Bah le, non, ouais, un petit peu à gauche. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois de loin, donc. On va être par là. Ouais, c'est ça, il est sur notre gauche, là, ici. Donc, bon. J'ai cligné les yeux, il était 1h, je suis tombé dans une faille spatio temporelle. Effectivement, il est 5h24, Yuking. Ah, Yuking. Oui. Et là-bas, c'est quoi? C'est fait pour ressembler à un bateau, mais c'est pas un bateau. Quoique, non, là aussi, c'est échoué, jour, hein. En fait. Quoique, merde, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Je lag. Je lag et je suis tombé dans l'eau. Ah, il y a des oiseaux qui volent pas loin de la destination. Donc je vais aller voir pas loin de la destination s'il y a quelque chose. Mais c'est peut-être qu'ils volent juste pour le Finest Sea Post. Et du coup, je suis deg. Je vais remonter un peu des voiles. Ouais, non, c'est pour le Finest Sea Post qu'ils volent, je suis deg. Ah, peut-être que c'est ça aussi, hein. Tu veux dire, peut-être qu'il faut aller quand même au Finest Sea Post voir s'il y a un. Si, voilà. S'il se passe quoi que ce soit, bah écoute, quand tu reviendras sur le bateau, si tu veux. Je suis sur le bateau. Ah, bah oui, si tu veux sauter pour y aller. C'est là? Oui, c'est là. Oh là là. Ouais, non, effectivement, c'est tout petit ici. Bah oui, mais c'était leur destination, je te rappelle. Ouais. Peut-être qu'il y aura des infos, ils vont nous dire ouais, ils ont coulé sur l'île d'à côté. Peut-être qu'il y a encore un indice, tu vois. Attends, je vais lever les voiles. Pour t'attendre. Voilà. Mm-hmm. Je ralentis pas assez. Je jette l'encre. Waouh, aurore boréale. Parlez. Mof. The Shining Scallop. Golden Sands Outpost. Destination Finest Trading Post. Non. Des indices conduisant à la cargaison perdue, retrouver le manifeste du navire. Bah non, écoute. Non, non, faut qu'on trouve l'épave. Non, non, ouais, non, ouais. Non, effectivement, c'est pas là. Bah écoute, on va essayer de voir sur la grosse île. Alors attends, là, sachant qu'on est là maintenant. C'était laquelle déjà? Je lag autant, bordel! Putain! Bah enlève le local recording si jamais tu veux pas le garder. Tu lagras peut-être un petit peu moins. On va aller voir ici, là, ouais. Discovery Reach, donc tout droit, un petit peu après. On va voir si c'est eux. T'es remonté à bord? Oui. On va voir à Discovery Ridge si j'y suis. Bah de toute façon, il faudrait remonter et voilà. Enfin, c'est sur le trajet, hein. Ouais, je sais, mais je vois pas de petits oiseaux qui volent. Ah si, il y en a là-bas au fond maintenant, au loin, donc je vais bifurquer vers là-bas, mais d'ici à ce qu'on y arrive, ils auront disparu encore. Alors, je sais pas si tu les vois, ils vont être bientôt face à nous, au loin, des oiseaux.
Ouais, ils sont quasiment en face. Ouais, ils sont en face, là. Tu les vois? Pas du tout. Ouais, ils sont devant. Ah, si. Voilà. Okay. Espérons que ce soit là. Voyons voir dans la trajectoire ce que ça donne. Dans la trajectoire, ce serait logique. Ok. Espérons qu'on y arrive à temps. Je vais voir si je peux tirer des meilleures voiles. Ouais, à droite. Yes, merci beaucoup. Allez, disparaissez pas les oiseaux. Ils sont en forme. Ouais. Ouais, mais ils y étaient aussi tout à l'heure quand on est arrivé, puis d'un seul coup plus personne. Sinon, faut essayer de bien repérer où est-ce qu'ils sont et puis s'arrêter à peu près à cette hauteur-là d'ici à ce qu'on y arrive, mais. Aïe, moi j'ai fatigué. Mais tu m'étonnes. Ah ouais, je me suis levé quand même bien plus tôt que toi. C'est vrai. Et moi j'ai fait une bonne nuit. Enfin, en 3-4 parties, mais. Ouais. Ok, on est bientôt arrivé à destination. S'ils veulent bien ne pas se barrer, encore une fois, ces oiseaux, ils commencent à se faire rares au fur et à mesure où on s'approche, ça m'énerve. Ok, en théorie ce sera ça, hein, si on s'est pas trop planté. On va essayer de s'arrêter dessus. Je suis à l'encre. Ouais. Et ben. Jette l'encre. Voilà, en théorie, c'est vraiment là à bâbord. Il y a un bateau. Et c'est le. L'épave du pétoncle chatoyant. C'est bien lui. Ah, je vois un truc qui brille déjà. Le manifeste. Ah, tu l'as trouvé. Ah, bien joué. Moi, je suis à la cale et tout. Il y a rien du tout dans la cale. Je suis dégueu. On dirait qu'il y a d'autres trucs en fait. Ouais. Comment s'est passée ta compo de tout à l'heure? Alors, c'était pas une compo. Hein, c'est des trad irlandais. Et j'en ai fait 2 sur 3. Voilà, le but c'était de faire un accompagnement, puis un accompagnement piano et après pouvoir m'entraîner dessus. Et voilà, moi ça s'est bien passé. Je me suis bien amusée. Moi je trouve ça marrant en fait de faire ça. Putain merde, c'est où? C'était là. Youhou. Et voilà, donc c'était fun. Moi je suis bien marrée. Et je pense que demain après-midi, je finirai. J'avais encore un truc à faire. Est-ce qu'il y avait encore des trucs là en bas? Des grenades? J'ai récupéré une caisse de stockage de boulets si jamais. Ah ouais, des boulets, c'est bien. Donc tu peux récupérer des boulets peut-être. Non, mais j'ai pas vidé mes poches de boulets. Je suis en boulet. Voilà. Il n'y a pas de poche d'air, alors du coup, c'est chiant. Un peu. Après, tu peux temporiser en prenant de la bouffe, mais bon. C'est un peu risqué, quoi. Ouais, je vois rien d'autre de folichon, moi. Là, je passe, mais je pense que c'est vraiment le manifeste qu'il fallait récupérer, donc... Oui, bah, de toute façon, c'est le but d'avoir. Ouais. Ouais, non, je ressors. Bah, de toute façon... Et voilà. Et maintenant, bah, il faut ramener le manifeste, je ne sais plus où. Je sais pas, on va regarder, hein, il doit y avoir quelque chose d'écrit dans le manifeste, donc... Manifestement. Ah. Quoi? Merde. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, quand je vais dans le truc des quêtes... Attends, pas possible. Ah, y'a plus rien? Dans le truc des quêtes, y'a plus rien. Donc, ah, donc on a fini? Ouais, mais non, parce que quand je ramasse le manifeste... Ouais. Tu peux lire le manifeste? Merde, je peux pas le... Fuck. Fais F pour proposer la quête, non? Sur le tableau, tu peux non, pas? Non, non. Eh ben, il faut le revendre, écoute. Manifeste, ramasser. Ah ouais, non, ouais, je pense, effectivement. Je pense qu'il faut le ramener et puis le vendre. Manifeste. Oui, c'est ça, faut le ramener, écoute. Donc. Ouais, mais je pensais qu'il fallait le ramener à un endroit particulier. Non, ça va être un avant-poste marchand. On va aller où? L'avant-poste le plus proche. La Plunder? Ou alors ouais, au Nord? Plunder, je le sens moyen parce qu'à chaque fois, il y a des gens et tout. Non, Nord, ouais. C'est moins loin, non? Ah, je sais pas, en fait, c'est équidistant. Mais va au Nord. Ouais, va au Nord. Voilà, va à Golden Sands. Va au Nord, écoute, Julien. Bah oui, non, mais tu dis, oh, c'est long, et puis voilà. Non, mais les deux... J'avais pas trouvé de clé. Si, on a trouvé une clé, d'ailleurs. La clé du capitaine. Pourquoi, il s'ouvre? La clé du capitaine. Et, bah ouais, peut-être. Ah, peut-être, écoute. Hein. Clé du capitaine, manifeste, non. On a trouvé la clé, mais elle se revend, la clé. Ok, d'accord. Bah écoute, on a la clé et le bouquin. À un moment, on a trouvé un coffre du capitaine, mais ça marchait pas. Ouais.
Ça voulait pas ouvrir. Donc bon. Allez ouvrir le truc du capitaine dans l'épave. Ah, le truc du capitaine. Heureusement qu'il y a des gens qui backseat un petit peu bien comme il faut. Attends, je vais poser ça. Il y a un truc ça. De capitaine là-dedans ? Eh ben, un truc de capitaine peut-être. Genre les quartiers du capitaine. On va essayer de faire ça. C'est où déjà ? C'est là ? C'était là où. Tu sais, c'est là où c'est joli. J'ai la clé. Je viens avec la clé. Ah oui, bah voilà, clé requise pour déverrouiller. Putain, heureusement que t'étais là. Hein, oui. On serait passé à côté. Hein. Complètement. T'es où ? T'es là, regarde. Coucou. J'arrive. Donc les quartiers du capitaine. Et ouais. Déverrouillé. T'imagines, tu l'aurais vendu comme un cake ? Et ouais. Putain. Et là, waouh, plein de caisses de thé. Waouh, et une caisse de minéraux extraordinaires, je remonte ça. Il y a plein de trucs à récupérer donc. Ouais, à la limite, peut-être il y en a un qui peut les remonter en surface. Ça fait quoi si on les lâche ? Wow. Elle est où ? Oh putain ! Quoi ? Mais énormément de trucs. Quand on les lâche, elles remontent à la surface. Donc je te propose de les sortir, de les lâcher, d'en remettre quelques-unes d'autres et puis on les récupère au harpon. Pense à revenir de temps en temps à la surface pour récupérer de l'air. Mais tu peux en sortir plusieurs et les lâcher. Tu sais, tu fais X pendant que t'es encore dans l'eau. Ouais. Et au moins ça les lâche. Et elles remontent à la surface puisqu'elles flottent. Moi, je vais essayer de les attraper. Ah, du coup, c'est toi qui les rattrape. Okay. Oui, voilà. Ça nous évite de faire monter, descendre. Hop. Yes, c'est bon, je l'ai aussi, ça. Comme ça, tu peux en faire 2-3 d'affilée avant de respirer, j'imagine. Je pense que je peux pas t'attraper pour te faire remonter plus vite, mais... Putain, la vache, le nombre de caisses. Ouais. Mais c'est où la porte ? Elle va se noyer. Ouais, peut-être que tu vas te noyer en sortant... Enfin, remarque, tu peux en sortir 2-3 avant de remonter, j'imagine, mais si tu les lâches, yes. Ouais, je pense. Au moins en faire 2. Ouais. Tout va bien ! Donne-moi ça. N'oublie pas de faire X et Shift pour pouvoir nager plus vite dans l'eau. Des fois que t'es ton épée, tu sais, par accident, du coup, ça te fait pas sprinter quand tu nages. Moi, je fais X pour lâcher tout objet qu'on a dans les mains. Et ensuite Shift pour pouvoir nager plus vite derrière. Parce que des fois, t'as l'impression de sprinter, puis d'un seul coup, il ressort son épée, et du coup, il nage moins vite, et c'est chiant. Mm. Yes, super. Très bon boulot pour le moment. Yay. Allez, on retourne. Il t'en reste combien ? Ah ! Qu'est-ce qui se passe, un requin ? Ouais. Ok. Merde. Ah oui, effectivement, t'es en combat. Alors j'arrive, je m'interpose. Et où sont les requins ? Vas-y, viens là ! Vas-y, viens ! Juste me nourrir un peu. Oh merde, il était trop loin ! Aïe ! Ah si, c'est bon. Je l'ai buté ! Ouais ! Okay. Un coup de tromblon, il est mort. Très très bien, et ben je vais... Bon, je pose du requin sur le pont. Hop. Bon, mais j'y retourne. Hein. Ok. Non, je le mets dans un tonneau. Voilà. Putain, on a vraiment plus de bouffe dans les tonneaux ? Ah si, il reste quelques bananes. Après, si tu voulais changer, on pouvait changer. Hein, mais... il y avait un squelette, c'est trop marrant. Un squelette qui se dort la pilule, c'est n'importe quoi. Ah ouais ? Il y a pas un truc sur lui d'ailleurs ? Il n'y a pas un petit livre, un truc, non ? Une petite quête qu'on n'est pas au courant ? Je pense pas, mais okay. Je regarderai après. Ok. Comment dire qu'il y a encore 50 millions de caisses ? Ah ouais, à ce moment-là ? Putain, mais ouais. C'est quoi ça ? Caisse de sucre raffiné. Waouh. Eh ben, c'était une super quête, ça. Encore merci à Azerstorm hein, qui nous a bien rencardé sur le plan. Si vous avez une clé, il faut ouvrir le truc avec la clé. Ouvre le truc. Sois pas con. Bah oui. T'as à dire que j'aurais pu revendre la clé, quoi. Mais oui, non mais... Bref. De rien, tu dis. Allez. Il y en a encore combien ? 1000. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le bateau, il va couler, hein. Ah bon ? Il y a trop de caisses. C'est une blague. Mais non. C'est une blague. C'est une blague. Ah oui, d'accord. Oh,
Allez, 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 allez. C'est long. On veut. Bah, tu veux qu'on échange ? Quand même. Bah, je sais, mais peut-être que c'est moins rébarbatif pour toi. Non, je sais pas ça. Ouais, je suis à t'aider. Mais non, mais. Bah, c'est pas grave. Capitaine, on prend l'autre de l'Est. Mais on a pas de l'Est. Trop de loot. Oh, salut. Ah, ça va, il en reste quelques-unes. Bah, ça va, c'est pas toi qui as fait les 50 millions. C'est vrai. Surtout, faut pas se tromper avec les tonneaux de... Bah tu sais, ils se revendent aussi, les tonneaux, hein. Après, si tu veux, hein. Ouais, mais c'est risqué. C'est dangereux, hein. On peut faire, hein. C'est vrai que ça se revend bien, hein. Putain, il y en a encore une, là. Allez, saloperie, va. Ah, mais il y en a encore un sur le lit, là, putain. Et après, on peut pas récupérer la clé pour la revendre. Oh, je me noie. Je me noie. Elle est salée, c'est dégueulasse. Quoi non. Vas-y, essaye de les choper parce que du oui. coup, je vais essayer. Enfin, tu vois, je vais essayer de prendre les tonneaux qui pètent. Les tonneaux abrasifs. Mais du coup, ouais. Et pourquoi on a plus de 2500? Ah, parce qu'on a une récompense de. Bah, on a eu 2500 pièces d'or, je sais pas pourquoi. Parce qu'on a trouvé des trucs. Sûrement. Vous avez trouvé 12 000 caisses de thé, donc on vous donne des pièces d'or. Avant même de les vendre. C'est gratuit. C'est gratuit. Des pièces d'or. Ah qu'est-ce qui se passe? Je me fais happer par un requin, je pense. Putain, culé de requin. Ah, j'ai raté. Allez ah. Voilà. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça m'a fait peur. Mais c'est le requin. C'est le requin, il tire des coups de fusil, tout va bien. Ok, c'est bon, il n'y avait plus rien. Si, si, il y avait encore les... Tiens, ta mère en slip. Tiens, ta mère en slip. Bah tiens, ta mère en slip. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis pour les caisses qui explosent. On en a pris une. Alors attends, si t'en as pris une, je vais la mettre sur le mât, là-haut. Au cas où. J'en ai monté une. Le thé, ça fait des révolutions. Il a gagné 2500 grâce au pass de combat. Au patché de combat. C'est quoi? C'est quoi le patché des combats? Le patch de combat. Ce que ça veut dire. L'a pas compris. Bon, on va en avant-poste. La passe de combat, grâce au passe de combat. C'est quoi le passe de combat? Je ne sais pas. P-A-2-S-E. Hop là. On va où déjà? On va au nord. Oui, non, mais je sais. Je cherchais l'azimut. Ah. On n'a pas essayé de récupérer la clé, mais je pense que c'est mort. Bah non, c'est ouvert la porte. Ouais, bah genre, on peut pas enlever une clé d'une porte ouverte, alors super. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah, mal au dos, ouais. Mal au dos? Bah oui, j'ai mal au dos. Trop de caisses? Ouais, j'ai porté trop de caisses. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Le chat, il dort dans ma cabane, toujours. Ah, c'est bien. Et j'ai un petit minou. Qui pue. Qui pue. C'est le gentil chat qui pue. Oui, car on a récupéré un chat qui pue. Mais très gentil. Mais très qui bave. Mais très qui bave, ouais, totalement. Allez, espérons qu'on va croiser personne sur le chemin. Putain, on a tellement de trucs à rappeler. Oui. Le premier truc qu'on va faire, c'est rendre le manifeste. Hein. Tu sais que... Il y a moyen qu'on se prenne un kraken avec autant de loot. Ouais, et ben. J'espère que tu es prête. Que... Ouais, ouais. Je vais recharger mes munitions. Voilà. Munitions rechargées. C'est pas con ça. Moi aussi. Il y a une caisse de boulet ici. Caisse de boulet, ce serait bien de. Let's go, c'est près de. Voilà. Des boulets. Il y en a 50. You start to breathe. I'm not standing for the motor. Mais Tweener caisse de boulet, je te permets pas. Voilà, comme ça on va revendre aussi la caisse de boulet. Allez. Cette voix. Quoi? C'est nul. Oui. Il a dit capoué.
Il a dit Cap. Henri. Henri. Ah non, il est plus aigu, c'est Henri. Voilà. Henri. Voilà, ça c'est bon. Henri. Enfin, il a fait des petits chutes. Ça marche tellement bien. Henri. Putain, c'est loin. Putain, c'est loin, ouais. Sa mère. On n'a pas le vent. En poupe. On n'a pas le vent en poupe. On n'a pas le vent en poulpe. En poupe, poupe, pidou, poupe. En poulpe. En poule, poule, pidoulpe. En poule pito. En poule position. En polpette. En poule éluard. Ah. Ah. La référence littéraire. En poule, en poule chon, hein, évidemment. En polyester. Ah. En quoi? En polypanal. C'est dégueulasse. Ah bah oui, écoute, après, hein, bon... C'est dégoûtant. On fait ce qu'on peut, hein. Bon, il n'y a pas un connard qui nous attend, hein, c'est bon. Hé, les connards. Hé, le connard. Oh, ce serait trop bien que je puisse faire ça. Je sors le haut-parleur et je leur parle comme ça. Ce serait tellement bien. En polygone, mais oui. Ah oui. Tout à fait. En polycule. Polygone. En pellicule. Hein, en poly... En polyester. Poly, j'ai déjà fait polyester. En polystyrène. Ouais, poly... ouais. En polyamoureux. En politique, 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 ouais, ouais, ouais. Oh mon dieu, Rebecca! Il y a des gens! Merde! Je change de bras! Vite! Ils ont des grosses voiles! Ils veulent nous intercepter! Vite, on se met face au vent! Le vrai héros de tous les temps! Prends la barre! Policier. Ah bon? Il faut que j'aille où? Tu les vois? Oui, bah oui! Ok, on se met face au vent! Dès que t'es face au vent, tu fais barre droite! Enfin, tu tiens, tu fais face au vent! Voilà! Est-ce qu'ils nous en veulent? Non, ça a l'air d'être... Je sais pas, hein. On va se mettre face au vent, et on va... Voilà, bien face au vent! Et on continue tout droit face au vent! Pourquoi tu tiens la barre de travers? Ah si, c'est bon! J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit! C'est bon, ils ont l'air de juste vouloir aller à l'avant-poste! Attends, déjà... Voilà! Ouais, ils allaient à l'avant-poste, heureusement qu'on n'y a pas été, hein! Oh putain, mais ils se sont jetés sur l'avant-poste, ils ont fait pleine vitesse et ils sont écrasés sur l'avant-poste. Bon, on va où, nous, du coup? Bah, il faut trouver un autre avant-poste. Oh, fais chier. Polyéthanol, ah, c'est pas mal. Sous le vent, c'est comme si j'avais pris ta mère. J'ai sorti... Oui, grand. On peut aller plus loin, mais on va les croiser encore. Il y a avant-poste Sanctuary. Ce qu'on peut faire, c'est partir vers l'ouest, si tu veux, contourne l'île, là. On va vers l'ouest. Ouais. Et quand on sera près du bord de la map, on remontera vers le nord. Ok. Donc vas-y, full west. Vraiment far west, quoi. Ok. Complètement far west. Et après, plus tard, on remontera full nord en espérant les esquiver. Et on ira à l'avant-poste Sanctuary. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres connards. Ouais, ça se trouve, ils étaient gentils, hein, mais on sait jamais. L'ennemi, ouais, c'est autrui, plus ou moins, quoi. Ah oui, l'enfer, c'est les autres. Mmh, oui, c'est ça. Full west. Jean Solpartre. Voilà, full west. Complètement ouest. Ouais, super. Ouais, super, ouest. Non, on a beaucoup trop de trucs, hein. Oui, on peut pas se permettre de croiser des gens. Ah, ils y sont encore, hein. Putain, s'ils nous voient... Ah oui, yes. Je sais tirer les voiles. On se cache et on se... On attend qu'ils se déco. Ouais. On peut, hein. Non, mais c'est bon. Là, ils doivent être en train de poser du loot. Ils sont écrasés sur l'île comme des merdes. Ils ont fait scrunch. Non, mais ils sont arrivés à pleine balle et ils sont pris la pelage. Donc je pense que c'est leur fin de game et qu'ils s'en foutent du bateau. Peut-être, ouais. Je pense. Du coup, alors, tu veux déjà que je bifurque? Non, on continue encore un petit peu. On va essayer de vraiment... redresse un peu, c'est de dire vraiment ouest. Parce que là, tu pars un peu sud-ouest, très léger. Tu peux commencer à faire peut-être nord-ouest. Voilà, on va prendre un peu la diagonale déjà. Fais nord-ouest. Je vais essayer de te tirer des voiles comme il faut. Je peux prendre. Ah si, quand tu seras nord-ouest, tu auras un peu plus de vent. En poupe. De vendre les voiles. Voilà. Ah, c'est pas mal ça, nord-ouest c'est nickel. Allez, c'est parti. On va voir. On se voit, on y va. On se voit. Ils sont encore là-bas. Oh, j'ai le mal de merde. Oh, le mal de merde. Oh, ça c'est quand je change la litière du chat. Non. J'ai le mal de merde. Tu l'as compris? Oh, oh. Alors, on en est où du bord de la carte, là? Pff, c'est pas encore assez loin, ça, hein. Moi, ça m'inquiète. Bon, après, vas-y, fais nord, c'est bon.
On va dire qu'ils nous ont pas vus. D'autres connards. Ah non. Ouais, essaye de faire nord, mais un peu ouest encore un peu, tu vois, genre... Nord-nord-ouest, tu vois, tout petit peu nord-ouest, histoire de continuer un petit peu en biais, histoire de continuer à s'éloigner au cas où. Comme ça, on a de la marge de manœuvre si jamais ils nous attaquent. Quoi ? Ils nous attaquent. Ouais. Ils nous attaquent. Henri ! Rat-attaque. Henri ! Rat-attaque. Henri ! Arrête tes conneries. Il a dit capoué. Ah oui, il a dit capoué. Oh, bon, alors, Sea Dogs Rest. Là, bord à la cul, oh, on n'est pas du tout arrivé encore. Hein. J'espère que t'as de la patience parce que c'est pas encore là. Ah, je sais. Oh là 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 là. Sinon, on peut se dire que. Ouais, non, ils vont nous gruger. Il y en a un qui y va à la nage. Vas-y. Et je prends un coffre. Non, pas un coffre. Ah, pour voir s'ils y sont. Le manifeste. Ah, le oui, mais ouais. Ah, tu tournes trop droite, pourquoi tu tournes autant à droite par seulement nord? Pourquoi on part à droite? Au secours, pourquoi on va à droite? T'es con. Mais qu'est-ce que tu fais? Nord. Ouais, tu vas nord-est, là, qu'est-ce qu'elle branle? Mais je vois les lumières, là-haut, c'est pas là. Ah, tu t'es pris pour un papillon de nuit, ou quoi? Mais c'est pas du tout là, mais non, mais ça, c'est pas le bon avant-poste, ça. Ça, c'est celui où on voulait aller. Ah, bah du coup, on va pas là. Bon, d'accord. Non, on va au nord. Bon, d'accord. Ah, là, tu pars nord-ouest, du coup. Oui, bah ça va. Oh là 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 là. Il va se calmer la luciole. Regarde-moi comme c'est beau là-bas. Oh, c'est beau. Les indications un peu plus claires. Bah j'ai dit nord. Nord, c'est nord. Voilà, nord. Super là. Ouais, c'est vachement bien là. Ah là, nord, c'est bien, bien, bien là. On est bien. Ah non, tu pars un peu vers l'est. Non, je suis au nord là. Ah bah. Du coup, là, ce que j'ai en face, c'est quoi? C'est pour ça, faudra le contourner par la gauche. Voilà, là, comme ça, c'est bien, là, voilà. On arrive dans combien de temps? J'ai envie de faire pipi. Ah, merde. Ben, je prends la barre, si tu veux, tu vas faire pipi. Mais non, mais je déconne. Ah, d'accord, ok. C'est parce que blague. C'est blague. C'est pas tout de suite. La blague. Ah, attends, je vais essayer de te tirer des voiles. Oh, tirer des voiles. Ah, tire-moi les voiles. Ah, oui, vas-y. Ah, oui, là. Bah, c'est déjà, elles sont déjà full droit, je peux rien faire de mieux. Naviguer sur plusieurs kilomètres sur la mer, 73 sur 100. Super. Vous avez fait le Paris-Dakar, mais sur la mer. Oh mon dieu! Ah, planquez-vous! Je sais pas si ça a réveillé le chat. Oh non! Elle a dit à tes souhaits, You King. On est à Crescent Isle, l'île du croissant. Je comprends pas. Je comprends pas du tout sa position. Je sais pas, une position bizarre. Bref, Une fois qu'on a passé l'île, ouais. Tu pourras faire nord-est. Nord-est, oui, légèrement plus est. Parce que là, en fait, on arrive au bord de la map, non? Non, pas du tout. On a encore de la marge. Donc, nord-est, oui. Nord-est, légèrement est. Ok. Nord-est, légèrement est. Bah, alors, tout petit peu. Hein. Enfin, comme ça, c'est bien pas plus. Oui, bah, deux secondes. Bon, alors, nord-est, alors, finalement. Cela, ça fait beaucoup à droite, alors non, je voudrais un peu moins à droite si possible. S'il vous plaît. Ah ouais, et les voiles. Voilà. Comme ça, c'est super. Garde le cap, nous saillons. Ah oui. Mon capitaine, mon capitaine. Moi, je vais te gonfler les voiles, je vais te souffler dans les voiles. C'est où? Attention. Allez, on dit que dans 10 minutes, c'est fini, comme ça je peux nourrir le chat, il sera 6h du matin. Bah, je le nourris, moi, t'inquiète pas. Bah non. Ah non, 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 non. Quoi? Pourquoi je le nourris pas? Parce qu'il faut d'abord qu'on ramène les caisses de thé. Non, mais je veux dire, je le nourris une fois qu'on a fini. Oui, non, mais bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que ce serait bien... Ouais. Ce serait bien qu'on puisse le nourrir à 6h pile. Ouais, bon, c'est pas une horloge, le truc. Ouais, c'est bien, t'as récupéré le cap. Ouais, je suis fier de toi. Ouais, je sais. Bon, c'est bon, là? Ouais, c'est pas mal. Je vais aller zoomer dans la carte. Vas-y, zoom dans la carte. Dans ma zoom, zoom, zoom. Dans ma zoom, zoom, zoom. Putain, t'imagines si tu pouvais faire ça avec ta voix de manière naturelle? Putain, mais je serais mort. Il
Là, c'est les, tu sais, c'est les créatures dans le cinquième élément. Ah oui. Les méchants. C'est pas l'homme qui prend la mer. La mer qui prend l'homme. Yuking qui disait, pourquoi j'ai du Renault en tête en me regardant jouer? Parce qu'on prend la mer. Ah, la même mer. Non, pas la même mer. Tout à fait. Moi, tout à fait. Il est où? Moi, tout à fait. Ah, tu l'entends pas, toi, le tout à fait, Rebecca? Non. Oh. Et non. Quel damoge. On peut pas tout avoir dans la vie. L'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul. Seul au fond de l'espoir, de la de je sais pas comment, du placard. Celui qui n'a jamais été seul au moins deux fois. Six fois dans sa vie. Seul au fond de son lit. Seul au bout de la nuit. C'est juste le lit avec les lumières qu'il y a en face de nous. Je pense que tu as compris. Ouais. Je suis bourré. Ah ouais? Bourré de fatigue? Ah. Qu'est-ce qui se passe, madame? Une petite musique? On va faire un peu de musique! La 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 pouet, pouet. La 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 pouet, pouet. Il y a de la latence, c'est terrible qui fait pas le pouet pouet en rythme. C'est trop drôle. Il y a un gros blanc. Oui, c'est ça, face à nous. C'est celle-là? Oui. Regarde, il y a marqué avant-poste Sanctuary. Est-ce qu'il y a des gens? C'est-à-dire que c'est fréquenté en hiver, mais parce que c'est la saison haute. Mais sinon, je, là actuellement, il n'y a personne. Il y a son père. Okay, la seule personne, le ponton des marchands. On peut, voilà. J'ai compris. Say no more, I'm going to manage the sale. Joplin! Janice Joplin, say it and moi je mets de la soupline. Vide comme un kebab au soleil. Ah bon? C'est une expression ça? Ah bon? C'est pas là, donc je remets des voiles. It's close to midnight. You're paralyzed. This is Skeeter. Ah, ça y est, ça va être eux, je crois. Ouais, c'est eux. Ah! Les voiles remontent, merci. Non, mais putain, ça tourne beaucoup plus quand t'en as les voiles remontées, donc pense à redresser en avance. Si jamais. Bon, fais ce que tu veux. Au pire, on s'écrase, on s'en fout! Ouais, parce que là, de toute façon. Voilà, tu peux baisser l'ancre. Merde, au secours. J'ai attrapé un coffre à la place. Tu regarderas, tu te retourneras, il y a un coffre sur le cabestan. Regarde, j'ai paniqué. Ok, bah toi prends... Allez, toi prends. Je prends ça. Ah, le manifeste. Ah bah vas-y, prends le manifeste. Il est où le manifeste? Il est par terre. Pas universel, on doit partager ça avec quelques potes. Mais avec nos conneries, ça sort tout seul à force de l'entendre. De base, c'était fondre comme un kebab au soleil. Tiens, je te vends ça, madame. Caisse de terres rares vendue. 431. Combien? Mais c'est nul. 2200. Ah, c'est mieux. Bon. Tout ça pour ça? Non, c'est vrai, il y a les 1 milliard de caisses, en fait. C'est ça aussi, le trésor. Et oui, mon ami. Oh, j'hésite à rapprocher encore le bateau un petit peu. Mais bon. Ouais. Tiens, ramène des trucs et puis hop. Comment ça? Je ramène et toi tu vends. Ah vas-y, oh ouais super, c'est le bon plan ça. Ça y est, j'ai fini. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? Ah, merci. Ah mais c'est une caisse de boulet vide, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ah, elle est vide, celle-là. Ah oui, bah, je veux bien la vendre, mais caisse de boulet, pas encore pleine. Ah bah non, désolé, je me suis trompée. Attends, je vais essayer de mettre des boulets dedans pour voir. Ouvrir. Non, on peut mettre que des boulets normaux, je suis deg. Oui, c'est des boulets normaux. Ah, j'essaie de faire les tonneaux aux alentours. Ouais, mais il y en a encore un sur le bateau. Ouais. Hop. Tac. Non, pas dans ce sens-là, chrono. C'est qu'on avait une barque, mais bon. Oui. Parce
Là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, effectivement, on ira plus vite si tu m'aides. Ok. J'espérais, mais non. On va essayer de faire ça. Petite astuce de pro player. Est-ce que ça marche quand t'as déjà mis l'encre ? Je crois, oui. Oui, regarde, on est en train de tourner, là. Ah ouais ? Ok. Ça fait pas clic-clic, c'est bizarre, mais ça a l'air de marcher. Ça a l'air de... Au secours, dit Rebecca ! Pardon, ouais, c'est moi qui... Oh, ah. Ça marche pas bien ! Pourquoi ça marche pas bien ? Ça marche pas du tout ! Ça marche pas du tout ! Mais non, connard. Harpon versus encre, étrangement, l'encre doit gagner. Oui, Hooking. Non, mais pour l'orientation du bateau gauche-droite, il me semblait que ça pouvait marcher, mais apparemment, c'est non. Comme dirait notre ami Julien. Ah putain, c'était pas du tout. Quoi ? T'es pas du tout dans le bon sens, bordel. Mais si, regarde, voilà, comme ça, là, c'est pas mal. Là, comme ça. Une hypothèse potentiellement hypothétique. Oh, comme ça. Ah, mais putain ! Qu'est-ce qui t'arrive ? J'arrive pas à choper les caisses. Faut que je prenne soit le canon, soit le harpon, mais pas les caisses. Je comprends mieux. N'importe quoi. Je comprends mieux ta frustration, Rebecca. On va foncer dedans, c'est ça ? Oh oh ! Rocher pointé bon. La réception ? Oui, c'est parti ! Non, c'est bon, là, je suis collé au truc, là, regarde-moi ça, c'est pas très bien, ça ? Voilà, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, regarde ! Oh là là ! Ah, faut quand même retourner dans l'eau ! Oh, c'est pas si bien que ça ! Je suis déçue un petit peu. Je vais pleurer un petit peu. Mais ça va, il y a pire dans la vie. Oui. Oh, beaucoup de coffres, mais ça rapporte rien, c'est nul. Si on avait su, on aurait pris l'étendard des marchands, ça nous aurait rapporté un peu plus de thunes. Bah oui, on est con. Peut-être qu'on peut le changer. Ah non, je pense que quand on en a un, c'est pour la vie. Quoique, attends, je regarde. Ah non, vous représentez déjà une autre société. Oh zut. Faudrait voter pour baisser l'étendard et après, voilà. Il y a les caisses de boules vides, c'est vrai. Ouais, je suis en train de la remplir, mais y a rien en fait. Tu es joueuse, toi ? Je suis à 29. Tu es joueuse, Yuking, de Sea of Thieves ? Pas du tout. Ouais, j'ai déjà fait ça ici. Mon PC est un vieux toaster. Ah ! Un vieux toaster. Toaster, c'est parti ! Les fous rires sont garantis ! Oups. Bon, bah moi je cherche des boulets. Des boulets. Je suis là. Oh, en baissant beaucoup les specs, peut-être que ça fonctionne, Yuking. Si tu baisses beaucoup. Je le saurai après upgrade, mais toutes les cartes graphiques que je veux sont en rupture de stock actuellement. Ouais, on sait ce que c'est, il faut trouver de l'occasion. Ouais, nous on a dû faire ça. Ouais, on a dû choper une 2080 d'occasion à un prix plus que ce qu'il faudrait, mais bon, on a quand même eu du bol. Ouais. Faut que je joue en braille à ce stade. Oui, c'est possible. Bon, donnez-moi des... Aïe, j'ai tout vendu. Vérifie quand même à la cale. Oui, j'y vais. Oui, madame. Bon, moi, je cherche des... Des boulets. Des tonneaux. Je vois, attends, il en reste pas sur le bateau ? Si, il reste encore 10 boulets sur le bateau. Ah ouais ? Oui. Parce que tu sais, il y a deux tonneaux en fait. Il y a un tonneau supérieur et un tonneau inférieur. Ouais, il me semblait avoir pris. Mais... Eh bien, il t'a mal semblé. Putain, merci. Quoi ? Rien, il est lent. Hein ? Oh putain, c'est. J'ai cru que tu médisais sur moi. Mon petit cœur s'est serré. Oh, j'ai trouvé une autre caisse ! Une autre caisse de terre rare. Il en restait deux. T'as mal regardé. Mais non, regarde, je suis en train de regarder, j'ai bien vu. Hop. C'est quoi les tétons ? Mais tu sais bien, c'est dans Pérus.
Les petits poils, les tétons, les kibotesses, les cucu, poil, poil. C'est pas celui-là que je dis, c'est pas grave. Je sais plus lequel c'est. Mais tu sais bien. Allez. Fais-le-moi. La merde, c'est éteint, y'a pas des boulets normaux, bordel. Bordel. Mais tant pis, vends-la comme ça, même si elle est pas pleine, peut-être ça marche quand même. Ouais. Il t'en manque combien? J'en ai 32 pour le moment, je vais voir si j'en fais. J'arrive avec 10. Une quête qu'obtenue, qu'on va pas du tout faire maintenant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis tellement écroulé à cet enthousiasme. J'ai trouvé une autre caisse. Ah, je suis à 36. Tu m'as pas vu jouer à Zelda, Yuking, hein. Dès que je vois un champignon, c'est pareil. J'arrive, Rebecca. Ah non, elle s'enfuit. Reviens. Mais non, mais... Oh. Mais madame. Mais madame. Ah, voilà. Vas-y, on va le remplir, ce putain. Voilà, il en manque 4. Ouais, c'est bon, j'ai. Voilà, et t'as vu? Je Quoi? Le porte à bout de bras. À bout d'habit, à bout de bras. 50 boulets. À bout de bras. Ouais, tout va bien. Il a vaincu une armée. Terre des ennemis, c'est Prince Ali. Il a 103 chameaux et chamelles. Il la tira la dira la doui. Et voilà. Tandé debout. 120 chameaux. Ah ouais, j'ai dit combien? 102, 103, je sais plus. J'ai pas le bon chiffre, y'a pas le compte des chameaux. Qui c'est qui a mangé les chameaux? Faut pas manger les chameaux, c'est caca. On les boire peut-être, s'il y a de la flotte dedans, mais... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, madame? Et ben voilà, on est bon, là. Oui, on a bien tout vendu, c'est bon, je vais aller jouer. Tadam. Bravo. Oh, dommage, j'avais encore un petit requin, là, bon... Oh, oui, il y avait un petit requin. Ah, fait un bon. Ah, sorry, pour le tatin. Voilà, requins, là, c'est pro. Oh là là. Pas grave, je vais le cuisiner. Parce que j'ai noté que c'était un stream cuisine. Un souci d'habitude, zut. J'écrivais en chantant en même temps. Ah. Oh là, la misère. Oh. Et donc, ouais, les caisses de stockage, ça se vend pas. Hélas, non. Je ressaute pour rien. On peut les laisser sur la plage. Boum. Boum. Ah, bou, bou, bou. Bon, bah, 6h04, voilà. On a fait un petit live de presque 4 heures, là. 3h49, on a été à peu près efficace. Non, alors, et maintenant, est-ce qu'on a droit aux fables de flibustier? Non. Non, il faut vraiment tomber sur un endroit. Attends. Il faut vraiment tomber sur un endroit où il y a une fable de flibustier à faire, en fait. On n'a pas le choix. Il faut vraiment aller dans une taverne où il y en a un. Je savais pas, moi. C'est ça. Bah, ouais. D'ailleurs, faudra demander à Google la prochaine fois. À Google ou alors. Prochaine taverne, quoi. On regarde ce qu'il y a. En tant qu'émissaire de la fortune d'Athéna, augmentez votre rang d'émissaire, terminant ces missions, vous remporterez ainsi plus de récompenses améliorées. Ouais, ça c'est vraiment quand tu fais les quêtes d'Athéna de ouf, quoi. Donc ça, non. Ouais, bah prochaine fois qu'on se connecte, on regarde un petit peu où est qui est où, machin, et puis voilà, parce que là, on n'a même pas le choix d'aller regarder les quêtes disponibles, quoi. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Révoltant. Non. Ah ouais, ta carte graphique arrivera à faire tourner? Bah alors du coup, c'est quoi? C'est le processeur qui manque? Après, bon, faut baisser les effets d'eau, quoi, parce que c'est quand même vénère, hein. En parler aux vieux, là. Voir ce que vend le collectionneur d'or. J'ai pas gagné en réputation de machin d'or, là, non? Ah non, faudrait faire des quêtes... Oh, un butin étincelant enterré dans le Devil's Roar. Tu sais ce que c'est, le Devil's Roar? Non. C'est là où il y a... Les volcans! Ah, merde. Ouais, je l'achète pour la peine, tu sais quoi? Comme ça, on ira se faire pulvériser pour plus tard. Je compte vos pièces, vas-y, compte mes pièces, pas de problème. Ah non, il faut que je me débarrasse d'anciennes quêtes qui me servent pas parce qu'elles sont nulles. Voyons voir. Journal de pirate, non, quête, voyage. On va se débarrasser de ça, là. Oui. Bon, bah, moi, je mets ça là. Ouais. Voilà. Et je vais racheter une autre quête de collectionneur d'or. Stockage, là. Coffre planqué par l'estimé Level. D'accord, on va prendre ça. Oui. Je compte vos pièces, vas-y. Non, en fait, ça passe, je suis sur le cul. Ah bah alors, oui, bah, ça passe, mais avec quelle qualité, tu vois? Donc moins que ce que je pensais. Ok. Minimum, c'est une 650, j'ai une 660. Bon, c'est juste hein, quand même. Tu vas pas. Effectivement, tu vas jouer en braille, mais bon. Costume de collectionneur d'or, il est beau. Mais après, ça va, on va pas être assorti au bateau, c'est chiant. Voilà. Ton accès au voyage capitaine d'or. Ah, il faut être niveau 40. Oh là là. Sinon, j'avance. Je continue sans toi pour aller chercher un petit coffre tout seul et puis.
pour augmenter la réputation, mais bon. Alors, je préfère jouer Zelda. C'est ta réputation. Ouais. Oui, mais c'est pas grave, ça donne quand même accès. Moi, j'ai quand même accès, je peux quand même acheter des quêtes supérieures après, et on peut les faire ensemble. Ouais. Ouais, sois pas deg. Ouais. C'est pas parce que je suis arrivé level 80 à Guild Wars qu'il faut que tu sois deg, tu sais. Eh. Oh, je suis pas encore. Je suis 31. Oui, madame. Le 2. Oui, madame. Le 2, mais bon, j'avais jamais fait un seul MMO de ma vie, et puis voilà, je suis monté jusqu'à 80 parce que j'ai fait de l'exploration, tout ça, mais on n'a jamais trop joué en guild, joué à 2 avec Becky, puis à un moment donné, bah, sans Becky. Et du coup, j'ai continué à level up sans m'en rendre compte. Et voilà, quoi. Et sans m'en apercevoir, j'étais déjà dit au 80. Bon. Guild Wars 2, le up explose fait bien. Bah ouais. Hein. Non, mais de toute façon, je suis pas du tout un expert en MMO, c'était pour en essayer un dans ma vie, puis bah bon. Je pense qu'il manque plein de trucs, il me faudrait des guides, genre il faudrait qu'il y ait Belin ou toi, Yuking, hein, si jamais tu joues beaucoup, pour vraiment se remettre dedans et faire des trucs. Mais bon, pour les gens qui sont experts, on est des noobs, on est des boulets, quoi. On est des caisses à boulets, même, c'est même plus des boulets. On est des caisses de 50 boulets, on n'y connaît rien, il y a des mobs, on attaque un petit peu. C'est génial parce que les gens veulent jouer avec nous, c'est ça qui est fou. Mais pourtant, on est nuls. Mais on est nuls. Oui. On est nuls. Bon, bah, ouais. Nous sommes inexpérimentés. Comparé à des gens qui font peut-être que ça, qui sont spécialisés, tu vois, dans Guild Wars, ou qui ont fait des milliers d'heures sur Guild Wars, nous, bon, on connaît pas des masses, quoi. Ouais. Rebecca, tout va bien. J'ai vu. Guild Wars 2, j'ai pas passé beaucoup de temps, juste 3 ans et quelques de ma vie dessus. 3 ans et quelques. Ouais, en lead d'une des plus grosses guildes du serveur. Waouh. On a une célébrité avec nous, Yuking. La classe. Comment on s'assoit? S'assoit. Fait W. Et s'asseoir, c'est bon, j'ai vu. Et voilà. On est beau, regarde. Waouh, avec le coucher de soleil. Tout à fait. Waouh. Et ben voilà. Et ben c'était bien. Voilà. On a été efficace. Ouais. Presque. Ouais, à peu près. On s'est fait peu backseat, hein, on est. Oui, heureusement. Pour les 12 000 caisses de thé. Youpi. Vive le thé. Putain, mais ouais. Putain, t'imagines, on aurait juste eu le bouquin, la con. Oh, ils vendaient pas mal, le bouquin, non? Non. Ah. Ah oui, on aurait été deg, alors. Peut-être la clé vendait bien. Je crois que c'était 2000. Ouais. Ah, pour donner une idée, Yuking, en haut à gauche, tu vois mes FPS. J'ai beau avoir une 2080, et je suis censé être en 140 images secondes, et là, je suis que en 80 images secondes. Donc, c'est pour te dire, avec une 2080... bon, après, j'ai monté des trucs, pas au taquet, mais quasiment... voilà, galère quand même un petit peu. Il est pas en 140 images secondes. Franchement, je suis tenté pour le jeu. Lequel? Ah, pour celui-là. Bah écoute, ma foi, peut-être chope le Game Pass. Oui, je capture aussi en même temps, c'est vrai. J'encode en même temps, donc ça doit plomber un petit peu. Mais encore que, je suis même pas trop. Parce que tu sais, sur les 2080, il y a le NVENC. Donc du coup, ça prend pas sur la carte graphique en elle-même, ça prend sur le petit encodeur qui est prévu pour, justement. Donc normalement, ça devrait pas. Voilà, bref, en tout cas. Oh, il fait nuit. Putain, la nuit tombe vite. Oh, il y a un crâne là-bas. Eh, on fera un peu de bataille navale, moi j'aime bien. Enfin, je me suis très mal débrouillé quand on s'est retrouvé face au vaisseau, là. Pirate, squelette, mais bon. Oh, ça va, on s'est pas trop mal débrouillé. Ouais, mais bon, j'ai du mal à les viser et à bien les couler, quoi. C'était pas évident. Ouais, j'avais plus l'habitude. Non, j'avais plus l'habitude de viser avec les canons. Tout ça, tout ça. Bon, je vais mettre en Be Right Back et puis ben je vais faire un petit peu de Zelda. Tu vas quand même faire un peu de Zelda? Ah ouais. J'ai envie. Ah, mais faut que j'avance, faut que je le termine. Voilà. J'ai envie de faire d'autres jeux après. Moi, j'ai envie de me lancer soit dans Red Dead, soit dans The Witcher 3, soit dans Cyberpunk, soit dans 12 milliards de trucs à monde ouvert qui vont encore me prendre 500 heures. Du coup, si je l'embine sur Zelda, je vais jouer en 2023 au prochain, quoi. Là, c'est bon, j'ai deux animaux, j'ai deux animaux sur quatre, donc c'est bien. J'ai fait un animal machine hier, je sais plus comment on appelle ça, les créatures divines. Là. J'en ai fait une en plus, deux sur quatre, donc c'est pas mal. Et en plus, je l'ai fait vite, ça y est, maintenant je commence à comprendre un peu les mécaniques, donc ça va un peu plus vite. D'accord. Voilà. Bon. Eh ben, bonne nuit. Ben, oui, et bonne. Ah, bientôt. Oui, enfin, pas moi, tout de suite, évidemment, dans la cuisine, mais aux autres qui t'écoutent chez toi, voilà. À bientôt, effectivement. Qui regarderait la rediff. Ouais, bonne nuit, c'est ça. Enfin, bonne nuit, ou à tout à l'heure si tu me vois jouer du Zelda, Yuking. Voilà. À demain. À demain. Et après-demain. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Allez, on va nourrir le chat. Ending animated. C'est le jingle de fin.
c'est le jingle de fin. Allez, je te coupe la chic chez moi, hein, je te raccroche sur Discord. Ouais. Bisous. Bisous.